Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour les jours du dimanche Legacy. On est vendredi soir, aujourd'hui nous sommes avec Rofelos et Axel et nous allons continuer à découvrir Gloomhaven, les mâchoires du lion. Bonjour, comment allez-vous tous des amis? Rof. Ça va très bien, d'autant plus que je suis sur une table lourde et solide. Ouais, vraiment, très plaisir d'être là parce que franchement... Avant, j'avais un problème avec mon matos à 15 000 balles, et ben c'est que je bougeais. On voyait sur la table, c'est que ça bougeait. Ah oh, putain, les cams, Max, qu'est-ce que t'as branlé? Pardon, eh ben voilà, putain, voilà, Max. Vas-y, cause. Et apparemment, il faudrait peut-être que tu actives ton micro aussi. Ah, t'es une salope. Ah oui, c'est vrai. Et eh ben voilà. Salope. C'est parce que ton truc, il fait... Je recommence la blague. Je suis sur une table. Attends. Lourde et solide. Bizarre, je détecte pas tes piles, mais je crois qu'on t'entend. Vas-y, parle. 1, 2, 1, 2, test, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, ça marche. Ça marche? Ouais, c'est bon. Bah voilà, bah maintenant la blague est foirée. Mais chier, ça n'a plus aucune saveur. L'intro bon, est éclatée. On s'en fout, ça va très bien. Content d'être là sur un vrai bon jeu, le bon Gloomhaven, les mâchoires du lion. C'est quoi un vrai bon jeu? Ça veut dire que la sélection des As d'Or 2023 n'est pas composée de vrais bons jeux? Eh bien, on en parlera dimanche, si tu le veux bien, à 16h, sur cette chaîne présente. Oui, parce que donc, dimanche. Les gens, ils ont envie de se battre. Dimanche, on fera du 2v2. Il y aura Max et Marie Grandjeu qui viennent donc du jeu des As d'Or. Et moi et peut-être une autre personne mystère. Ah. Et on va les baiser. Non, en vrai, ça va. En fait, le but, c'est que vous puissiez nous poser toutes les questions de l'univers et que nous, on puisse vous donner des vraies réponses et pas des ouais, j'imagine que je crois, j'ai entendu d'après le voisin de mon pote. Allez, ferme-la. Je prône la transparence et franchement, c'est cool du coup d'avoir des membres du jury qu'on peut interviewer en disant mais t'es vraiment sûr que. Voilà. Et ça, c'est sympa. Voilà. Exactement. Comment ça va, Axel? Bon, écoute, ça va, hein, tranquillou. Hein. Est-ce qu'il y a un risque que tu nous gerbes dessus, par exemple? La gerboulade. Il se peut. Il se peut qu'effectivement, hier soir, j'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Bah, tant que c'était que hier soir, ça me va. Il y a quand même Digno qui nous dit au sujet de Rof. Bon, là, on l'entend, c'est ok. Après, si on le voit pas, c'est pas grave. Hein, c'est... Profitez-en. On a des bons amis. C'est dit. Profitez-en. Bon, les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt en forme. Je vais me reposer aujourd'hui et ça fait. Ouais. Après une bonne semaine. Après une bonne semaine de reprise, comme ça, on dirait. Tiens, reprise. Une bonne semaine de reprise de le stream. Eh bien, j'ai pu me poser un petit peu aujourd'hui, passer du temps avec mes amis. Et oui, ceux qui étaient là. Et puis après, je suis venu. Et puis après, ils sont arrivés. C'est ça. On va pouvoir partir du coup sur la suite de Gloomhaven, les Mâchoires du Lion. Si vous n'avez pas suivi les deux premiers épisodes, les deux premiers chapitres, eh bien, ils sont disponibles sur YouTube. Dans le premier, on apprend les toutes bases du jeu. Dans le second, on développe un petit peu notre potentiel. Et dans le troisième, eh bien, on va découvrir eh bien, tout simplement la fin, c'est-à-dire les mécaniques de jeu ultimes qui font que. On va se marrer pendant des dizaines d'heures sur ce jeu. On vous le rappelle rapidement et puis après on se lance directement dessus. Nous allons jouer à Gloomhaven, les mâchoires du lion. C'est une version allégée du jeu de base Gloomhaven, qui est une boîte qui fait 3 fois cette taille, 3 fois ce poids, mais qui a aussi 3 fois le contenu, puisque là on a 25 scénarios. Dans la boîte de base, c'est 95. Excusez-moi du peu. Sauf que là... c'est beaucoup plus facile à sortir, notamment parce qu'on va jouer sur un livre directement, y a moins d'éléments, c'est beaucoup moins le bordel, et du coup il y a des chances si vous le sortiez plus souvent parce que la mise en place est moins chiante. Et ça, franchement, pour moi, c'est la clé, et c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez jouer à Gloomhaven, achetez ça, achetez pas le jeu de base. Si, commencez par ça. Commencez par ça, voilà. Et si vous adorez ça, eh ben alors peut-être que vous irez vers la grosse boîte parce que vous voudrez plus de contenu. Pour moi déjà, commencez par ça. Vous avez déjà de quoi faire. Je pense pas que ce soit la même histoire. C'est pas le même prix aussi. Oui, voilà, petit instant, un petit instant promo. Il est actuellement à 56,90€ sur Play-in. Il en reste 2 à l'heure où je dis. Alors, ils peuvent avoir des réassorts. Mais si vous utilisez le code, si vous êtes sur ce site et que vous utilisez le code dimanche, eh bien, vous l'aurez à moins 10% si vous faites à peu près 50 balles pour un jeu qui est dense et qui est intéressant. Et si j'avais pas la vie que je mène en ce moment, une vie de patachon, donc je passe mon temps à streamer, et eh bien ce sera avec grand plaisir que je finirai cette campagne, parce que franchement c'est très cool. Ouais, j'avoue que ça fait bien kiffer aussi.
Donc j'y suis sur le moment promo et avant qu'on se lance définitivement dans cette histoire, eh bien, sachez que dimanche, on vous l'a dit, on va faire un petit retour sur les jeux qui ont été sélectionnés aux As d'Or. Et l'ensemble de ces jeux se trouve désormais dans le code dimanche. Oh ! Ce qui veut dire que, eh bien, alors c'est peut-être pas déjà le cas, ce sera peut-être le cas dimanche. Mais en tout cas, le but, c'est que eh bien, vous puissiez acheter ces jeux chez Play-In et vous faire un avis sur cette sélection qui, d'après certains... Imagine les gars qui créent pourquoi c'est faux. Qui achètent un jeu pour se faire un avis, qui font... Bah non. c'est pas bah, au moins, ils ont testé. Au moins, ils ont testé. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui critiquent alors qu'ils n'ont pas testé. Ça m'énerve. Exactement. Est-ce qu'on est parti quand tu veux, juste pour répondre à quelqu'un du chat là qui demande si c'est la même histoire. C'est une, c'est un préquel. Ça se passe avant. Les mêmes. Avant. Histoires. C'est ça. Tu dis préquel ou préquel? Préquel. En fait, je crois que en anglais, je pense. Tu veux prequel, dire. Prequel. Ça va être le nom anglais et préquel, c'est le nom français. Ouais. Donc une préquel. C'est donc un préquel ou une préquel, je ne sais pas. Appelez-le comme vous voulez. Je propose qu'on s'en batte les couilles. Aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est donc le scénario 4 et à moins que le scénario 4 dure 3 heures. Normalement, on ira ensuite sur le scénario 5, qui est le dernier scénario d'introduction, qui est donc le boss de la zone. Et après, vous irez vivre tranquillement de votre côté. Avant ça, je tiens à faire un petit, une petite excuse, parce qu'il se peut... Alors, en vrai, nous, on lit les commentaires qu'il y a sous les vidéos YouTube. Et la dernière fois, on avait notamment dit « Ah bah tiens, moi j'ai 19 d'initiative, toi t'as 18, etc. » Il me semble qu'en fait, je n'avais rien lu. En fait, j'étais allé sur le glossaire à la page initiative et j'avais rien lu de particulier. Donc j'étais en mode « Bah, allons-y, si on ne peut pas... Si c'est pas interdit de le faire, alors faisons-le. » Mais on est d'accord qu'en termes de lore, c'était un petit peu bizarre. Mais bon... C'est un jeu de société, ça fait un petit peu la part belle entre l'or et Bonne Aventure. Sélection de cartes. Chaque joueur va maintenant choisir secrètement et simultanément deux cartes qui a passé en sa main de 6 cartes, blablabla. Au cours de cette étape, les joueurs peuvent faire des déclarations générales sur leurs actions pour le round et discuter de leur stratégie, mais ils ne peuvent pas montrer leurs cartes aux autres joueurs ni donner d'informations spécifiques sur une valeur numérique ou un titre de carte. Désolé, c'était... En vraiment au tout début du truc de que Max avait lu. Ah, c'est vrai. Donc ça m'était un petit peu sorti de l'esprit. Donc maintenant on va faire ça comme ça parce qu'on essaye d'être au plus fidèle des règles. Désolé s'il y a des petits écueils, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit clean. En tout cas ça fait partie de mes rôles. Et deuxième chose, j'ai vu un man. Alors en quoi en deux ans des jours du dimanche et en 3 ans et demi dans plateau, il y a un man, il paraît, il a vu, je, paraîtrait que je joue un peu lentement. Et donc, ce qu'on disait avec Max avant le début de l'émission, il y a plusieurs types de joueurs. Moi, je suis plutôt un côté optimisateur. J'aime bien prendre mon temps pour optimiser mes choix. Et bien là, on va essayer d'aller plus vite. Je m'y engage. Je ne sais pas si, ouais. Si je vais y arriver. Voilà, mais en tout cas, je vais essayer de jouer plus rapidement. Bah, on a le droit d'y croire. On verra. On verra ça. On va se lancer directement là-dessus. Et tu as raison. Soyons au point sur les règles. Oui. Reprenons les bases. Guide d'apprentissage du jeu. Bienvenue dans le monde de Gloom. Non, je déconne, évidemment. Le mec, on prend du début. Quel enfer. Nous allons partir sur le scénario numéro 4. Et qu'est-ce qui se passe dans le scénario numéro 4 alors qu'il nous reste quoi? 3 pages. C'est rien. Je ne sais pas pourquoi je parle comme Eric Antoine, mais je l'apprécie beaucoup. Ça, c'est Eric Antoine. Hein. Je sais pas. Le magicien foufou. Oui, c'est ça. Peut-être. C'est ça. Regarde pas ce genre de personne. Je crois qu'il n'y a pas un man qui est plus facile à décrire. Il est trop speed. Ah, tu toi, dis le magicien foufou, tout le monde sait de qui tu parles. Sauf si on connaît pas du coup. Moi je connais pas cette personne. Tu le connais évidemment, il a une coupe de cheveux de ouf, il fait 2 mètres de haut. La magie, j'en ai rien. Magic, l'assemblée, parlez-moi d'un vrai jeu. Il présente l'émission des Lego maintenant, non? Il présente aussi un truc genre. Je regarde tout. C'est quoi l'émission là, machin, un incroyable talent pour kids, tu vois, des trucs comme ça. Ah, je crois. C'est le magicien préféré des enfants parce que dès qu'il fait une blague, il est en mode. Calmez-vous! Non, là, il adore ça, tu vois. Moi, j'ai dit que j'allais vite aujourd'hui, et là, on est en train de digresser, les gars. Oui, mais on passe un très bon moment. Et ça, je crois que c'est le plus important. On est parti. Ah! On vous a entendu. Oh. Nous avons, évidemment. Il y a 2 pages. Oui, il y a 2 pages. Ça, c'est le premier spoiler. Et nous avons. J'aime bien cette petite musique de The Witcher. Et nous avons. Oui! On a fait ça aussi. Regardez. Et oui. Les couleurs autour de nos persos. Et là, vous dites, mais qui est qui? Eh bien, c'est très simple. Je suis le jaune. C'est juste que je me suis mis un portrait noir, mais vous avez raison, je vais le changer. voilà. Personne je suis le jaune parce que, en fait, si j'avais mis un socle noir, franchement, noir sur fond noir, c'était quand même pas ouf. Il n'y a plus d'espoir. Oui, Johnny, on est là.
Donc je vais me le changer. C'est, regarde, je vais me le changer maintenant. Je te le change maintenant. Bah, regarde, là je suis rouge. Là, c'est plutôt rouge là. Et là, je vais faire tiens. Et je vais passer. Je vais devenir jaune là comme voilà, ça. Donc, parfait, voilà, parfait, parfait, parfait. Je sais pas, je suis chaud. Alors, ils ne sont malheureusement pas fournis ces socles dans le jeu de base. Non, on les a trouvés dans la boîte d'Assassin's Creed. Oui. Voilà. Très bon jeu au demeurant. Oui, mais... C'est vrai. Mais en tout cas, évidemment, c'est plutôt pour les besoins de l'émission. Notamment, c'est pour ça qu'on couche aussi les figurines, alors que c'est très laid de les avoir comme ça. Ouais. Parce que c'est, si pour c'est comme ça, et ben, vous ne savez pas si c'est un golem. Il y a un monde, je vous le dis, il y a un monde. Où c'est peut-être ma dernière émission sponsorisée par Asmodée. Ah ouais. Puisque je suis d'une incorrection totale. J'ai un pull scorpion masqué. Et en même temps, si tu l'avais pas dit. En vrai, après, le monde de jeux de société est bizarre parce que t'es quand même dans tout une. Tout le monde se connaît. Non, mais c'est surtout. C'est une grande famille. Dans tous les trucs de jeux de société, ils ont des murs entiers de jeux qui, du coup, sont pas forcément l'éditeur en question. Nous, quand il y a une OP sur le stream, etc., bah, tu vires les machins des concurrents, quoi. Tu verras rarement une Magic Box dans un. Oui, dans une émission PS4. Enfin, PlayStation. Et là, non, je pense que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pareil, on fait de la pub pour des fois d'autres jeux. Bah, c'est pas grave. Le but, c'est que tout le marché se tire vers le haut, comme ça. Ouais. Et le but, c'est surtout de passer. Un bon moment. Eh oui, monsieur. Exactement. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui va changer ? Désormais, on a enfin, les... Attends, je vais revenir comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de voir le jeu pour le moment. Bonjour. On va voir, enfin, les paquets de capacités de monstres définitifs. Ah bah, enfin. Que jusqu'ici, on avait 4 cartes qui se battaient en duel avec... C'est vrai. J'avance de 1 et j'attaque de moins 2. Oui, bon, ça se passait bien. Là, on a le vrai paquet. Donc, on va prendre des gigabits. Quel plaisir. Sortez vos disques durs. On est là pour prendre. Cette vanne est exceptionnelle. On va apprendre à générer des monstres, puisque sur cette map, vous allez voir qu'il y a des générateurs de monstres. Donc, popés à l'infini. Donc, il faut qu'on pète la gueule aux générateurs de monstres. On va enfin, ça je vais venir plus longuement après, utiliser la table des éléments. Aha. Que vous voyez en haut à droite ici. Enfin, on entre dans le vrai gameplay de Gloomhaven, j'ai envie de vous dire. On va avoir des objectifs de bataille. J'ai ici. Un objectif de bataille. Est-ce que je vous le lis ? Non. Est-ce qu'au moment où je vais le réaliser, je vais vous le dire ? Oui. Mais pour le moment, c'est un secret. Il n'est que pour moi. Chacun a son objectif de bataille. Ils en ont tous eu 2. Ils en ont choisi 1. Et c'est un objectif qu'ils doivent réaliser au cours de la mission. On avait 2. Qu'ils doivent réaliser au cours de la mission. Et s'ils le font, eh bien, ils vont obtenir un petit bonus, notamment une petite coche qu'ils vont mettre en bas de leur fiche de personnage. Et quand tu as 3 coches, eh bien, tu obtiens un bénéfice. Les bénéfices, c'est quoi ? Ce sont des améliorations de votre paquet de modificateurs d'attaque. Et plus ton paquet de modificateurs d'attaque est puissant, plus tes attaques sont puissantes. Puissant. Vous l'avez. Ça, c'est un peu la base. Maintenant, on revient sur la table des éléments et après, on va pouvoir se lancer, sauf si tu veux. Bah, je pouvais, par exemple, lire l'objectif que je n'ai pas pris. Comme ça, il n'y a pas de spoil. Et puis comme ça, voilà. Ça s'appelait pelote à épingle. Et c'était être la cible d'attaque d'au moins 3 monstres durant le même round. Ce qui aurait été le cas la dernière fois. Là, ouais. Je me suis dit, tu vas tanker frérot. Donc, normalement, je ne me fais pas toucher une seule fois. Tu vas donc tanker frérot. Nouveau mécanisme d'action. Et vous allez voir que c'est relativement important. En fait, j'ai pas trop besoin de ça pour l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est pas si complexe. Il y a quelques règles à retenir. Mais une fois que tu as compris, on passe à la suite. Sachez que on va utiliser donc cette table des éléments. Comment elle fonctionne ? Puis après on va pouvoir se jeter dans le scénario. Mâchoire du lion, si je peux me permettre. Oui, c'est assez nous les mâchoires du lion. C'est bon. Et ouais. Et ben, je veux bien me jeter dans. Je vais me le jeter dans Axel. C'est parti. Alors comment ça fonctionne ? On a ici des éléments. Vous avez compris ? Feu, air, ténèbres, glace, terre et lumière. Tiens, on va faire ça. Ouais. Ça tout le monde est content. Lumière, ténèbres. Et les éléments classiques au-dessus. Ok. Obscurité. Oui, ténèbres. Ouais, bah. Et donc, qu'est-ce que j'ai. Mais le reste était bon. Je préfère carrément utiliser un terme générique. On a déjà eu cette discussion pour les jeux de cartes, notamment. Ouais. Une défaut, c'est une putain de défaut. Arrêtez d'appeler ça autrement. Ouais. Et bah, typiquement, ténèbres, c'est utilisé partout. Yu-Gi-Oh, il y a une carte ténèbres. Pokémon, il y a des Pokémon ténèbres. Pourquoi l'ombre. Obscurité ? C'est pour l'ombre le plaisir et la lumière, de dire autre chose ? L'ombre et la lumière. À la limite. À la limite. Je suis pas d'accord avec toi, mais on peut passer à la suite. Oui. comment ça, t'es pas d'accord avec moi ? Non, parce qu'à Magic, t'as un cimetière et t'as pioche, c'est une bibliothèque et ça me va très bien. C'était que il y avait un certain jeu, même la zone de bannissement, qui abusait en parlant de cartes. C'était des pages
ça a commencé à me saouler. Mais de manière générale, on les embrasse. De manière, de toute façon, ils sont. C'est quoi le nom du jeu? C'est Seven. Ouais, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, il me semble. Mais Harry Potter. C'était un petit peu. On est dur. Attention, tu vas encore avoir des commentaires de « Oui, alors moi, je suis joueur solo et je trouve que... » J'en ai rien à foutre. C'est ça qui est magnifique. On vous embrasse. Mais on vous embrasse. Vous faites bien ce que vous voulez. On a juste le droit de ne pas être d'accord. Comment ça fonctionne, ces éléments? Eh bien, c'est très simple. Pendant qu'on va jouer certaines de nos cartes, par exemple, imaginons, incroyable, je fais cette carte-ci pour son effet en bas. Eh bien, je vais avoir une bénédiction à une portée de 2. Donc, je vais donner une bénédiction à quelqu'un. Je vais empoisonner quelqu'un à une portée de 2. Et je vais générer l'élément glace. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il va faire beaucoup plus froid. Bah, l'élément glace, il va faire... Allez. Paf! Il va passer en mode fort. Mais la particularité de Gloomhaven, c'est qu'en fait, quand tu génères un élément glace, tu le génères pas que pour toi. En gros, imaginez-le comme ça. C'est genre, je fais mon sort et la pièce entière se couvre de givre. D'accord? Et donc, alors qu'on a cet élément qui est généré, eh bien, il nimble l'espace. C'est comme le mana, quoi. Il va être présent un peu partout. Tu peux le puiser pour voilà. ressortir quelque chose. Ouais, et donc, quiconque derrière va utiliser une capacité qui nécessite de la glace, eh bien, va pouvoir aspirer cet élément pour recracher un sort plus puissant. C'est très excitant. Attention, comme c'est pour l'ensemble de la pièce et pas et que pour vous, eh bien, ça marche pour vos collègues, mais aussi pour les monstres. Donc, si tu génères de la glace et que le monstre d'après il dit « je pompe de la glace ». Inversement, si le monstre fait de la glace et que derrière tu l'utilises, eh bien, c'est tant mieux pour toi. Vous ne pouvez pas utiliser un élément que vous venez de créer, puisqu'il se crée à la fin de votre tour. Une fois que la manche en cours se termine, donc le tour de tous les joueurs est passé, on fait « hop », ça devient faible, mais on peut toujours utiliser cet élément. Et une fois que la manche suivante se termine, on termine en inerte et là on ne peut plus faire appel à cet élément. On peut tout à fait avoir plusieurs éléments à différents endroits. Tant qu'un élément n'est pas en inerte, on peut l'utiliser. Oui, il n'y a pas de... Quand on l'utilise par contre, c'est pas il descend de 1, c'est... Il n'y a pas de contre. Hein. Il peut y avoir une pièce à la fois chaude et froide et à la fois éclairée et obscure. Il n'y a pas de... Pas d'embrouille. C'est plutôt un élément, quoi. Plus qu'autre chose. J'y ai même pas pensé. John Lee qui me dit ah ben on comprend mieux pourquoi il y a deux jeux scorpions masqués dans la sélection des Astors. En vrai, c'est vrai. Bien en joué, plus, hein. C'est un pull à 16 millions. Non, mais ce que j'allais dire, c'est bien le En plus, je crois que je l'ai reçu après la sélection. Donc, ratez, les gars. Et surtout, je pense à nos amis de chez Yellow qui nous sponsorisent depuis 2 ans. Et qui n'ont pas un jeu. Il prend un sweatshirt. Ah ouais, mais il fallait. Le sweatshirt rouge, j'avoue. Il allait pile à Maximilien. En fait, vous avez perdu. Ah bah oui, j'adore le rouge. Ils m'ont compris. C'est clair. Évidemment, vous doutez bien que rien de tout cela n'a pu jouer. Où que ce soit, parce que j'en ai vraiment rien à branler. On est donc parti dans cette histoire. Je veux le scénario, je vais le lire, mais comme c'est un peu loin de mes yeux, je vais le lire directement sur le retour. Laissez-moi une seconde. Les jeunes et leurs écrans. Ah, c'est fou, hein. Je vais le lire avec vous, comme ça, c'est incroyable. Merci. Vous arrivez au bâtiment indiqué sur la carte, un ancien abattoir, et découvrez une scène inattendue. Tout le bâtiment a brûlé et n'est plus qu'une coquille calcinée. C'est vraiment un rebondissement, car vous vous souvenez clairement de la structure qui se trouvait là avant, que vous partiez en chasse sur la rivière calme. Comme l'endroit est par ailleurs impliqué dans votre enquête, eh bien, tout cela est plutôt suspect. Mais si vous ne pouvez pas mettre le doigt sur le... mettre le doigt sur le pourquoi du comment. Ces décombres calcinés ne vous empêcheront pas de comprendre de quoi ils retournent. Finalement, vous découvrez des escaliers menant à une cave en pierre, la seule pièce de la structure encore intacte. Vous descendez. Une puissante odeur de mort se fait de plus en plus forte à mesure que vous descendez. On pourrait croire que c'est les pompes à Roth. Jusqu'à pratiquement vous submerger, vous enveloppant dans un linceul étouffant, un doute s'insinue dans votre esprit. Et s'il n'avait pas mis de chaussettes? Vous ne pensez qu'à faire demi-tour, mais vous percevez les chants. Le ton et la cadence sont semblables à ceux
que vous avez déjà entendu sur le bateau avec l'hôtel ensanglanté. Il ne faut pas longtemps pour en trouver la source. Un petit couloir au pied de l'escalier mène à une grande salle ouverte remplie de zélotes en robe rouge. Leurs chants vont crescendo et tout le sol se met à trembler violemment. Des fissures apparaissent sur le sol autour de quatre pierres massives couvertes de runes réparties dans la pièce. Des fissures se forment ainsi au fond. Merde, se forment aussi au dans le plafond dont l'énorme morceau de roche se détache et s'écrase au sol. Votre esprit se concentre sur un unique objectif, repoussant toutes les autres complications des dernières semaines. Si vous ne mettez pas fin au rituel, vous serez tous enterrés vivants. Bon, si j'avais pas bafouillé, c'était mieux, mais... Dont d'énormes morceaux de rof, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette histoire. Vas-y, tu peux y aller. Il y a une suite, je crois. Il faut remonter. Il y a une suite, je... Blablabla. Alors, des règles spéciales. Ah non, c'est bon. C'était la fin du lore. On peut se le faire. T'es assurez-vous... Il va falloir casser la gueule. Oui, comme d'habitude. Assurez-vous que la main de départ de chaque aventurier se compose uniquement des cartes de capacité marquées 1. C'est bon, on les a. Le nombre total de cartes doit correspondre au nombre écrit en haut à droite de votre plateau aventurier. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 10. J'en ai 9. Yes. C'est moi qui ai gagné. Les objectifs sont des pierres d'invocation. Elles possèdent A plus 1. Je me vomis dessus. A plus 1 point de vie moi, et ne peuvent être visés que par des attaques de mêlée. De mêlée. De mêlée. Merde. Ah, ça, là, tu viens de casser mon délire, là. Bah, surtout le nôtre, parce que toi, à la limite, tu vas à peu près au corps à corps, quoi, mais... A plus 1 point de vie, qu'est-ce que c'est, chers amis? Eh bien, c'est le nombre de joueurs, plus 1, on est 3. Ça m'emmerde un peu, cette histoire. Les pierres ont donc 4 points de vie. Okay. C'est que dalle. Lorsque deux pierres d'invocation ont été détruites, lisez 1. Oh, ah, on se spoil pas. On se spoil pas, on recule et on se lance dans cette aventure. Les amis, jouez vos premières cartes. On est parti. Eh oui. Donc, on a plus de cartes maintenant avec des alors effets. Alors, on a changé toutes les cartes. Ouais, elles ont toutes des effets de bâtard. Je ne les ai pas lues. Il y a eu un petit up. C'est magnifique. Donc là, on a quoi? On a un mob ici. Mais il est où? Mais comment il vient, le mob, en fait? Mais qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord. On est d'accord, les gars. Regardez, le mob, il a l'air près de nous. En fait, il faut faire tout le tour. Parce que là, en fait, c'est Keblo. Ça me va parfaitement. Ça te va? Alors après, il y a un monde où je peux me mettre là et le fumer à distance. Mais bon, attends. Le but, c'est de... Oui, ok. C'est toi qui as choisi, ça me va. Non, pas du tout. Ça me va. Bah, ça me convient. Ça me va pas. Moi aussi, ça me convient très bien. C'est vrai? Ouais. Tu veux pas te mettre là? Non. Moi, je me mets là? Non. D'accord, on reste comme ça. Il n'y a pas d'alpha ici. je veux bien mettre... ouais, je veux bien mettre là. Ok, donc le but est de casser la pierre qui est ici et qui, a priori, est gardée donc par un zélote... Et par... Ça s'appelle comment, ça? Un golem de pierre. Ouais, j'aurais pu le deviner. Donc, c'est ici. Ici, il y a un... alors, c'est un obstacle, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on peut viser, mais qu'on ne peut pas... ouais. Intéressant. Ici, il y a une bombe. Ici, il n'y a rien parce qu'on n'est pas quatre joueurs. Et ici, il y a une autre pierre. Donc, les deux... Ah, putain, il y a trois pierres. Il y a quatre pierres, frère. Un. Ah, elle compte aussi, là. Trois, quatre. Il n'y a qu'une seule grande pièce. La grande pièce est là. Et le but, c'est d'aller péter des pierres. Ça montre un peu, mais... voilà. Attendez, je vais faire un... on va faire ça propre, parce qu'on n'est pas des schlagos. Ouais. Hein ? Voilà. Donc ça, je me le save. Et ça, ça va être pour voir l'ensemble de la pièce, histoire de se rendre compte un petit peu. Voilà. Et je me le save aussi. Voilà, on est-y pas. Allons-y. le chef vous propose... Alors, si, il y a quand même un truc qu'on peut se dire, les amis. Moi, je vous le dis, je génère de la glace et des ténèbres. Est-ce que vous en avez besoin ? Non, j'en ai rien à foutre. Super, je me débrouille. Allez, bien vous faire. Moi, je peux générer éventuellement du feu, mais très éventuellement. Même pas, non, c'était une capacité blessure, donc j'ai de la merde. Non, moi, je suis plutôt sur le vent. Tout ce qui est venteux. Moi, je suis plutôt axé feu. Plutôt axé, toi. Ouais, ouais, c'est... j'aime bien. Et donc, feu et... Et nature. Plante. Ok, d'accord. Donc on est. Alors ça s'appelle précisément, c'est très important, la terre. La terre. Ok. Ok. Bon, donc là forcément, on a dit qu'on jouait vite, mais le tour est un peu particulier puisque ouais, c'est la première premiers, fois qu'on a notre putain évident, de carte. C'est pas évident. Je suis prêt. Oh les gars, je suis tellement puissant. Je suis tellement puissant, putain. Bon, je me ferai pas avoir comme la dernière fois. Donc je vais faire ça tout de suite. Ok, le chef vous propose ceci.
C'est trop fort ça, c'est trop fort aussi ça, mais tout est trop fort. Ah, on a oublié de préciser que à la fin du dernier scénario, en fait, j'ai filé le compas à Rof. Ouais. Oui, effectivement. Alors, on a fait des petites emplettes. Alors, ce qu'on a fait rapidement, pendant que vous n'étiez pas là, on a amélioré un petit peu notre paquet de compétences. Non, comment ça s'appelle ? Est-ce que quelqu'un va se déplacer à côté de cette pierre ce tour-ci ? Non, pas ce tour-ci. Trop long. Moi, ce que je voudrais la faire... Alors, voilà, je vous explique un peu mon gameplay. Ça va être de les fumer à distance, puisque je possède ce pouvoir. Autre chose, donc je disais, voilà. Mettez la pierre, les gars. On a amélioré un petit peu ces paquets-là. Vous verrez peut-être, donc je crois que toi t'as retiré des moins 1, non ? Ouais, ouais. Moi j'ai rajouté quelque chose, on verra bien. Et on a fait quelques petits. Non, on n'a pas forcément fait d'emplettes, mais par contre, effectivement, j'ai récupéré le compas maudit de notre ami Axel. Ouais. Pour le moment, est-ce que c'est très important ? Je crois pas. Non, mais c'était bien de le préciser. C'est bien de le préciser, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Ok, donc je pense jouer ça. En fait, je peux aller au contact, mais je vais me faire fumer, donc j'ai pas envie de... Voilà. Moi, je vais d'abord fumer les manes, et on va le faire à distance, ce sera très bien. Intéressant, ça. Ouais, je pense partir là-dessus. Et qui va être au cac du monde ? Oui. C'est bon. Toi, tu vas viser quoi, celui-ci ? Ouais, bah je pense. Hein. Ok, d'accord. Ok. I have my play. Et en vrai, là, de toute façon, l'initiative, je crois qu'on s'en fout un peu. Enfin, moi, je vais sûrement commencer avant vous. Enfin, je vais agir très vite, mais je crois que ça ne changera pas vos plaies. Bah, écoute, moi, je vais jouer plutôt vite aussi. En gros, je vous le dis, très vite. Je vais essayer de me focus sur celui-ci. Sur lequel ? Celui-là. Ok. Nickel. En fait, le temps qu'il arrive, j'imagine, je ne sais pas du tout quelles sont leurs caractéristiques. Je pense que c'est mais j'imagine qu'en tant que... D'ailleurs, on n'a pas leurs caractéristiques, mon cher Max, on peut les avoir. J'arrive. D'accord. Mais j'imagine. Bah, en fait. Ah, mais elles sont là en fait. D'accord, okay. Je crois qu'elles n'étaient pas faites. Pardon. C'était juste. Donc, les monstres ici ont. Alors, pour les blancs, 6 points de vie et pour les jaunes, 8 points de vie. Bah, c'est ceux qu'on avait la dernière fois. Ouais. Et normalement, les golems, si mon lore est respecté, ils ont plus. Eh oui. 10 points de vie et bouclier 1. Ouais, sur les blaziques. Et il n'y a que des basiques. Heureusement, sinon c'était 11 points de vie, bouclier 2. C'était un peu chiant. Quelque chose me dit que... Excusez-moi, mais je vous préviens. Oui. Je suis un personnage extrêmement lent. Bah, tant mieux, puisque je pourrais très rarement jouer avant les monstres. D'accord. Sachez-le. C'est bien, puisque t'es censé nous booster, nous, et nous soigner. Ouais, mais je vous booste après. En fait, il faut prévoir le fait qu'on va se prendre des dégâts. Ouais, il va nous soigner. On peut y aller. C'est bon. Hop, je vous propose un petit 23. 17. C'est le plus petit que j'ai, en fait. J'avais pas beaucoup. Eh bien... Go. De toute façon, on joue les cartes. Donc 17, 23, 28, et tu vas nous révéler, s'il te plaît, l'initiative des boss. Pour les zélotes. Max, est-ce que tu peux dézoomer de toute façon à ce qu'on voit l'initiative des... Ou est-ce qu'on met ça là, par exemple ? Tu veux voir quoi ? Faire un plan où t'as rien à foutre. Genre là, par exemple, ça, on s'en fout. Si tu mets l'initiative là, c'est bien, je trouve. Ah, vous avez de quoi faire. Hein. Allez, bah, vas-y. Zélote en premier et golem de pierre en second. Voilà. Donc ça, 46 ça, c'est pour les zélotes et 28 pour les golems de pierre. Attends, c'est où les zélotes ? Les premiers. Premier ? Ouais. Voilà, on va juste faire ça, comme ça les gens voient. Tiens. C'est vachement bien. Donc, du coup, ce sera en premier Rof. C'est papa. En second Max. En troisième moi. En quatrième les golems. Et en cinquième les zélotes. Très bien. Voilà quel est mon plan. Regardez, je vous ai dit que je jouais vite, je vais essayer de jouer vite. Alors. Dans un premier temps, je vais faire un déplacement 3. Pourquoi ici. Je vais faire un déplacement 3 et je vais infuser, car c'est le mot exact, du vent, de l'air. J'infuse de l'air. Donc je fais un énorme prout. Et ça arrive sur fort. Ça, c'est bon. Et je me suis déplacé de... Quoi ? La femme marche au-dessus. Et fend dans un magasin de porcelaine. Ah mais depuis le temps que je te dis. Je vais me mettre. Si je me mets là, ça gêne personne. On va te passer dessus quoi. Ouais, ça me dérange pas du tout. Ok, je me mets ici. Et du coup, je vais cibler 1, 2, 3 ce golem de pierre. Et je vais faire de cette golem. J'espère que c'est une. Oui. Tu l'as peut-être déjà lu, mais tu ne peux pas avoir deux objets de la même classe. Oui. C'est vrai, donc j'ai pas un peu d'endurance. Oui. C'est pas ça. Merci.
Bref. Et donc, je vais faire d'elle ma favorite. En gros, parce que je n'ai jamais essayé les golems de pierre. Le principe est donc... c'est ce que j'avais fait un peu trop tard la dernière fois. Mais en fait, ça va me permettre donc de cibler cette personne. Je vais mettre donc sur le golem numéro 5 un petit pion. Et désormais, quand je fais des attaques à distance sur lui, eh bien, j'ai plus 3 en force. Ce qui n'est pas dégueulasse. Et en plus, je vais pouvoir après récupérer ce truc-là pour pouvoir en faire autre chose. Bref, c'est mon tour. Et je gagne 2 points d'expérience. C'est marqué là. Donc, je gagne 2 points d'expérience. Bon, ça, on l'utilisera ou pas. Mais en tout cas, je les note. Je te demande qu'on les note ou pas. Écoute, tu peux. Attends, le point d'XP ? Ouais. Non, c'est avec ça, là. Ah, c'est avec ça, c'est... Oui, d'accord. Okay. Donc, il y a une petite molette ici pour dire j'ai gagné 2 et après, je les... C'est ça. J'épuiserai dans mon... Parfait. Tu peux remettre... Mis combien ? Ah, il a rien mis. J'ai mis rien. Ouais. J'ai mis une petite marque. Attaqué. D'ailleurs, j'ai mis une petite marque à la mauvaise personne. Et tu pars ? J'ai rien mis. Ouais. Je vous propose... Moi, je fais un déplacement... Donc, je me mets ici. Je fais un déplacement de 3. D'accord ? Je peux consommer des ténèbres. Je ne peux pas. Si j'avais consommé des ténèbres, j'aurais mis une malédiction à quelqu'un à portée. Le truc, c'est que de toute façon, il n'est pas à ma portée. Donc, fin du buzz. Donc, je vais me déplacer en faisant... Je vérifie juste. C'est lui que tu vas attaquer, Rof ? Oui. Non, moi j'ai... Ah oui, tu m'as dit Rof, mais... Ouais, Rof, lui, c'est Axel, et il va attaquer lui, a priori. Toi, tu vas attaquer lui. Moi, j'ai ciblé elle. J'hésite. T'es à quelle portée, toi ? T'es à 4 du golem. Ah, il est à 3. Non, parle de toi. Ah, de moi, toi, pardon. T'es à 4 du golem. Pardon. D'accord. Oui. Très bien. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire 1... Je suis ainsi à 3 du golem. Tout à fait. Et donc le suivant. Empoisonnement, portée 3. Je vais empoisonner le golem. Très bien. Il a combien ? Il a pour l'instant... 5. Oui, d'accord, il est numéro 5. Il est numéro 5. Pardon, c'est, excusez-moi. Et pour l'instant, il a 11 points. 10 points. Un allié adjacent, Axel, peut effectuer une attaque 3, portée 4, en ciblant la cible de l'empoisonnement. S'il le fait, cet allié subit 2 dégâts. J'ai... Une petite question, mon cher Maxildan. Pourquoi tu ne cibles pas ton cher Ophelos, qui juste avant a fait quelque chose qui fait que chaque attaque à distance rapporte 3 en plus contre sa cible. Ok, je fais sur toi si tu veux. Pourquoi à la base ? J'allais parler de toi et tu m'as dit non, Axel. Donc, non, parce que tu t'as dit Rof en pointant Axel. J'ai dit mais non, mais moi je suis. Je t'ai pointé toi. Non, je pense qu'il y a une. T'as craqué quand il y a eu un truc. Ok, il y a eu un truc, j'étais en mode. Je t'ai craqué. Évidemment que je veux bien être la cible de tes attaques à distance. Mais il me semble que c'est toi que je regardais. Ouais, non, mais c'est moi qui ai répondu en pensant que t'allais dire c'est moi. C'est ça, en fait. Et j'étais en mode, il s'appelle Axel. Ouais. Donc, c'est moi qui fais quoi ? Une attaque à distance ? Et donc, tu fais une attaque à distance de portée 4, de puissance 3, et donc sur moi... un mec qui est empoisonné, mais du coup, tu subis 2 dégâts. Tu t'en fous de subir des dégâts, puisque tu vas jouer à distance. En fait, je m'en fous de subir des dégâts parce que tu vas me soigner. Oui, oui. Voilà. La plupart de mes attaques vous font mal, alors faites avec. Parce que t'as vu quand il dit ça, il dit en mode. Donc c'est bien, tu veux faire ça, mais bon, tu prends des dégâts. Les gars. Ok, très bien. Et ben ça me va. Donc je peux ajouter plus 3 attaques à n'importe laquelle de vos attaques à distance en plaçant le pion sur la cible. Ah, c'est après la résolution de la capacité d'attaque, mais on s'en fout. Pas trop, moi, c'est ça. Quand la cible est éliminée. Ok, en fait, le pion n'allait pas sur la cible, il allait là. Puis. Là, je décide de mettre plus 3. Ok, en fait, c'est ça. J'ai un peu du mal à jouer ce truc-là. Mais en fait, c'est d'abord le pion, tu le mets sur la carte. Puis, à la prochaine fois que tu devrais faire une attaque à distance, donc, mais que ce soit sur lui ou sur lui, et bien là, du coup, tu dis ok. Tu lui mets plus. Et voilà. Après, faut que tu recherches. En fait, c'est une hache magique. D'abord, tu la dégaines. Et après, à chaque fois que tu vas la lancer sur un mec, elle va rester sur le mec. Il faut aller la rechercher je sur pense le mec. Que tu as, pour la mettre ailleurs. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle la favorite. Tout à fait raison. Et du coup, mon cher Axel, est-ce que tu veux plutôt que je cible celui-ci ou est-ce que tu vas lui défoncer là ? Tu dois obligatoirement cibler celle qui l'a empoisonné. Oui, d'accord. Tu dois faire une attaque 3 portée 4 en ciblant la cible de l'empoisonné. Je pars là-dessus. Et donc, du coup, je vais récupérer. Non, il peut effectuer. En fait, c'est-à-dire que tu peux le faire ou ne pas le faire. Tu peux pas attaquer quelqu'un d'autre. Je vais le faire évidemment. Je regarde juste quel était mon. Alors, ça, on est d'accord, en celui du monstre. Ça, c'est celui des monstres. Ok. On va le remélanger. Et moi, je mélange. En vrai, la zélote, il y a des chances que je la one-shot. Ah, c'est pour ça. Autant en fait. Elle, je pense qu'elle va être un peu chiante, qu'on vient. Vas-y, frérot. Let's go. Attention, mon attaque est donc de... Tu m'as dit 3, c'est ça ? 3, portée 4. Plus 3, ça fait 6. Yes. Plus 1 avec l'empoisonnement. Plus 2 avec ça. Moins 1 parce qu'il a bouclier. Donc 9.
Là, il a pris 9. 6, 7, 8, 9. 8, moi, je compte. 6, plus 7, 2. 8. Oui. 8. Plus 1, avec empoisonnement, 9. Ok, c'est moi qui compte. Moins 1, 8. Moins 1, 8. Donc, il a 8. Pris 8, et malheureusement, il a 9 points de vie. C'était, je vous assure que j'ai mélangé, mais j'ai donc récupéré la carte que j'avais rajoutée entre les deux missions, qui infusait l'élément R, qui malheureusement est déjà infusé. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, ça fait partie des petites choses qu'on peut rajouter dans notre paquet. Stylé. Voilà. Plutôt stylé. Il a quand même pris 8, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal, hein ? Pas dégueu du tout, hein. Et donc, effectivement, là, donc, je vais placer le pion sur la cible après la résolution de la capacité d'attaque. Donc maintenant, il a aussi le petit point ici. Hein ? Voilà. Et quand la cible sera éliminée, placez le pion sur l'hexagone où elle se trouvait. Si vous le pillez, replacez le pion sur cette carte. Donc là, le but, c'est qu'en fait, elle va avancer. Pillé. On va la fumer. En fait, je peux juste aller dessus. Oui. Mais oui. Ça te contraint. Ça te contraint. Surtout que tu l'as mis dans un mec qui est dans un coin, quoi. Attends qu'elle s'approche de nous maintenant pour le finir. Tranquille. Ouais, bah ouais. Axel, let's go. Du coup, un petit déplacement 4. Donc, j'aurais pu me rajouter plus 2 avec l'effet feu, mais il n'est pas là. Donc, déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Je vais gentiment me placer ici. Pour ensuite faire. Petite attaque. Tu vas donc faire une attaque 2. Suivie d'une attaque 1. Avec poussée confusion. Et je gagne un point d'XP si cette attaque cible le même adversaire que la précédente capacité. Donc là, ce qui est le cas parce que tu vas bourrer le même mec. Donc du coup, attaque 2. On va tout de suite voir. x2. Ok. D'ailleurs, ça, c'est... Ah, on l'aura pas. Une bêtise. Non, mais je vais jouer quelque chose. Donc, en fait, quand t'as joué ce truc-là, tu n'as pas fait la malédiction parce que tu n'as pas pu cramer d'Ultenet, donc t'as juste déplacé, en fait. Tu dis juste ça pour déplacer. Par contre, sur celle-ci, il y avait une icône. Oui, sauf que je peux pas l'utiliser dans le même tour. Donc. Oui, ah d'accord, oui, ok. Voilà. Ok. Donc, du coup, en fait, l'icône, là, c'est pas l'utiliser, là, c'est en l'occurrence d'accord, la créer. Oui, je la génère, mais je peux pas l'utiliser. Donc, tu l'as générée, tu n'as pas pu l'utiliser pour faire ça, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est générée, elle est forte jusqu'à un petit moment. Et effectivement, on a fait tout ça. Et j'ai pas pris mes deux dégâts. Ah. Alors. Donc, du coup. Tu pètes la gueule ? 2 x 2. Donc, 4 déjà. Sur la première. Ah, t'as fait un x2 ? Oui, là, je viens de sortir un x2. Oui, oh, pas mal. Ce petit x2 qui. Je reviens dessus parce qu'on n'a pas dit au chat non plus. Ah oui ! C'est un x2 qu'on a. Mais il vient pas de ton deck, tricheur ! Qu'on a reçu, en fait, la résolution en fait, d'un petit événement de fin de scénario. Nous avons été bénis. Du scénario dernier. Du coup, tu n'y as plus droit. Et donc, du coup, ouais. Je crois que. Bon, 4. Et sur la deuxième, ça fait plus 1. Donc, ça fait 4 plus 2. Ça meurt. Voilà. Donc il meurt. Alors ça c'était une capacité... Excuse-moi, pourquoi il meurt ? Parce qu'il a 6, non ? 4 plus 2, ça fait 6. Non, t'es vraiment bon. Hein. Rien à dire, moi. Il est mort ! Et en plus, tu vas gagner un petit point de... d'expérience, ouais. Puisque cette attaque cible le même adversaire que la présente capacité d'attaque. Tout à fait. En fait, il faut qu'il résiste. Pour l'enchaînement, il faut qu'il soit encore en vie pour que tu puisses lui mettre un petit truc. Eh bien, tu l'as... On n'a pas fini de lire les capacités spéciales de ce niveau. Ah. Générer un zilote normal et un zilote élite en B. Non. Ah, c'est quand il va se passer un truc ? Ouais, c'est d'abord, on est en 1, là. Oh, ah, excuse-moi. Parce que j'étais en train de regarder ça et j'étais en mode... Ah, attends, en fait, il y a des paires d'invocations. Ça va vite, là. Et du coup, les pierres. Quand est-ce qu'elles génèrent des mecs, là ? Là, elles génèrent rien. Je crois qu'en fait, elles génèrent rien. Au début, on a le temps. Et c'est après. Mais attends, mais du coup, si on est filou, on les met toutes à 1 PV. Je sais pas. Écoute, on va jouer roleplay en mode de gagner une pierre devant moi, je la tape. Parce que je me doutais bien. On sait bien que ça va faire popper des îlots, mais bon. Ok, bon, bah, on va les péter. De toute façon, il faut en péter 4, quoi qu'il. Donc, on va les péter. Hein. Allons-y. À moins qu'il y ait marqué quelque part, quoi qu'il, faites ça. Mais là, on est d'accord que c'est un peu dans l'ordre. Ok. Le but du jeu, c'est de péter les pierres. Okay. Plus on va péter des pierres, plus ça va générer de mecs. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas l'inverse. C'est pas plus tu mets de temps à les péter, plus les mecs pop. Donc, en fait, go. Faut juste le faire. On va le faire. Du coup, c'est bon, on est... Ah non, mais du coup, c'est à eux. Oui. Ouais. Golem de pierre, que fais-tu ? Le golem de pierre, il est normal. Alors attends, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les golems de pierre, ils ont progression éprouvante, donc ils ont déplacement plus 1, ils ont attaque plus 0,
Et si la capacité de déplacement a été effectuée, le golem de pierre subit un dégât. Donc lui, il a mal au cul, quoi. Sauf que le golem de pierre, il a que 1 de déplacement. Donc là, il se déplace de 2. Il va faire... Alors, on commence par les élites. Il n'y en a pas. Donc, on commence par les plus petits numéros. Il y en a un là. Donc lui, il fait 1, 2... Okay. Et il subit un dégât. Ouais. C'est le 4. Ensuite, le 5, il fait 1, 2... Et il subit... un dégât. Il a donc 9. C'est con, hein, à un point près, Madame Chambly, il pouvait se suicider. Ça me va qu'il avance un peu avant de se mourir. Voilà, il attaque, mais en fait, chais, puisqu'il n'est pas au cac. Fin du buzz pour les golems de pierre. On enchaîne avec les zilotes. Les zilotes, ils font attaque, moins 1, portée 2, cible 2. Donc, ils double flèche, comme ça, ils ont double fouet. Et ils ne se déplacent pas. Ah non, bah ça va. Comme il ne se déplace pas, il ne se place à rien, puisque personne n'est à portée. C'est super. Voilà, fin du buzz. Que si on fait ça... Personne n'est à portée, parce que vous voyez, il est là. 1, 2, 3. Donc on est bien. On est bien. Donc ils ne se déplacent pas, et on les a fumés. Parfait. Super. Super. La super. Et bah go. Prochain tour. Donc alors attends. Là, les autres, donc là, c'est on est d'accord que c'est maintenant, Max, qu'on fait ça. Oui, on descend de 1, et c'est parti. Tain, tain, tain. La musique est pas trop forte. Soit vous l'entendez même pas comme d'habitude. Bon, je te soigne ou pas toi? Bon, pour l'instant ça va. Ouais. Tanker. Hein. Je peux tanker. Juste, excusez-moi, je vais le mettre comme ça. Parce que sinon ça va me faire chier. Et ceux qui sont à portée, on va les mettre droit. Comme ça permet de voir un peu ce qu'il y a en dessous à côté. Bref, c'est vrai que c'est un putain de golem de pierre qu'on va le fumer. Cata. Compétence, peut vous soigner à distance, mais elle vous empoisonne. Sombre aubaine. Ah bah ouais. Bon. Parlons-nous, les amis. Ouais. J'ai le pouvoir de vous faire attaquer au corps à corps. J'ai le pouvoir de vous faire attaquer à distance. J'ai le pouvoir de vous faire vous déplacer. J'ai le pouvoir de manipuler les ennemis. Concrètement, je peux bouger tout le monde sauf moi-même. Bien. Je vous explique, moi, ce que je pensais faire à ce tour-là. Je pensais me décaler ici pour attaquer cette pierre et pour attaquer ce golem. Le golem permettrait de récupérer la marque qu'il y a autour de lui et je pourrais commencer à éventuellement entamer cette pierre-là. Pendant que d'autres iraient peut-être fumer d'autres gars. Elles ont des points de vie ces pierres-là ? 4 points de vie. D'accord. Et le but, c'est notre objectif. Et on doit les attaquer à distance. Pourquoi ? Ah non, au cac. Au cac, pardon. Pourquoi j'irais là et pas là-bas ? C'est parce qu'en fait, ma marque est sur ce golem-là. Donc ça me va si je m'occupe de cette pierre-là. Ok. Cher Axel. Des ténèbres sur la carte de Max. Si, si. En fait, j'ai pas besoin de l'élément pour activer la carte, c'est un bonus. L'élément, c'est le petit. Ah, là, là. Quand on va consommer, on retire. Ici. Et là, le symbole est rayé, c'est-à-dire que je dois le consommer pour faire l'effet qui est à côté. Donc, quand l'effet est plein, c'est-à-dire que je crée l'élément. Allons-y. Ok. Bah, moi, je vais aller attaquer l'autre. Hein. Du coup. C'est le pire, hein. Oui, ou un zélote. Mais donc en tout cas, effectivement, sur ce côté-là, ça sert à rien qu'on soit 15, tu vois ce que je veux dire. Je cherche juste un personne n'est empoisonné là. Hein. Non. Dommage. Dommage. Tant de possibilités. Susurre-moi des mots alors. L'oreille. Sur moi des mots à l'oreille. Oui. Pardon. Excusez-moi. C'est bon pour moi. C'est bon aussi pour moi. Excusez-moi. Tout est overkill, ça me fatigue. Moi, éventuellement, Maxildan. Oui, je t'écoute. En fait. Ce que je vais faire, je t'explique Max. Je vais essayer de jouer très vite. Okay, ouais, super. Je vais très vite aller ici et faire ce que je dis, c'est retaper les deux. Ouais. Y a une chance. Alors le golem, je pense que je vais le défoncer. Mais il y a une chance que la pierre, il me manque un point ou deux. Et donc peut-être que me faire attaquer à portée serait pas mal. Et en même temps, j'ai peur que ça se gâche. Non, tu sais quoi, t'occupes pas de moi. Tu sais quoi? Fais-moi attaquer à distance. Ah. À distance? Ouais, parce que je pense que je vais aller me placer ici là. Pour taper un peu la pierre. Tu tapes la pierre et après tu tapes les mains. Pourrais... Pas con ça.
Entamer la zélote. Ouais, je regarde. Non, là, j'ai pas, les gars. Là, j'ai pas. Et je bah, pourrais, mais là non. Bah, tant pis. Bah, avance au pire, Max. Hein. Avance et buff ou tire ou je sais pas, fais un truc. Quoi. Ouais, mais t'inquiète, je suis là. Hein. Ouais, mais c'est trop puissant, c'est trop tôt. En fait, j'ai des trucs de ouf, mais c'est souvent des trucs qui me font supprimer ma carte. Ça m'emmerde un peu. On va faire un truc un petit peu plus léger. On va faire... Ah, quoique, attends, vu la config de la map... Je ferais bien ça, en fait. Ah oui. Oui, je vais faire ça. Oui. Je fais ça. Et donc, derrière... Tu vas attaquer le zilote, toi ? Moi, je vais attaquer la pierre. Laquelle ? La deuxième ? Ok, je peux te régaler, fort. Eh ben, régale-moi. Je relis. Hein. En cours de cette étape, les joueurs peuvent faire des déclarations générales sur leurs actions pour le round et discuter de leur stratégie. C'est vraiment ce qu'on fait. Mais ils ne peuvent pas montrer leur carte aux joueurs. C'est ce qu'on ne fait pas. Ni donner d'informations spécifiques sur une valeur numérique ou un titre de carte. Bien ce qu'on ne fait. Oui, donc c'est bon. Juste pas donner. On ne fait plus. Genre dire. Précis, en fait. Je vais jouer à tant d'initiatives avec une attaque de telle valeur. Je crois que j'ai dû dire je mets deux ou trois. Non, je croyais encore. C'était. Non, mais même, toi, t'as dit ouais. Je vais aller là, je vais faire ça. C'est trop précis. Ok, bah stratégiquement je vous le dis, j'ai fini mon tour depuis 2 minutes. Ouais, moi aussi. Hein. Je l'avais fini avant même que tu le commences ton tour, je pense. Ah ouais. Bon, moi j'ai déjà fini le tour d'après. 3, 2, 1, 18. 36. 20. Ok. Et les autres Gugus ? Il n'y en a pas un qui remélangé, non ? Drain de vie pour les zilotes. Merde, putain, les gars. Zilotes de base, ça dégage. Ah. Non, c'est bon. Dommage. Excuse-nous. Putain, mais c'est pas du boulot, ça. Merde. J'en ai trop fait. Je regarde un petit peu. En plus, les gars, on avait qu'une, je crois. C'est bon. On a 4 de putain, les gars. En fait, il y en avait 4 sur les zélotes. Eh ben, bon. Voilà, ça dégage. Merde. C'est ça, 27. On avait dit chier. On avait dit merde. Bon, alors. 27, drain de vie et l'autre, c'est. Non, c'est pas 28. L'autre, c'est 72. Maxilan, il va falloir que quelqu'un soit un Thémodo, soit toi. Vas-y, mec. Je vais pas dire cette personne. Beau chibre. Il était joli. Bravo, mec. Alors, beau chibre, par contre, tu vas disparaître à l'infini. Quoi. Bien joué à toi, en tout cas. Bien. Donc, je vais commencer. Bah, je vais jouer. Je vais peut-être épingler son message. Je vais jouer, les gars. Je vais donc me déplacer de 3. Il y a marqué ajouter plus de déplacements et gagner 1 si vous avez éliminé un adversaire ce round, ce que je ne vais pas faire. Je vais donc d'abord faire ça. Enfin, en tout cas, je l'ai fait trop tard. On s'en fout. J'arrive ici. Puis, je vais faire ce truc-là, qui va consister en une attaque 3 sur lui, donc la pierre, et le golem. Je vais commencer par la pierre. Tu l'as ! La pierre, je lui mets... Tu l'as ! Oui, monsieur ! 4 piles, elle explose. Ça, c'est cool. Excellent travail. Non, y a rien, on peut mettre un petit symbole. Un petit symbole boom, quoi. Et, bah, c'est custom. Comme ça, les sachants sauront. Et enfin, le golem, je lui mets. Ah. Parfait, puisque je mettais 3. Moins 1, ça fait 2. Moins 1 du bouclier, ça fait 1. Il lui restait 1 point de vie. Enfin, c'est on peut pas être. Le compte est bon. Alors là, on peut pas être. Le compte est bon. Plus on est parfait. Propre. Ouais, mais et en plus, je gagne. Le... Ah, mais non, il avait joué, il l'avait plus le marqué. Tu gagnes un point de. Un point de. Un point de points, quoi. De pex, quoi. C'est et bon lui, pour moi. C'est mouru. Boum, boum, boum. Et une petite pièce. C'est au tour de l'artificier. C'est donc my turn. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc, du coup, moi, simplement, petit. Salut, tu... ça c'est quoi tu veux faire le. C'est salut tout le monde, les gens. On est mardi, c'est déjà le week-end. J'ai plus. Déplacement 2. Détruisez un obstacle adjacent. Si vous le faites, gagnez un XP et effectuez renforcement sur vous-même. Donc, ah, donc tu vas péter. Donc je vais mettre un coup de poing sur le mur d'à côté parce que je suis un peu. Je suis un peu vénère, quoi. Voilà. Donc petit renforcement. Excusez-moi. Petit point de pex. Je m'inscris en faux. Les terrains violets, ce sont des terrains difficiles. Ah. Tu peux marcher dessus, mais tu peux pas le casser. Bah très bien. Ce que tu veux casser, c'est en vert. Très bien. Il me semble. Je suis.
Non, mais plutôt sûr de moi. C'est vrai qu'il me semble que la dernière fois. Eh bah, tant pis, il n'y a pas de. Pas de et c'est vrai que. Vu... Et pas de point de paye. Moi, je propose. Moi, je propose un rollback. Non, parce non, que, non, non, parce, pas parce que tu as mal joué en fonction. Parce que tu t'étais fourvoyé. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Pas de soucis. Il est où? Là. Ah oui. Arrête de faire ça. De quoi? Ah, on a juste pas enlevé? Oui. Eh bah, alors. Je croyais que tu l'avais remis là. Non, j'ai effectivement pas. Juste envie de te casser la gueule. D'accord, n'hésite pas. J'ai pas touché au point de vie donc j'ai bon, pas. Du coup, ça fail hein, en totalité. Hein, parce que du coup. Non, mais reprends tes cartes. Reprends tes cartes, on s'en fout, tu savais pas. Osef, c'est joué. C'est frère, joué. Attaque 3, non, non, je vous fais pas perdre un tour. Écoute-moi bien. Si on n'avait pas été ensemble, évidemment que tu sais jouer, c'est joué. Non, mais c'est quoi? On est ensemble, go là. On est ensemble, tu savais pas. Pas grave. Et à la limite, ce qu'on va faire si tu veux. Ah, mais non, parce que si Zod joue, ça va tout changer. Vas-y, tranquille. Il n'y a pas de problème. Non, on va pas perdre ça, un tour parce de, que tu savais pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir misplay, je trouve. Je vérifie juste les terrains, mais oui, non, mais je... Bon, c'est ça. C'est une partie de tes cartes que tu peux quand même utiliser, je sais pas. Après, c'est vrai que moi, depuis tout à l'heure, je l'imagine comme un obstacle. Hein. Moi aussi, j'étais en mode, ah oui, il faut que je fasse le tour, etc. Et donc, en plus, bon, c'est trop tard, on va continuer comme ça. Et on s'est probablement trompé sur les déplacements, parce que peut-être que le golem, par exemple, il serait peut-être allé directement par là. Il avait un déplacement. Il avait un déplacement, il pouvait pas rentrer dans la case. Un ou deux. Il a fait deux. Il avait fait deux. Il avait deux. Donc il pouvait rentrer dans la case. Et effectivement, je pense qu'il aurait choisi d'aller. Tant pis. Trop chiant. Ça remonte. En fait, le problème, c'est que du coup, ça fait rollback mon action à moi, qui évidemment n'aurait pas été de faire ça. Tant pis. On s'en carre. C'est pas très grave. D'ailleurs, on a relancé un tour, donc okay, c'est bon, c'était fait. C'est bon. Okay. Bon, tout est bon. Ok. Allez hop. Ça change absolument rien à mon initiative en plus. C'est parfait. Donc, mon déplacement restera le même, sauf que j'ai la possibilité de détruire un obstacle à portée 3. Si je dis pas de conneries, cet obstacle est bien à portée 3. Ça marche. Donc là, je vais bien le péter. Petit pétacole. Voilà. Et ensuite, je fais une attaque 3, du coup, qui génère. De la terre. On va faire dans l'ordre. En fait, ça va le générer à la fin de ton tour. Tous les soins ciblant la cible n'ont aucun effet durant ce tour. Passez un de vos pions. Bon, tu fais une attaque 3 sur la pierre. Sur la pierre. Voilà. Vas-y. 3, et du coup, prions. Plus 0, parfait. C'est ce qu'on voulait pas. Tu voulais un plus 1 ? Ouais. Ouais, bon, ça va, tranquille. 3. Il y a un man qui voilà. Tu sais que tu peux frapper le piège pour le détruire. Ah bon ? Je vois pas sur piège. Je vois que les pièges ne sont pas des obstacles, tu peux pas faire ce truc là. J'avoue, je savais pas. Bah non, je vois rien qui le dit. Alors est-ce que c'est le cas peut-être dans l'autre Gloomhaven? Est-ce que c'est le mec qui dit de la merde ou est-ce que c'est pas marqué là? En tout cas, il n'y a pas marqué, vous pouvez taper le piège pour le faire. Est-ce que c'est autour des îlots? Les îlots, ils se déplacent de 0, mais ils se déplacent tout de même. Ça veut dire qu'ils font un déplacement de 2. On commence par celui qui a le chiffre le plus faible, on commence par les élites. Donc lui, il se déplace de 2, il fait 1. Sauf que non. Parce qu'en fait, ils font une attaque à moins 1, portée 2. Donc en fait, ils restent là, parce qu'il veut, il veut pas avoir de modificateur d'attaque négatif. C'est ça. Donc en fait, ils restent là. Ici, lui, il va par contre vouloir s'approcher, et donc il va aller faire 1, 2, et c'est tout. Ok, ils font une attaque de puissance moins 1, donc 3 moins 1. Donc une attaque de puissance 2. À portée 2. Donc lui il touche personne, par contre lui il t'attaque. Yes. Il te fait une attaque à 2 plus 0. Tu perds 2 PV. Du coup t'as pas produit la terre d'Alex. Axel. Ensuite il fait soin X sur lui-même. X est le montant de dégâts subi par la cible de l'attaque, donc il se soigne de 2, mais il avait pas subi de dégâts donc on s'en fout. On devra remélanger ce paquet. Derrière ça, c'est à mon tour. Je vous propose ceci, je vais faire un déplacement 3 et je vais consommer les ténèbres pour faire 2 déplacements supplémentaires. En bas. Mm-hmm. Je vais me déplacer 5. Oh là là, les ténèbres! Pas mal. C'est une carte que je peux. Tu consommes quelles ténèbres du coup? Pas mal. Je viens de les consommer. Tu vas le faire. Je viens de le faire. Et donc je vais me déplacer de 5, je vais donc faire 1, 2, 3. Faire 3. 4. Je me mets un peu dans la mêlée pour être le plus proche possible de vous, parce qu'en fait, souvent, moi, je ne peux pas bouger. Donc, il faut que je prenne un peu de risque. Voilà. Une fois qu'on est là,
je vais faire... Un allié à portée 2 peut effectuer une attaque au cac de 3. Casse donc ce caillou. Et je génère des ténèbres. Et je gagne un point d'XP. Donc 3. Vas-y Gimli. Allez hop. Allez. Merci. C'est beaucoup. Un échec et mat. Quoi ? Merci d'être venu. Une merde. Après la pierre, il... Une merde gros. T'as quoi toi ? Ah mais il doit taper avec une clé à molette si avec son artificiel, ça va pas faire grand chose. Dégoûté. Bon bah tant pis hein. C'est un échec. Échec. La carte. Bon bah décevant. Je perds ma carte, j'ai terminé. C'est à vous. C'est à tout le monde. Non, c'est au golem. Le golem, il fait attaque plus 1, portée 3. Bon, il est super loin, il se déplace pas. Fin du buzz. Next. On enchaîne, on va mélanger le paquet de zilotes. Messieurs, vous pouvez jouer vos cartes. Oh, on est efficace là. C'est bien. Il a pas un de déplacement le. Non, il avait pas de déplacement. Ah oui. Si c'est pas écrit sur la carte déplacement, il se déplace pas. On est d'accord qu'il est là le man. Hein. Ouais. Il s'est déplacé de 2. C'est ça. Et lui, il a rien fait. Si, il m'a attaqué. Non, parce que sinon il aurait été trop près. Oui. Ah oui, il a distance. Pas bougé, mais il a attaqué à distance. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc lui il a déplacé de 2. Ok, parfait. C'est pas mal. Je récupère mes cartes et on est reparti, les loulous. Je vais partir sur ça, moi. En vrai, est-ce que je fais pas un tour à vide là ? Je crois que oui. Hein. Je vais faire ça. Je te soigne ou pas, toi ? M'en fous. T'en fous ? T'en fous, pas lui ? Si tu t'en fous, je vais attendre un peu alors. T'as subi des dégâts, toi ? Ouais. Toi aussi ? Moi, j'ai subi que ton dégât, toi. Bon, en vrai, il y a un monde où je vous soigne tous les deux, les gars. Bah, je suis un frère ou pas ? T'es un frère. T'es le boss. Plus un frère que le boss, je pense. Allons-y. Ok. Axel doit prendre une brûlure. C'est un zilote élite. Oui. C'est vrai. Merci au chat. Merci au chat, vous êtes vraiment des boss. Ah ouais, bien joué. Prends une petite brûlure dans ta mère, là. Au début de ton tour, bah, tu perdras un PV. Nickel. Quand vous voulez. Ouais. Excusez-moi, j'ai une taille sur un truc, mais je crois que je vais faire ça et on n'en parlera plus. C'est plus clair avec les petits socles de couleurs sous nos persos, je pense, hein, quand même. Hein. Les éléments ne doivent pas baisser d'un cran, oui, c'est vrai. Hop, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent, hein. T'oublies pas, Rof. Il n'y a plus de vent. Plus de vent. Whatever. Il y a de la plante et des ok, plantes. C'est parti. 3, 2, 1, 24. 42. Ouais, j'ai menti, je dis que c'était plus petit, c'est fou. Donc tu es devant, alors que font les autres ? Ouais. Je veux bien voir. Alors pardon, ils font... Pour l'instant, alors, on est comme ça. Ouais, 19. Pour le bon. Zélote, ouais. Qui va donc agir avant après moi. Après moi, ouais. Et ensuite, pour le golem, 64. Il reste 64 qui reste derrière. Ok, je commence. Je crois, hein. Ouais. Donc, moi je vais faire un tour un peu à vide, c'est-à-dire que je vais poser cette carte qui dit « Au début de vos 5 prochains tours, effectuez une... » Fais ta vie, mec. Je sens que tu fais une connerie. Ouais, si. J'avais fait exprès. En fait, sur les commentaires YouTube, les gens, ils sont en mode leur d'initiative, on s'en fout. On oui, mais là, ça change. En fait, les cartes face cachée, on s'en fout. Pour savoir qui est qui. Parce que là, on ne sait pas qui est Zilot, qui est Golem. En fait, c'était pas au hasard. Donc, je pense que c'est mieux que tu vois. Excusez-moi. Voilà, il n'y a pas de problème. Je t'ai senti venir. J'étais coq-bloc tout de suite. Un peu coq-bloc, ouais. Au début de vos 5 prochains tours, effectuez l'action malédiction. Portée 2. Donc je vais pouvoir. Chaque maudire, début quoi. De tour. Je vais maudire, toi, tu rates. Toi, tu rates encore. C'est surtout que. Alors, prépare des cartes malédiction. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'à chaque début de tour, les ennemis, je vais leur mettre des cartes malédiction dans leur paquet, quoi. Et donc, techniquement, je leur en mets 5. Donc, à un moment, ils vont rater, c'est ça clair. Va être génial. Voilà. Et puis, à la fin, je jette cette carte. Donc, ça, c'est un peu chiant. Par contre, il faut qu'ils soient tout le tour à portée 2 de moi. Donc, il va falloir que je prenne quand même un petit peu de risque. Sinon, je suis déçu. Au pire, je vous mettrai des malédictions à vous. Pas quel plaisir. Voilà, donc ça c'est le premier truc, mais ça va être une carte active, donc elle va rester eh bien, là-haut. Voilà, donc ça va faire comme ça. Et ensuite, je vais jouer proche des abysses, qui me dit soin 2, portée 2, cible 2. Vous êtes tous les deux à portée 2, vous gagnez tous les deux
de PV. Merci bien, monsieur. Tous les alliés qui retirent empoisonnement avec ce sort gagnent bénédiction. Vous n'aviez pas de poison, mais on ne peut pas tout faire. Bah, c'est même mieux, parce qu'en vrai, le poison, ça ne nous aurait pas soigné du coup. Ouais. Voilà. Ok. Je crois que c'était un... Putain, c'est okay. Très bien, Maxilian, tu fais bien ton rôle de soutien, je trouve. Zilotes de jouer, les zilotes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent de 1, sauf qu'en fait, ce sont des zilotes élites, ils ont de base 2, ils se déplacent donc de 3, et ils sautent par-dessus les obstacles. Ah merde. Sauf qu'ils vont faire une attaque au corps à corps, donc ils font ça, et ils font, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est donc exactement à la même distance, et sauf que j'ai l'initiative, donc il vient vers moi, et il fait donc 3, c'est ça, hein? Ouais. Donc 1, 2, 3. Qui pote là, hein. Ok. On commence par le 1 qui va donc faire attaque 3, moins 1, 2. Il cale une malédiction et il crée du vent. Bon. Ok. Donc il me fait une attaque 2, plus 0. Donc je... Attends, pardon, il te fait une attaque. On commence par le 1. Il te fait une attaque 2, plus 0, donc tu perds 2 PV. Et il va falloir que tu mettes une malédiction dans ton paquet. Et bah, vas-y, on va. Je remélange du coup. Ouais. Qu'est-ce que... Lui, t'es sûr qu'il t'attaque pas, il t'attaque pas toi? Pourquoi il m'attaquerait moi? Je suis plus loin. Ouais. C'est d'abord le, d'abord la proximité. Le plus près. D'accord. Et ensuite, il m'attaque moi. Et donc, il me met 2, plus 0. Voilà, et je prends aussi une carte. Malédiction. C'est chiant. Ouais. J'ai 4 points de vie. Et tu prends aussi une petite carte. Brûlure. Ah oui, ce sont effectivement des zilotes élites. Wouh! T'as perdu un point de vie, toi, au début de ton tour, là? J'ai pas encore joué. C'est au tour des... T'as été soigné, donc normalement, tu n'as plus de... Ah, il t'a plus de brûlure. Ah. Bah, au du coup, je la garde, puisque je me refais taper. Exactement. c'est au tour de... me bouger, c'est parfait. C'est au tour du lanceur de hache. C'est moi-même. Eh bien, pendant que vous vous battez, je vais essayer de piller ces petites pièces parce que j'ai que ça à foutre. Non, vous allez voir. J'ai jamais que ça. Je vais d'abord commencer par faire ceci, c'est-à-dire un déplacement de 1 qui va aller juste là et un pillage 1. Ce pillage 1 bien me permet fou. De récupérer oui. une thune et me permet tu n'auras qu'un monoclap. De récupérer ma petite favorite que je vais donc replacer sur ma teucar. Et donc, quand je passe à cette attaque-là, eh bien, je on peux pas, dire... On voit pas, on voit pas. Eh bien, c'est une attaque un peu basique, mais en gros, ça me permet donc d'attaquer à portée 3, donc je vais attaquer celui-ci, quel boss. Avec la favorite que je vais donc mettre sur le numéro 5, qui tu est donc lui mets donc. Là, et je vais lui mettre à la base 3, plus 3, 6, plus ou moins. Bien joué. Là, t'as le droit à un multiclap. J'ai fait au mieux. Hein. j'ai beau être matinal. Il allait lui mettre un 12 dans la gueule. Et le mec a fait « Eh non !» Bon, très bien. Ah, c'est le dé, hein. C'est le dé. C'est le dé. C'est donc à moi de jouer. Bah ouais. C'est le fumble. Ouais. Vas-y, frérot. Donc j'avais prévu de faire un truc à la base, c'était de péter la pierre. Pète le caillou. Sauf que, vu que le zélote est venu se placer allègrement dans la diagonale du piège, les zélotes, là. Il se peut qu'il aille faire un petit câlin au piège. Vas-y, hein. Attaque 2, poussée 2. Oui. Voilà. Alors vas-y. Donc attaque 2. C'est con, il n'y a pas de feu. J'ai l'air du feu, toi, un peu. Ouais. Attaque 2, plus 1. Donc il prend 3. Puis il dégage 3. Ici et il prend le piège. Il en tombe même à la renverse. Il prend 3. C'est le 4. Numéro c'est 1. Le numéro 1. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Bon, pas mal, il a plus que 2 PV. Off. Oui, je n'ai pas eu ma malédiction. Et moi ben oui, mais enfin, c'est pas, je suis pas le gardien de malédiction. Ah bah hein. si, t'es clairement les. Ce qui fait que on gère les PV, on gère les trucs, tu peux gérer. Attends, ça. Je gère les règles, c'est déjà pas mal. Bah, range les bouquins, on les connaît. Ce qui fait bon. Que mon plus 1 n'est peut-être pas un plus 1. Parce que je n'ai pas mélangé du coup. Ah, tu le refais? Bah ouais, je le refais. Ouais. Soyons. Pour une fois, Kurov joue vite. Bah voilà. Et voilà, joue vite. Et bah c'est toujours bien. Bah, hein. Parfait. Allons-y. Donc il prend un petit. Bah, c'est 5. Fait, c'est fait. 5 dans la bouche. Non, 6. Du coup, il a pris 2 plus 1 plus 3. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Pas compté. C'est fait. Et ensuite, petite carte active qui me permet de doubler la valeur de, ma prochaine capacité de déplacement. Voilà. Ok.
obligé de bouger. Non, c'est pas ça, c'est que tu dois le faire du coup la prochaine fois ou c'est quand il veut, il le fait, Prochaine oui, capacité. Il y a un petit. Oui, il va mettre son truc dessus et à prochaine capacité de déplacement, il va faire hop et ça, ça veut dire. Si t'as pas là, tu peux pas le stacker. Non. Nope. On est type A. J'ai mélangé. C'est au golem de pierre de jouer. Le golem de pierre, il fait déplacement plus 0, attaque plus 0, ce qui lui fait faire un déplacement de 1. Enfin, passionnant. On passe directement au tour suivant. Ouais, alors, donc on fait ça. Chut. Mais, merci. Hein. Puis, on est parti. Où sont mes cartes ici ? Je suis prêt. Sachez que je peux vous faire vous déplacer. Bien joué, effectivement, j'ai perdu un point de vie du fait de la brûlure. Je peux vous faire... Ah, oui, moi aussi. Non, parce que j'ai brûlé après le début de mon tour. Oui. Je peux vous faire vous déplacer, je vous le dis, je vais probablement le faire. Enfin, je vais vous donner l'opportunité, vous n'êtes pas obligé. Mais pensez-y. Moi, ce que je vais essayer, c'est d'attaquer les deux en même temps. Mmh. Ou alors je fais ça, c'est marrant ça. On est d'accord que les obstacles ne sont pas considérés comme des murs. Les obstacles ne sont pas considérés comme des murs, tout à fait. Le mur, c'est le truc gris, quoi. Que je sache. Ouais, je fais ça. J'adore les chants de Witcher. Ok. J'ai... 51. 43. 22. 51, 43, 22. Nous avons des îlots à 82 et des golems de pierre à 10. Waouh. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Golem de pierre, ils disent « Chaque fois qu'un personnage attaque le golem de pierre, ce personnage subit 3 dégâts. » Donc là, il est en mode « Oh putain, c'est la réaction runique. Oui. » Donc, faut pas le toucher. Mais tu comptais lui casser la gueule ? Oui. Dommage. T'avais combien, toi ? Moi, je suis loin. 51. J'ai 51. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Puis pas 43. Eh ben, on peut y aller. Golem de pierre. Voilà, il a son passif. Laissez-le tranquille. L'artificier, c'est voilà, à toi. Ça m'emmerde bien comme il faut. Attaque un autre, hein. J'ai du coup un déplacement 6. Mm. Va prendre le trésor, va ailleurs, on s'en fout. Ah mais c'est casse quoi des pierres, hey, permettait vrai... de péter un truc et d'avoir une bénédiction et un point d'XP. Tu vois, ça allait pile poil bien. Ouais, mais va péter un autre truc et nous, on va la finir, ce caillou-là. On s'en fout. Après, tu peux aussi aller péter le golem et prendre 3, enfin... Oui, j'avoue. Non. Je peux te heal après. C'est bon. Non, c'est un peu risqué. Déjà, je perds un point de c'est vie. C'est pas ce qui se passe je après. Je perds un point de vie de la brûlure, hein. Rappelons-le. Tu perds un point de la brûlure, effectivement. Déplacement 6, je vais aller chercher le coffre. Ok. 1, 2, 3, 4. Oui. Tu looteras à la fin. Et du coup, petite attaque 3 sur le zélote qui a déjà pris 5. Ajouter 2 attaques ouais, et gagner si la cible est adjacente à un mur. Quel pas le cas. Dommage, Mme Chambier. Donc 3 plus 0. Il est mort. Ce qui fait 8. Ce qui fait, oui, total. Il est donc dans le DC. Le golem est ici précisément, c'est ça ? Oui. Et donc une petite pièce. Hop. Et moi je récupère le petit coffre. Je le redécoiffe. C'est à moi de jouer. Alors t'as récupéré le petit coffre, et du coup tu as le bonus 16. Est-ce qu'on peut avoir le bonus 16 s'il te plaît, Rof, à la fin des règles ? Oui. Le bonus 16, c'est une potion de mana. Objet 14. Je vais aussi te passer, comme je suis le maître des objets, l'objet 14. Et pendant qu'il te passe l'objet 14, je vais jouer mon tour. Je vais commencer par ceci, qui dit influence du maître. Bon, je vous la lis parce que c'est un wall of text. La première attaque effectuée dans chacune de vos actions octroyant une attaque gagne avantage. Donc ça veut dire que même si je vous fais attaquer vous, vous aurez avantage. Merci d'accord. Bien, mon bon prof. Et vous pouvez consommer n'importe quel élément pour lui ajouter plus 1 d'attaque.
De plus, lorsque vous octroyez des attaques aux monstres, ils utilisent votre paquet modificateur d'attaque. Voilà. C'est pour éviter que toutes les malédictions que tu as mis dans le paquet des monstres te reviennent dans le survieux. Non mais... C'est très bien ce personnage. Donc ça c'est beau, et c'est un passif qui dure jusqu'à la fin de la partie. D'ailleurs, en parlant de passif qui dure jusqu'à la fin de la partie, est-ce que tu... T'as pas une genre de malédiction à faire ou je sais pas quoi au début du tour? C'est vrai. Au début de vos 5 prochains tours, hein, effectuez malédiction portée 2. Bon, bah, hein. Alors, ça, je m'en occupe. Je suis le préposé. Tu es le maître des cartes. Tiens, vas-y, tu es le préposé. Ça, c'est les cartes que j'ai déjà sorties du paquet. Elle est fausse. J'enchaîne. Je vous propose un déplacement de 2 pour ma part. Tu t'occupes de cette pierre? Oui, c'est bien. Je vais faire un déplacement de 2. Je vais donc faire. 1, 2. Oui. Moi, en fait, je vais essayer de rester au centre pour pas trop bouger et faire des trucs autour de nous. 1, 2. Et un allié à portée 3. C'est bien moi. Peut effectuer un déplacement 2. Donc, n'importe lequel de vous est à portée 3 de moi. J'ai calculé. Donc, choisissez qui se déplace de 2. Ouais, hein, je crois pas avoir un tour exceptionnel. Extraordinaire à faire ça. Attends. Toi, t'es exceptionnel, je vous le dis. Ça, c'est vrai. J'ai gagné 2 d'XP. Comment ça, j'ai gagné 2 d'XP? Oui, j'ai gagné 2 d'XP, tu as raison. En fait, j'allais me les donner à la fin du jeu, mais t'as raison, mettons-les maintenant, comme ça, j'oublie pas. T'as grave raison. Je m'en fous. Bah, moi, ça peut juste me rapprocher de là. Je peux me mettre. Parfait, frérot. Oui. Et ben voilà, tout le monde est content, c'est bien. C'est ainsi que s'achève mon tour. On enchaîne avec le lanceur de hache. Du coup, t'as pas utilisé le principe de je crame n'importe quel élément et je fais un truc? J'ai pas fait attaquer les kicks ce soir. Tant mieux. Puisque moi je vais faire un truc un peu bizarre qui s'appelle. Pardon. Oui, mais en fait, ouais, juste, excuse-moi, ça va être pendant mon. Enfin, je vais les mettre sur mon côté parce qu'il se passe plein de choses. Déplacement 2. Je fais genre 1. 1, 2, non, 1, 1. 1, 1. 1, 1, 1, 1. Alors que Dominique Farrugia est avec nous, les amis, excellent! T'as brûlé en max. Ah ouais, merde. Putain, fais chier. En fait, attendez. attends, y'a un truc qui va pas, Max. Quoi? Je t'ai mis pile là où il fallait pas. Bah ouais, bah frérot. Tu fais chier, gros. Allez, suivre. Ah non, c'est bon, je m'en fous. C'est des... Non, tu peux 1, marcher là-dessus. 2, 3, 4, ok. Pas de soucis, t'es le meilleur. Donc, je fais ça, ça fait... Donc j'arrive ici, et je fais, regardez, je fais 1, 2. C'est vraiment stupide. 1, 2. Tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Donc il prend 1. Puis je fais déplacement 1. Tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Donc il reprend 2. Puis je refais un déplacement 1. Donc je sais pas, disons que j'avais des pics et que je me suis roulé comme ça sur lui. Ça s'appelle comment? Ça, en fait, alors le problème c'est que le nom, malheureusement, c'est le truc du haut, je pense. Barrage déconcertant. Tu vois, je pense que c'est plutôt ça. T'as raison. Et donc le bas, c'est... J'appelle ça la technique du parc épique. Je lui ai mis 3, quoi. Je lui ai mis 3. En faisant ça, par contre, j'ai dû... C'est une capacité quand même assez forte. J'ai dû bannir ma carte. Enfin, ouais. Détruire ma carte. Perdre ma carte. Et mais gagner un XP. C'est ce que je fais tout de suite. Cette carte est donc perdue. Elle est perdue, mais elle était intéressante à faire maintenant. Notamment parce que, du coup, je possède également. Ah bah oui, mais du coup, c'est un peu con. Eh bah, c'est pas grave, tant pis. Un double lancé. Qui me dit que je fais attaque 3 à portée 4. Donc 1, 2, 3, 4, je l'ai. C'est pour ça que je me suis dit, mince, okay. J'ai ici là, c'est bien deux cibles. Oh oui, bien. Et je consomme l'élément. Deux cibles, mais du coup, tu vas avoir un avantage. Ouais, et en plus, je te rappelle que tu bouffes 3 points de dégâts dans la figure parce que tu attaques le golem. Hein. Non, c'est à distance. C'est pas précisé, c'est ça. Pas, non, non. Ah, et ça fait mal au cul. Non, tu t'inventes des règles. Ça fait absolument mal au cul. En fait, je suis loin! Non, ah mais non, ça non. Marche pas. Non, bah si. Il te renvoie des pierres dans la gueule. En fait. C'est runique. Attendez, j'ai lu dans mon grimoire. C'est runique. Putain. Eh ouais. Ah, je peux essayer de ne pas l'attaquer, mais j'ai l'air con. Ah, au pire, il prend 3 dégâts. Attends, tu peux nous soigner, mais oui. Et, bon. Oui, en plus, tu ne consommes pas, tu produis. Comment ça? L'air. Oh putain, y a rien qui va. Ça a le coup de jouer vite. C'est vrai. Bon bref, je gagne 2 points de vie grâce à ça, tout de même.
Enfin, pas de points de vie, de points d'XP. Putain, je vais y arriver. Et donc, je fais attaque 3 sur lui. Sauf que ça a un désavantage. Puisque je suis à côté. Est-ce que c'était mon meilleur play? Peut-être on pas. S'en fout. Moins 1. Moins 1. Wow. C'est bien. Parfait. 2 moins 1 en moins pour c'est la ça. Même chose. C'est super. Bah, j'ai donc du coup fait 2. Alors attends, il a encore ma marque. On est d'accord que... Je gère les PV. Hein. Non, c'est bon, je peux pas le faire. Donc il a actuellement 5 PV. Il lui reste 3 PV. Il lui reste 3 PV. C'est parfait. Et bien du coup, je ne peux pas le re-cibler, c'est trop fort. Donc je vais cibler, allez, bon j'en suis. Je cible donc celui-ci, en lui faisant... Attends, tu peux pas cibler la pierre? Non, parce c'est que c'est distance. Que au corps à corps. Bah, c'est au cas que la pierre. Allez, mat. Je balance ça là-dessus. Allez, vas-y. Allez, on est un... Moins un. Voilà, super. Deux. Mettre deux en prenant trois, c'est vraiment super comme, rentable. Comme plan. Worse. Mais c'est pas... Ah, non, en plus, je lui mets que un parce qu'il y a un bouclier. Ça fait du con. Ah bah voilà, vous voulez que je joue vite, bah du coup je fais de la merde. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est rigolo. On se marre bien. Du coup, 3 points de dégâts. Et je prends 3 dans la bouche. Mais je suis à 5. C'est ainsi que Chou les silotes. Les silotes, il te dit. Je sais pas pourquoi je suis allemand d'un coup. j'ai dit silotes et je me suis perdu. Le silote, il fait une attaque plus 1, portée 3, et il génère du feu. Eh. Il génère du feu. Et ce sera contre toi, mon cher Max, parce que tu as joué avant moi. Ouais, c'est vrai. Il me fume ma race et donc il me met attaque 1 d'un zilote, c'est-à-dire qu'il me met. Oh putain, il me met 4. Ben, je vais mourir, les gars. Il me met 4 dégâts, portée 3. Bon, il a un désavantage. Et puis surtout, tu peux aussi. Je peux cramer une carte. Alors, il circulait, je crois, de 1 en faisant ça. Hein, pour pas avoir de désavantage. Non, il n'y a pas de déplacement. Oui. Donc, il reste à portée. Ok, d'accord. D'où les avantages. Oh la chute. C'est alors un passe-tour. C'est quoi? C'est une malédiction? C'était un flat? C'était son flat? Non, c'est dans le deck de monstres. Non. Il a su... En fait, ah, c'est quand c'est flat, il y a des éclairs. Okay. Non. Ah non, c'est flat. Quand c'est pas flat, il y a des éclairs. Okay. Bref. Est-ce qu'il génère quand même le feu, du coup? Le feu, je pense que oui. Ouais, moi je pense qu'il a juste raté l'attaque. Tu vois. D'ailleurs, on avait vu, quand tu ratais l'attaque, t'avais quand même les effets, je crois. Non? Je pense qu'il génère le feu, quand même. Je crois que ça fait... c'est juste au niveau des dégâts. Parce que tu vois, s'il y avait eu plusieurs attaques, on aurait tiré un truc à chaque attaque, donc il y en aurait qui seraient passés, tu vois. Non, je pense que ça joue. Attaque du tour précédent de Rof, ouais, ayant échoué avec la hache, il ne la récupère. Oh non, je crois que j'ai juste lancé ma hache, elle s'est foirée. Hein. Placez un de vos pions, machin, vous pouvez ajouter plus 3 attaques à n'importe laquelle de vos attaques à distance en plaçant le pion sur la cible, appelée la réduction des capacités de l'attaque, ce que j'ai fait. Quand la cible est éliminée, placez le pion sur l'hexagone où il se trouvait. Si vous le pillez, replacez le pion. Non, il n'y a pas de... Nous continuons, prenez vos cartes, yes, c'est repos, le tour suivant. Repos court là du coup. Ouais, tu peux faire un repos court si tu veux. Moi il me reste 2 cartes, est-ce que c'est intéressant d'avoir ces 2 cartes? Moi j'essaie d'économiser mes cartes à balles. Pas du tout envie de les perdre. Elles sont tellement fortes. Mais en plus, t'en as 11, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tu veux que j'y aille? Bah oui. Oh, je vais tout mettre. Tu veux que j'y aille? Tu veux? J'y veux? J'y veux! Allez hop, ce sera celle-là. Eh bah. C'est dommage, c'était une bonne carte. C'est pas grave. Moi aussi, je pense que je vais faire. Ah, tu peux payer un point de vie si tu veux. Ouais, je sais, mes flemmes. Tu la pètes cette pierre ou pas? La flemme. Bah, je suis plus là. Hein. Moi, je... Et tu la pètes cette pierre ou pas? Je pose la question. Tu l'as one shot. Ça va dépendre. Moi, je vais faire un repos également. Je peux t'aider. Ouais, bah sinon aide-moi. Hein. Pourquoi ça va là ça? Après, tout ne m'arrange pas là. Essaye de faire autre chose. Oh. Pourquoi c'est ici ça? Qu'est-ce que j'ai? J'ai jamais joué cette carte. Pourquoi elle serait là? Ah oui, parce que j'ai même des fausses. Ah ouais. Excusez-moi, je suis un débile. Oui, ça va. Les éléments là, ils passent en faible du coup. Je vais récupérer. Ouais. Je vais récupérer ça et ça et mélanger. Donc du coup, je récupère pas ma carte perdue. Je récupère pas ma favorite. Mais je récupère tout le reste. Je mélange. Oh putain, cuit de ça. 143. Allez hop, c'est bon pour moi. Oh, j'en ai marre de réfléchir, je joue comme un débile. Et je jette. Et on est dessus. Attends, il vient juste de jeter, c'est-à-dire qu'il va encore réfléchir à quelle carte il joue.
Ouais, parce que je décidais... Non, c'est bon, c'est facile. Je vais faire ça. Et je vais faire... Il a combien de points de vie, lui, là? Pas beaucoup, hein, je crois. Ouais, 5, je crois. Il lui reste 3 points de vie, je crois. Il lui reste 3 points de vie. Et le golem, il lui reste... 8 points de vie. 8, ouais. Allez, je crois au fait que je vais le tuer. Tue-le. Si un truc qui dit doubler la valeur de votre prochaine attaque ce round et que j'ai une attaque qui touche deux personnes, d'accord, que je double que la première. Oui, je pense. Je pense aussi. Ah, d'accord. Ok. Okidoki, j'ai fini. 49. J'ai 25. 20. Donc ça fait Axel, donc l'artificier, moi. Et ça, j'aimerais bien voir les mobs, s'il vous plaît. Putain, faut que je mélange les zilotes, excusez-moi. En tout cas, le golem, lui, ce sera un putain de 51. 51 qui faudra, du coup, remélanger après. Il s'énerve, le golem. Il court. Il court, il fait plus 100 du placement. Flamme impie 32 82. Lent. On est parti avec l'artificier. Bah let's go. Hein. On va taper. Ouais, faut que tu pètes le caillou. Taper. Attaque 3. Les soins, nanana, on s'en fout. On s'en fout. Plus 0. Nickel. Je perds mes moins 1 aussi de la brûlure. Hein. Okay. Et ensuite. La même carte que tout à l'heure, donc je double la valeur de ton prochain déplacement. Oh bah c'est bien, va péter ça, tu sais. Il met 3 à tous les trucs, et nous on les termine, quoi. C'est pas mal en vrai. C'est à toi de jouer, ouais. Rof. Je vais faire une coupe à rat. Je vais faire une attaque sur la putain de ta mère. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que c'est exactement pas le dessin que... Ouais. Et ben... Quel est le problème? Bah en fait, c'est... Je suis là, en fait, je peux pas taper les deux, okay, ils sont pas collés. Ils sont pas collés. Bah oui. C'est pas grave. Vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. Parce que je possède le compas maudit. Ah. Et grâce à ce compas maudit, je vais pouvoir l'utiliser. Pendant votre tour, forcez un adversaire à portée 3 à effectuer une action déplacement 2. Vous contrôlez cette action. Oh bah tu... Bim, bim. Voilà, sur le... Il est mort. Ça va plus vite. Ça va plus vite comme ça, en fait. Du coup, tu peux payer le caillou. Voilà. Du coup, je peux attaquer le caillou normalement. Ouais. Voilà, attends, sauf que du coup, si j'ai fait ça... Okay. Là, il va y avoir le petit... Hop, ma petite machine. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait. Si, elle était déjà dessus. T'as raison. Il est mort. C'est pour ça que j'avais ce truc-là pour pouvoir le piller. T'enlèves celle qui est sur ta carte. Du coup. Non, justement, je dois la mettre. Ah oui, bon, ok, d'accord. T'as raison. Elle est pas sur ma carte, elle est là, et je la mettrai après sur ma carte. Ici, donc je fais ça sur que lui, du coup. Ouais. Ça suffira bien. 3 plus 0. Bon, c'est un peu dommage. Il lui reste du coup. C'est un point. Elle est morte. C'est bon. Elle avait déjà des dégâts, en fait. Eh ben, c'est parfait. Je la défonce. Et ensuite, je vais faire un... Stop. Au moment où tu casses cette pierre, nous devons lire l'événement. Bon, bah, j'oublierai pas de faire mon pillage. Les secousses se sont atténuées. Vous avez l'impression d'avoir enfin repris le dessus. Mais des hommes en robe jaillissent des tunnels plus profonds de ce lieu abject pour aider les autres. Générer un zilote normal et un zilote élite. J'ai. De plus, générer deux zilotes normaux. Alors, voilà. Donc en B, je crois, c'est ça, hein. Un zilote normal, un zilote en B. Donc en fait, tu mets un normal. Attends, tu peux pas générer les deux sur la même. Oh shit, bro. Je crois que si. Tu jettes là et l'autre, c'est sur une case la plus proche possible du truc. Anti-pop en même temps, c'est. Oui. Waouh. Et tu la mets où tu veux, je crois, la plus proche, donc on va le mettre un peu plus loin. Ah ouais, c'est chaud. Et ensuite, on a deux zilotes normaux pour trois aventuriers. En C, donc ici. Tu as besoin de zilotes normaux. Il me faut des zilotes normaux. Alors les zilotes G, il me faut juste des. Bah j'ai tout. En fait. J'ai tout. Tu t'occupes des personnages. Donc, je suis dessus et je vous génère du coup combien? 2, hein. Moi j'ai gagné un point d'XP dans l'histoire. Deux zilotes normaux, je vous fais ça. Petite dame, il y en a un peu plus, je vous le mets. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ça va nous faire ça. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Bah ceci, ah, c'est vrai que je les ai redressés. Mets droit. Je vais mettre droit, ouais, ça va être. Je supplie. On est là. Allez, vous voyez pas. On va se casser de là-haut, hein, de toute façon.
Donc il y en a eu deux qu'on pop ici. Et il y a deux qui ont pop là, c'est ça? Alors, on va pas les faire popper là-dedans, c'est quand même chiant. En fait, on fait ce qu'on veut, on les fait popper dans le truc le plus proche. Ouais, prends la règle sombre. Règle sombre? Ok, bah c'est là. On a fait un la règle claire, un la règle sombre, ça me va. Ça me va, ça c'est, me c'est sympa. Si bon, comme la règle sombre, c'est plutôt sur Axel. Ça me semble pas mal. Comme tu peux finir ton déplacement. Eh bah oui, mon déplacement va consister à ne pas me déplacer, mais à piller ce qu'il y a à côté, de façon notamment pour pouvoir récupérer ma favorite que je remets sur ma carte, et je possède maintenant 3 thunes. Lorsque les deux pierres d'invocation restantes seront détruites, on lira la suite. Eh bien, pour le... ceci dit... Je vais même faire plus intelligent que ça. On est d'accord que maintenant c'est devenu un lieu classique. Je peux me déplacer de 1 ici et piller même cette petite piécette. J'ai pillé ça et ça. Et puis ça me rapproche un peu. Je suis passé par la gauche. Enfin, par, bref. Il faut qu'on pète toutes les pierres d'invocation et il faut qu'on tue tous les adversaires. C'est ça le but. Ah oui, le but du jeu c'est de qu'il n'y ait plus rien quoi. Ouais. Eh ben très bien. Allons-y. Le but du jeu c'est surtout que je ne crève pas aussi. Oh bah ça débrouille-toi. Il me reste 3 points de vie. Dis-le Hiller. De toute façon moi j'ai déjà joué mes cartes donc on est parti. C'est à mon tour. Vas-y. Le chef vous propose. Ah le problème c'est que t'as tout pété frère. La brûlure. Ah bon. Je suis mort moi les gars. Faites des repos longs hein. Vous pouvez faire des repos longs les gars hein, au lieu de faire vos warriors là. Ce sera mon prochain tour. Le problème c'est que t'as tout pété. J'ai dit hein. Oh, je suis un peu énervé. En fait, faut qu'on se parle plus quand on sait que c'est nos cartes. Chacun fait ses petits bails là. Oui, mais des fois, moi, j'ai dit, je tape les deux. Oui, des fois, tu dis, tu rates. Voilà. C'est vrai. Ah, t'as réussi, frérot. Excuse-moi de vous... de vous surprendre de ce côté-là. Bon, j'ai des solutions. Calmez-vous. J'ai des solutions. Je te ferais bien péter ce caillou quand même, Axel. Quoi? Quel caillou? Ah, la. J'ai le pouvoir de te faire casser ce caillou. Ok. Juste tu as le pouvoir de mettre une malédiction sur quelqu'un, ce que je ne peux pas. Donc, tu dois quand même le faire, ça. Je dois quand même le faire. Et du coup, tu gagnes un point de vie. Un point de. Non, c'est quand tu. Quand t'arrives à le faire. Je t'en retire du truc. Ah, d'accord. Bref. Ça change un peu tout. Ça change un peu tout. Oh putain. Oh là. Oh putain. Oh la régalade, les gars. Oh, c'est génial, faut que je fasse ça absolument. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, putain, merde. Ils sont tous à plus de 3 de portée de moi. J'ai rien qui me permet de... Ouais, t'as des, vous avez des objets, hein, je vous rappelle. D'ailleurs, 3, je crois que mon cher Axel, ta potion de mana, tu... Ouais, je l'ai pas. Ouais, on est d'accord. Je l'ai, mais je l'ai pas. Tu l'as pas. En fait, enfin, si je l'avais. Par contre, n'oublie pas que tu as quand même une armure dont tu n'utilises pas depuis tout à l'heure. Ouais. Et que tu as une lance qui te permet de taper à distance. Ouais, je sais. N'oubliez pas ça. T'inquiète. Bon. C'est chiant. Voilà. Je vous le dis, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider mon ami Axel, je crois. 1, 2, 3. 5, c'est chiant, donc il faut que je m'approche. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais me déplacer de 2 de base. Et ensuite, je vais faire... Donc je vais faire, 1, 2. Et je fais donc... Désarmement, portée 3. Donc lui, il ne peut pas lever les mains sur toi. C'est terminado. Le 1 okay. Proche de toi, ne peut pas lever la main sur toi. Parfait, tu me régales là. Tu me suceras après l'émission. Forcer un adversaire à effectuer déplacement 1 et éventuellement plus de déplacements s'il y avait eu des ténèbres, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc en gros, je peux forcer cet adversaire. Hein. Mais en plus, attends, excusez-moi, mais j'ai désarmement porté 3. Ouais. Petit point. Ouais. En dessous, forcer un adversaire à effectuer déplacement 1. Oui, j'ai l'impression que c'est n'importe où sur la map. Oui. J'ai... Selon la carte. Il y a peut-être selon la carte. Il y a peut-être eu un errata, mais effectivement, c'est n'importe là, où sur la map. Tu fais ce que tu veux. Tentation du néant, ça s'appelle.
Moi j'ai l'impression que je veux pas tricher. Et j'ai l'impression que. J'ai pas tricheur. Forcer un adversaire à effectuer déplacement 1. Si jamais tu pètes les ténèbres, tu fais plus 2 déplacements, tu gagnes 1 ça et vous contrôlez cette action, évidemment, c'est toi qui le fais. Forcer un adversaire. A priori, oui. Bon, ça me va. Lisons la carte. Est-ce qu'il y en a un qui ça vous arrange de lui faire faire un déplacement 1, n'importe lequel ? Reculer, avancer. Je crois que je n'ai pas d'avis là-dessus. Là, actuellement, j'avoue que je m'en fous. Je me demande si le fait de faire reculer les manes, genre si je fais ça, est-ce que ça va pas les faire chier, ça nous arrange ? Je suis même pas sûr, je sais pas. En fait, si, ça me va, je crois que s'ils sont. Si j'arrive à les tenir à distance pendant que je les fume. Bon, bah voilà. Boum. En plus, comme ça, lui bougera avant l'autre, et donc lui ne pourra pas y aller. Il pourra traverser. Bah, sauf s'il a déplacement 2, mais s'il a déplacement 1, il est baisé, par exemple. Sauf qu'on est censé savoir le déplacement, là, non ? Ah, ça, c'était. C'est à ce tour-là, non ? Oui, c'est à ce tour-là. Il ne se déplace pas. Bon, bah très bien. Laisse-les là. On s'en fout. Bah, je leur recule de 1. Voilà. Fin. De mon tour. C'est un peu décevant, mais en même temps, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Voilà. Par contre, j'ai perdu aucune carte, contrairement à ce que j'avais prévu. J'allais perdre full truc, là, je perds rien. C'est sûr, Axel, t'as rien dans ce. Je vais cependant, avant de terminer, utiliser une potion d'endurance. On aurait pu le mettre là pour le faire passer. Qui va me permettre de récupérer une carte de ma défausse pour la mettre dans ma main. Il est désarmé, je vous le dis. Vous pouvez jouer. Là, actuellement, t'as combien de cartes en main ? Une. Comme ça, j'en aurai deux et je pourrais jouer. J'optime. C'est au tour des. Enfin, du golem. C'est de le pierre. Golem. Le golem, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait déplacement plus 1, attaque moins 1. Donc il a 2 déplacements. Il veut essayer, je pense, de me fumer encore que. Attends. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non, clairement, il veut me battre. Il va là ou là. Il a plus 1. Parfait. Ça me semble être ça. Et il peut pas attaquer. Du coup, je suis déjà prêt pour le tour d'après. Eh ben, nickel. Le zélote. Les zélotes. C'est parti. On commence par l'élite qui est là-bas. Le zélote élite, il fait attaque plus 1, portée 3. Il peut rien faire. En fait, plus personne ne peut bouger. Ils ne font qu'attaquer à distance. Il n'y a que lui, en fait, qui attaque à distance. Oui, parce que lui, il n'a pas d'armes. Il n'y a que lui qui attaque à distance. Et donc, il te fait une attaque plus 1. C'est pas un élite, c'est un normal. Il a 2 plus 1, 3. Sur ta gueule. Ça pue, hein. Le chat demande si tu as bien fait ta brûlure, mon cher Max. Oui, j'ai fait. C'est peut-être moi. Est-ce que tu as fait ta brûlure ? Je n'ai pas fait. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Ça va, je ne veux pas perdre tous mes points de vie en même tour. J'ai déjà plus que 2 PV, bon. Ouais, bah moi j'en ai 3. Donc là, s'il tape normalement, alors, tu pourras bannir. Tu pourras brûler une carte pour ne pas mourir. Pour esquiver les dégâts. Ok. Éventuellement. Allons-y. Pardon. Il te met donc 3. 3 piles. Donc là, tu dois cramer une carte. Ça fait mal au cul, mais tu dois cramer une carte. C'est mieux que mourir. Oui, bah oui. Ça s'appelle. Et il génère du feu. Voilà. Comment ce truc ? Je boule ça. C'est fait. Pendant que vous réfléchissez à votre tour. C'est fini. Donc pendant que vous réfléchissez à votre tour suivant, les amis. C'est déjà prêt, moi aussi. Rof, on attend que let's toi. Let's go. J'en mélange. Les capacités du golem, évidemment. Fait, et du zilote. Bouillave. Tarif. Ouais, je suis à 5. Non, il n'était pas désarmé, c'était celui d'à côté qui était désarmé. Ouais, c'est le 1 qui était désarmé. De toute façon, il y avait un des deux qui était désarmé. Bon, voilà, du coup, il n'y en a qu'un qui attaque, quoi. Mais c'est bien vu, ça suit dans le chat. On a désarmé lui. Mais c'est vrai que, vu du haut, c'est peut-être pas très clair pour vous. On a désarmé lui. Et lui, il était apte à attaquer, puisque ça, c'est pas un mur. C'est juste une zone chiante à franchir. Enfin, je me heal. Hein. C'est chaud. Hein. La brûlure, c'est tendu, tendu, tendu. Ok, on va faire ça. Et ça, je pense. J'ai de fumer ce coin-là. Ok, c'est bon pour moi. J'attaque en 43. 39. 22.
D'accord, donc on ne change rien. Et ouais, les ennemis, ils attaquent en 51 pour le golem de pierre. D'accord. Et 65 pour le zilote. Il va parfait, on ne change rien, c'est magnifique. C'est donc l'artificier qui commence. Yes. Je vais recentrer un peu. Déplacement 4, plus la carte ici, déplacement 8. Ah oui, d'accord. Il va se barrer, quoi. Mais non, je vais pas me barrer, je vais aller faire 1, 2, 3, 4. Ah. Pourquoi je fais ça ? Attaque plus 3, ajouter plus 2 d'attaque et gagner un point d'expérience si la cible est adjacente à un mur. Là, c'est le cas. J'aime bien. Là, c'est le cas. Déjà, je prends ma brûlure. Ah, par contre, vous éloignez fort de moi, les amis. Je veux bien aider, mais... En vrai, je pourrais... Non, moi, je vais pas bouger, en fait. Mais en fait, c'est juste qu'il a pas de PV. Je veux bien le heal, mais... Ouais. C'est vrai qu'il va loin. Ouais, il est au bout du monde. Après, il peut peut-être les one-shot. Alors, bah, vas-y, là, donc, comment ça marche lui, Castor la gueule. Je vais utiliser ma potion aussi, au moins que ça serve. Ta potion sert à quoi ? Ça sert à, pendant votre attaque, ajouter plus 1 d'attaque à la totalité de votre action attaque. C'était le moment. Ce qui fait que ça fait un 3 plus 2 plus 1, 6. C'est le moment de claquer nos trucs là. Voilà. C'est propre, c'est propre. Voilà. Eh mec, tu vas me sucer. Mais et parfait, le marqueur qu'il fallait. C'est sur lequel ça en même temps ? Il y a les deux non qui se prennent. Ah non, non. Il y en a qu'un avec lui. Voilà. Merci. Ça arrive. Allez, salut. Bon, je vais essayer de t'aider. C'est dur pour Axel, c'est au lanceur de hache. Ok, moi je vais. Je vais faire ce truc là. Doubler la valeur de votre prochaine attaque ce round. Ça me fait récupérer 1 point d'XP. Je passe à 8. Et donc je la garderai parce qu'en fait je la. Et là tu vas tout mettre. Et là, bah bon, c'est ok, tiens. Disons que je vais le cibler avec le truc favori. Et ça va me permettre donc de faire attaque 2, portée 4, donc c'est bon. Ajouter plus 2 attaques et gagner 1 point d'XP si la cible possède votre pion favorite. Et donc là, ça me fait en tout 2 il plus 2. Il n'a pas 2. Encore ton truc favorite, c'est ça ? Bah si, je le fais là. Ah oui, d'accord. Vous pouvez ajouter plus 3 n'importe laquelle machin en plaçant le pion sur la cible après la résolution de la capacité d'attaque. Après. Ça me semblait... Enfin, tu vois, le texte, c'est s'il l'avait déjà. Là, il l'a pas encore. You triche. Tu vois comme ça, toi ? Ah, ben, je suis pas sûr. Hein. Ajouter plus de attaques et gagner 1 si la cible possède votre pion de favorite. Le pion de votre favorite, ok. Donc et moi, c'est. Après la résolution de l'attaque. À n'importe laquelle de votre attaque à distance, en plaçant le pion sur la cible après la résolution de la capacité d'attaque. C'est décevant. C'est décevant, c'est pas grave. Allez, on va pas roll back. Donc, je vais donc du coup faire ce truc là. Donc, seulement à 2 plus 3 donc de la favorite. Et du coup, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais faire 1 x 2. Donc, ça va faire 5. Logique. Plus 1. 6. Sachant que je doublais. Hein. Alors, je double quoi, tu fais 12, moi, en fait là ? Je double quoi, moi, en fait ? Votre prochaine attaque. Donc, là, on est d'accord que je faisais 2, pas le plus 2, mais j'avais bien le plus 3 de la favorite. Plus 1, ça fait 6. X 2, ça fait 12. Moins 1, ça fait 11, il est mort. D'accord ? J'ai l'impression qu'il est décédé très puissamment. Et quand bien même... Alors, imaginons que... Dans le pire des cas, si on fait règle sombre, ça double la capacité d'attaque et non pas ça double pas la puissance de ta hache. Dans ce cas-là, ça ferait 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 1, 8. Sachant qu'il avait déjà subi 2, il serait mort quand même. Donc règle sombre ou règle claire, il meurt. Très bien. Je peux pas être plus clair. Ça me va. Et du coup, donc, hop là. Ça va aller ici. Puisqu'il a quand même été bien joué, mec, t'as été et efficace. Et au moins, je l'ai fait imploser. Alors, j'ai été très efficace. C'est à mon tour de jouer. Max. Le chef vous propose. Tout d'abord. Et j'ai gagné en histoire. Tout d'abord, tu vas prendre une brûlure. Ah, du coup, j'ai gagné 4 points d'XP sur. Oh, j'ai un PV. Et en vrai. Vous, Eman. J'ai un PV, aucun problème. C'est vrai, bon, regardez bien. Je vais faire. Étourdissement, portée 3. Lequel tu veux que j'étourdisse ? Les deux sont à portée 3. Ces deux-là sont à portée 3 de moi. Je donne une réponse. Vas-y, étourdis celui-là. Vas-y, donne-moi le jeton. C'est ça. Ouais, c'est ça. Lequel du coup ? Le numéro Uno. Celui qui était désarmé, qui ne l'est plus désormais, mais qui est du coup étourdi. Il n'avait plus d'armes, il se réveille, il prend une mandale. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas du tout géré les éléments. Hein.
On a juste fait ça et ça. Il y a juste ça voilà, et ça. C'est tout. C'est bon. Mais il faut qu'on y pense. Ouais. Ah bah, je pense qu'il y a deux tours qu'on n'a pas géré. Non, parce que là, non, ils parce ont, qu'avant, ils ont il a généré du feu. On est bon, on est bon. Derrière ça, qu'allais-je dire? Je fais malédiction sur moi-même. Si j'avais eu des ténèbres, j'aurais pas fait malédiction sur moi-même, mais dommage. C'est pas grave. Tristesse. De toute façon, moi, je attaque pas, donc je m'en bats les couilles. En fait. Allez. Eh oui, oui. Malédiction, celle-ci. Je mélangerai. Je mélangerai, et il veut mélanger parce qu'il sent que je vais oublier. Non, mais comme ça, je le fais. Okay. Tu fais d'habitude. Et ensuite, je fais soin 5. Ah. Portée 3. Vous êtes tous trop loin. Allez vous faire foutre. Du coup, je le fais sur moi, et je passe donc de 1 à 6, ce qui est mon maximum de PV. Ah, t'as que 6 points de vie max. 6 points de vie max. J'étais à 1, plus 5, je passe à 6. Voilà. Par contre, je m'empoisonne. Ah oui. Alors, en fait, j'enlève les flammes. Mais je m'empoisonne. Bon. Ouais, c'est pas si simple. Ouais, le poison, hein, moi, tant que je suis pas de dégâts, ça me fait pas de dégâts. Donc, on m'en fout du poison. Hein. Oui, c'est vrai. Le poison, t'en fous. Ouais, c'est que c'est géré. Mon le poison, t'en fous, mais. Et je génère des ténèbres. Est-ce que je peux. Fin de mon tour. Activer ma. Ça fait quoi déjà ? Mon armure de maille. Pendant votre tour, gagner bouclier 1 pour le reste du round. J'ai oublié de le faire. Vas-y, vas-y, go, go, go. C'est bon, c'est bon. Ils ont pas encore attaqué, ça me va. T'as combien de points de vie là ? 2 ? Et ouais, on est parti. C'est au tour du golem de pierre. Le golem de pierre, il fait déplacement plus 1. Il fait donc un déplacement de. Il est mort. Il y a pas de golem de pierre. Il est juste dead. Ensuite, Zelot. On commence par l'élite. Il fait donc déplacement, mais déplacement moins 1. Il se donc déplace de 1. Ensuite, il fait une attaque à rien. Ensuite, on passe aux Zelotes qui ne sont pas élites. Lui, il fait donc un déplacement de 1. Ouais, il ne bouge pas. Sachant qu'il est étourdi, il fait un déplacement. Il fait rien du tout. Rien du tout. Et lui, il ne se déplace pas. Par contre, il t'attaque à plus 1. Ça veut dire qu'il fait une attaque donc à 2 plus 1, 3. Moins 1 de ton armure. Ouais. Donc, il fait un 2, moins 1, 1. 1. Pas ça. Il te reste 1 PV. Prends-le un point de vie, pardon. Alors, je t'explique. Si je prends le un point de vie, là, putain, la brûlure. Je débute mon tour et je... Alors, ceci dit, si jamais tu fais un repos long... Oui, un repos long et tu récupères 2 PV. Un aventurier déclare un repos long durant sa phase de sélection des cartes en début de round. Son tour consiste alors en ce repos au lieu du tour habituel. Son tour intervient à l'initiative 99 et c'est à ce moment qu'il effectue son repos. Lorsqu'un personnage effectue un repos long, il choisit dans l'ordre des étapes suivantes. 1. Il choisit la carte à transférer, sa carte perdue, machin. 2. Il effectue une action soin 2 sur lui-même. 3. Il redresse tous ses objets dépensés afin de pouvoir les réutiliser. Un repos long est toujours considéré comme un tour et donc certains objets peuvent être utilisés pendant ce repos. Moi je pense que... Est-ce qu'il se heal avant de mourir ? Ah ! J'ai l'impression qu'il meurt avant de quoi que ce soit. Hein. J'ai bien l'impression. C'est quoi l'autre truc ? C'était en sinon, brûlure. Tu sais, sinon je défausse juste une carte, j'esquive les dégâts et je me taille après. Et est-ce qu'il y a pas un monde ? Est-ce qu'il y a pas un monde où Max ? En fait, c'est ça qui va se passer. C'est que toi, tu vas jouer au tour 99. Max va jouer avant toi. Je peux te heal. Il va te heal avant. Oui, ça je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire, sauf si je perds cette carte. Non, parce que tu perds un point de vie pour t'attaquer. Sauf que, bon, ah oui, parce que moi j'ai fait un repos court parce que j'ai pas besoin de repos long vu que je suis heal. Allez, on prend le risque. Ta carte, gros. De toute façon, j'ai envie de te dire. En fait, tu viens d'utiliser ton armure, tu viens de prendre un. Si tu le fais pas maintenant, c'est pas utile. Je prends un du coup. Ouais, je pense qu'il faut d'abord que tu le soignes. En plus, j'y viens, j'arrive, calmez-vous. Je vais lui sauver la vie, je vais lui sauver la vie, le chat. Est-ce que je le sauve ? Donc le repos long, est-ce que je le sauve ? Et c'est toi qui choisis du coup. C'est toi qui choisis. Alors je crois normalement pas dans les cartes que t'avais en main. Ah, je crois que normalement c'est. Je suis un connard par contre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'avais mes trois. Je gagne un d'XP et j'ai pas mis de malédiction sur qui que ce soit parce que il y avait personne à porter. Il choisit la carte à transférer dans sa pile de cartes perdues et remet le reste de sa défausse mélangée dans sa main. Donc parmi les cartes que t'as défaussées, tu choisis celle que tu veux retirer. Que okay. Si c'est comme je le lis. Je vais être un héros, la petite belle. Je vais être un héros. Je vais tellement être un héros, tu as fait un dessin en mon honneur pour JV. ça, ce sera vraiment l'accomplissement de ma prophétie. Allez hop, je défausse celle-là. T'es prêt ? Et je redresse du coup mon armure de maille. Parce que c'était un truc qui se redresse si jamais tu fais un repelon. Pas ma potion. Pas mal. Ouais, je jette une carte. Ça me va. Elle était cool, mais tant pis. C'est la carte qui faisait tout.
Et donc moi, je serai ici même, présentement présent. Golem de pierre pour l'instant, ça dégage. Ouais, je vais te heal, Axel. C'est merci, bon, mon je ami. Gère, je gère, je gère. C'est bon, c'est bon. Ça m'aiderait bien, ouais. C'est bon, je gère. Par contre, je vais t'empoisonner. Je peux pas tout faire. Ouais, mais bon, c'est ça où tu meurs, donc. On me dit dans l'oreillette que l'élite se déplaçait vers moi. Il était là. Non, il avait qu'un déplacement. Ah, est-ce que t'es plus proche? Je sais pas. C'est pareil. Oui, mais du coup, c'est lui, t'es le 4, toi, 5, 6, non. Tous pareil. Oui, mais du coup, c'était. Ah, c'est, du coup, c'est toi parce que. Ok, ok. C'était okay. Plus rapide, non ouais, plus rapide. Donc, il aurait fait ça. Okay. Ça me va, ça me va. Si vous le souhaitez, si vous le souhaitez. Je vais donc ça. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais parce que faut. Alors, pareil, hein. Et tu joues en dernier. Bon, ça va. Ah bah, je ne joue pas. En l'autre fait, con. 99. Bah, je vais arriver pour le soigner. Il va faire un jump de 6 tours. Allez, vas-y, casse-toi. Hein. Meurs seul. Il est sympa comme il est. Bien. Oui, putain, sucez-moi pour l'éternité. Vas-y. Je suis prêt. Moi aussi. Je joue en 43. 18. Alors, et merde, fait mélanger le golem. Non, on s'en fout le golem, on s'en fout, il n'y en a plus. Ouais, tiens, c'est bien, c'est bien. Ouais. Je vais même devoir le remélanger. 50. 50. Bah, du coup, c'est bon, c'est comme ça. Nous disions donc, alors, le lanceur de hache, qu'est-ce qu'il fait? Oui, bonjour. Je vais faire un déplacement 3. On a baissé les. Moi, j'ai pas touché. Non, on a pas baissé. J'ai pas touché. On va faire 1, 2, 3. Pas con. Tiens, hein. Étonnant. Je peux pas loot tout de suite, faut que j'attende la fin de mon tour. Et donc je vais en profiter juste pour faire une petite attaque. Voilà, ça va être un truc un peu fat. Donc je vais juste faire un déplacement 3 en gros. Et je vais ensuite faire une attaque 3, portée 3. Vraiment, il n'y a pas de trop de dinguerie. Sur ce tour, j'attaque celui-ci et je lui fais. Tu peux jouer ? 3 plus 1, 4. 4 sur le lui. 4 sur le numéro 4. Je vous demanderai s'il vous plaît de me faire penser. Parce que je vais l'oublier à chaque fois. 4 sur le numéro 4 ? Oui. Ouais. De me faire penser que j'ai un bonus hein, ici qui me dit que quand je fais attaquer quelqu'un, que ce soit un ennemi, un allié, machin, à chaque fois que je déclenche un truc d'attaque, je peux consommer n'importe quel élément pour ajouter plus 1. Ouais. Et surtout, j'ai renforcement. On tire deux trucs et on prend ce qui m'arrange. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, mais faut que j'y pense quoi. C'est un jeu pas forcément évident à maîtriser, ça c'est dans ma défausse. J'ai fini mon tour. Je peux mettre une malédiction sur quelqu'un qui est à 2 de portée. Eh oui, personne. Ensuite, je vais... Excusez-moi, c'est nerveux. Je vais faire étourdissement, portée 3. Ouais, tu me suceras un autre jour. Hop. Regarde, je vais faire étourdissement, portée 3 sur celui qui a le moins de vie, entre le 1 et le 2. En fait, je vais continuer à étourdir le 1, je crois. Ça paraît bien. Le pauvre. Donc là, tu viens legit de prendre un truc. Le mettre à la place et de c'est prendre pas le même truc. C'est pas le même étourdissement. C'est pas le même étourdissement. Et je vais mettre une malédiction sur moi-même. Sauf que, comme je vais consommer de la noiritude, eh bien, du coup, je ne mets pas de malédiction sur moi-même. Bien joué. C'est bien ça. C'est pas mal, hein. Même si, on l'a dit, ça ne sert pas. Quoique, va rappeler, tu vas peut-être devoir mettre à taper des cailloux. Hein. Eh. Alors avec son bâton là. Avec son sceptre. Je roll back. Ah, ça j'apprécie. Quand je le fais pas, au moins ça me donne des crédits pour les. Je roll back. Il n'est pas étourdi. Ah, donc attends, on va remettre l'autre à la place. Il n'est pas étourdi. Bon, je ne fais que me déplacer de 1. D'ailleurs, j'ai pas pris ma pièce, je la prends. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait quoi, donc quoi. T'étais là, c'est ça? Oui. Ok. Je crois qu'il a avancé. Il a fait. Je vais pas faire ça. Je vais prendre la pièce qui est en dessous. Je vais juste avancer. Bah, non, t'avais pas bougé. J'avais pas bougé. Donc je prends la pièce que j'avais pas pris au tour d'avant. Puis j'avance de 1 au lieu de faire tout l'effet qui est là. Parce qu'en fait, j'avais oublié que ce que je veux vraiment faire. C'est soigner Axel. C'est soigner Axel. il allait vraiment. T'étais pas à distance. Il allait dire, tu vois le mec à côté de toi, je stun. Mais l'autre à côté. Il te bute en fait, j'en ai rien à foutre. C'est même pas ça, le pire c'est qu'en fait je crois que tu peux pas empêcher la brûlure. Il peut pas défausser d'une carte pour... Ouais, je regarde ça. Ouais, bref, tu te soignes de 5. Ah le boss. T'enlèves la brûlure mais tu prends du poison. Allez, et je recrée des ténèbres. Fin de mon tour à vous. Bah aux ilotes. Le problème c'est que les ilotes là ils vont voir le mec empoisonné. Ah bah ils vont je peux pas tout faire, hein, ça va. Au bout d'un moment vous êtes adulte et consentant. Ils vont me goumer quoi. Après mec t'es allé les voir.
En fait, on s'est séparés. J'avoue, tu t'es cassé tout seul. En vrai. T'as dit, j'ai eu des déplacements, je fais le tour des mails, je te casse ta gueule. Ils se retournent tous les deux, t'es en mode pas. En vrai, le vrai problème du truc. Oui, c'est que t'as raté ton truc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sinon, il y en aurait un en moins. En fait, déjà, ça changeait tout. Eh, mais dommage. Dommage. Ouais, ouais, ouais. Je dirais même. Dommage. Dommage. Allez. On y va, c'est au tour du zilote de jouer. Le zilote qu'est-ce qu'il fait ? Il fait déplacement 0, attaque 0. Donc, il se déplace quand même. Lui, il commence. Il va vers le lanceur de hache. Oui, je crois que je suis le plus près. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil, mais tu attaques en premier. Ouais, il va donc vers toi. Et il fait 1, 2, du coup. Ensuite, c'est eux qui vont bouger. On commence par lui. Bah, il bouge pas. Lui, il bouge pas. Il t'attaque. Et il te fait une attaque à 2. 0. Plus 1, il te fait une attaque à 3. Tu tankes plus ça ou pas ? 1 de l'empoisonnement. Ouais, tu fais une attaque à 4. Tu tankes ça. Hein. T'as combien de PV ? 6. Ah, je pense qu'à 4, il faut les prévenir. 4, ah, faut défausser brûler. Là. Vas-y, brûle. Ensuite, le deuxième, il t'attaque donc à 2. Bah, des fausses de cartes, on les fumait. Plus 2. En plus, c'est bien parce que c'est celui qui a vraiment le plus moins un, de cartes 4, au départ. Plus 1, 5. Donc, tu prends 9 en tout. Non, mais tu défausses de 2 cartes, on n'en parle plus. Attention, tu les détruis, hein. Triche pas. Ah ouais, je les mets là. Ouais, bah, de toute façon, en gros, tu vas bientôt être fatigué, on va finir à 2. Ouais. C'est comme ça, hein. Et t'aurais été exceptionnel. Ah, j'aurais brillé, là, ce scénar. Elle fait quoi ta potion de mana? Ah non, tu peux pas l'avoir. Je peux pas l'utiliser, la potion. Ou alors, attends, t'as 6 PV? Ouais, ouais, non, mais non, cherche pas. En vrai, le truc, c'est qu'on a déjà dit. Qu'il tankait la première. Oui, mais attendez. Écoutez mon propos. Mais il l'a déjà dit. S'il n'a plus de cartes, il est baisé. Donc, pour moi, il doit tanker la première parce qu'on l'a dit. Il prend donc 5. Il lui reste 1 PV. Sauf que là, il a récupéré ses cartes. Plus, il va faire un repos long. Donc, il va se soigner de 2. Donc, en fait, il va avoir 3 à la fin de ce tour. Et comme il aura récupéré ses cartes, il va avoir 3 et il peut se casser. Moi, je pense que tu perds qu'une carte. Franchement, j'ai pas envie de prendre le risque. Hein. Ok, meurs. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est juste crever dans 2 tours. C'est qu'il va arriver à 6. Et à 6, il aura du coup, il va soigner, il aura 8. Et du coup, il pourra peut-être beaucoup plus tanker ce qui va se prendre après. Parce que là, il est empoisonné. Mais en fait, c'est ça qui va se passer. Moi, je vous ai dit mon calcul. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'en fait, quand il va arriver son tour de repos long, eh bien, il ne va pas se soigner. Il va retirer son empoisonnement. Oui. Et ce qui du coup lui permettra de plus facilement tanker les trucs. Et du coup il aura un PV. Non, il aura 6. Il aura 6. J'aurai 6. Ouais. J'ai compris. Mais il aura 2 cartes en moins, gros. Oui, ça veut dire que là, dans 2 tours, dans 2 manches, il a perdu. Tranquille. Bah, non, l'argument est éclaté. Excuse-moi. Je préfère qu'il me serve en 2 tours qu'il se fasse one shot. Moi je pense qu'il meurt pas, c'est tout. Il s'éloigne. Bon, fais ce que tu veux, Axel. Fais ce que tu veux. Mais soigne-toi, c'est mieux. Non, vas-y, j'esquive. Ok, d'accord, c'est ce que je pensais. T'esquives les 2. Ouais. T'as viré du coup 2 cartes. 2 cartes, ouais. Il te reste 4. 4 cartes. Oh, t'es large. Ok. On y va. Tu vas jouer donc 3 tours. 1, 2, il va récupérer. 3, il n'aura plus qu'une carte. Terminé. Tu as joué 3 tours, je te le dis. Dans 3 tours, il faut qu'on ait fini. 2. Ou en 3, tout cas, qu'on termine sans lui. Même pas, attends, s'il meurt, on perd tous. Oui. On va se dépêcher, ça va bien se passer. Bah, c'est perdu. Je te le dis, c'est perdu. Moi, je tue pas trop. C'est impossible qu'on tue tout ça. Et en plus, spoiler alert. On va péter des trucs, il y a d'autres mobs qui vont popper. C'est hein. Sûr. On a perdu. Ouais, mais même. Si on peut pas finir à 2 quand il y en a un qui meurt, on a perdu. Il y a aucune discussion. Parce que brûler des cartes, vous avez l'air de dire que c'est la formule magique. Non, c'est en cas d'extrême nécessité. Faut jamais brûler de cartes. Le jeu, il est équilibré au poil de cul pour que ce soit tout pile. C'est pour ça que j'optimise tout, les gars. Dans le chat, j'ai raison. Alors, un aventurier est épuisé lorsque le nombre actuel de ses points de vie est réduit à 0 ou moins, soit lorsqu'il est incapable de jouer 2 cartes ou de déclarer un repos long. On rappelle qu'on ne peut pas déclarer de repos tant qu'il n'y a pas de cartes. Pendant la phase de sélection des cartes début d'un round, dans les deux cas, l'épuisement prend effet immédiatement et l'aventurier est retiré du plateau. Il ne peut plus participer au scénario de quelque manière que ce soit. Si tous les aventuriers sont épuisés, le scénario a échoué. Donc on peut finir sans lui. Ah, oui. Bah voilà. Alors, déjà, on peut finir sans lui et faut clarifier un truc dans le chat. Tiens, en gros, vous dites ah oui, mais vous dites défaussé, donc pourquoi est-ce qu'il la mettrait dans perdu ? Non, il est. En fait, non, c'est perdu, pour esquiver un dégât, tu dois perdre une carte. Tu dois pas la défausser, tu dois perdre une carte.
Par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit tu dois perdre une carte, soit une de ta main, soit deux de ta défausse. C'est un monde où ça. Ah, ça. Et en fait, depuis tout à l'heure, je me disais, quelqu'un m'a dit ça, et en fait, c'est pas dans les repos. Mais effectivement, dans les blessures. Alors, comment ça s'appelle ? Esquive, je crois. Ouais, faut tenter. Il y a peut-être un monde où. Attention, là, c'est le moment où on prend les règles et on cherche tout. Et voilà, j'adore ces moments. Mais c'est bon, tranquille. Non, il n'y a pas de tranquille. Esquive. Ah non. C'est pas esquive. Ça va pas être si simple, gros. C'est pas esquive. Il y a trois golems qui vont popper, on va plus réfléchir. Comment s'appelle le truc ? Non, vous allez vous en sortir. J'ai confiance en vous. Bah moi j'ai très confiance en moi. Hein. Je peux les tanker, je peux faire tout. Enfin, je peux kite pendant tout. Tu vas voir quand tu vas avoir des zélotes et des golems. Comment ça s'appelle ? Esquive. Bah non, enfin en tout cas c'est pas esquive. J'en sais rien, frère. Bah, c'est pour ça, mort. Mort. C'est dur. Mort. Directement. La mort. C'est un peu dur comme. Eh ben il y a rien à mort. Il y a mur ou il y a monstre. Dégâts mortels. Dégâts. Page 16 du glossaire, on dit. Page 16. Oui, mais c'est quoi le mot ? Ah, tu vas voir, page 16, il y a un truc qui. Oh, le mec a tenté un bluff. Sûrement. Persistance, personnage, pillage. La persistance, c'est pas ça ? Non. Du coup, tu persistes. Tu persistes, c'est signe, évidemment. Point de vie. Tête. Point de vie. Alors, un chat. Ajuster, retire du scénario. Bon, juste point de vie, c'est les points de vie, quoi. Il n'y a tu pas perds. Un man dans, qui peut me dire bon, en gros, comment dit, s'appelle tu... le truc qu'on est en train de faire. Soit tu perds deux cartes défaussées, soit une carte non jouée. Et tu perds les cartes. Bah 100% faux. Épuisement. Épuisement, putain de dingue. Oui, non, mais épuisement, c'est ce que je viens de lire. Ah, le mec, il a dit 16. Ah, ouais. 6, page 6, c'est trop bien. Ah, bah oui, mais bon. Ça s'appelle comment ? Dégâts, page 6. Dégâts. Chaque fois qu'il y a un passage, je me dis dégâts. Le nombre actuel de ses points de vie est réduit d'autant. Dans le cas des monstres, on s'en branle. Si le nombre actuel de points de vie d'un aventurier atteint 0 moins, il est épuisé. Mais putain, annulez-les. Dégâts, entre parenthèses, annulez-les juste en dessous. Annulez les dégâts. Chaque fois qu'un aventurier subit des dégâts. Quelle qu'en soit la source, c'est-à-dire que ça fonctionnait pour les 1 point de vie là. Il peut choisir de perdre une carte de sa main ou deux cartes de sa défausse, qui est bien meilleure, puisque ça t'évite du coup d'avoir des. Non, parce qu'il n'avait pas de carte à défausse en fait. Plus de carte on se fait chier alors qu'il n'y a pas de carte à défausse. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Quand vous avez commencé à me parler de défausse, j'étais en mode mais oui, mais on s'en fout en fait. Genre. les bouffons. Bon, on le saura. C'est la fatigue. On le saura pour la prochaine fois. Bon, terminons à deux. Allons-y. Bon, tu sors pour la prochaine fois. Tu t'isoles pas comme un chien. Hein. C'est compliqué pour nous, ça. Je peux pas t'aider, tu comprends ? On dirait que tu parles à un gosse. C'est... Bon, allez, on y va. C'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Tu comprends ? Tu comprends ? T'as pas les finances. Hein. La PlayStation, c'est demain. Donc, du coup, tu as bien perdu deux cartes. Oui. Il te reste quatre cartes dans ta main. Il reste quatre cartes. Pour moi, il lui reste un tour. Un deuxième tour. Ouais. Sa bite et son couteau. Puis il va reprendre 3. Il lui restera un tour. Et c'est fini. Ah, il pourra récupérer. Il pourra récupérer un. Et il lui restera un tour. Il lui restera 4 tours. 4 tours. Large. 4 tours, t'es là. 4 tours. Tu négocies un tour de plus. 4 tours en partant du principe qu'il se reprend pas une bastos. Attends, bah là, parce en même temps, on me dit lors de son repos long, il n'a pas encore ses cartes. Et c'est pas faux. C'est vrai, pourquoi elles sont là, t'es... J'ai déjà récupéré mes cartes. Et qu'est-ce que tu branles ? Bah, excuse-moi, je savais pas. Eh, mais non. Alors, t'es obligé de partir parce que vraiment, c'est pas du jeu. Respecte pas. C'est quoi le problème ? C'est que... Ah, t'as acheté des cartes que tu voulais garder. En gros, j'avais deux cartes dans ma défausse et. Ah, bah très bien ! Ma défausse ! Et bah, vire-les ! Les deux cartes dans ta défausse. Attends, il y a des trucs qui vont pas du tout là, les gars. Il a enlevé deux cartes, c'est les deux cartes des dégâts qu'il a subi. Quand même, il a les deux cartes dans sa défausse, il enlève les deux, c'est que ça esquive un dégât, faut quand même qu'il en retire une autre. Le problème, c'est qu'il a retiré des... il a fait des actions en pensant qu'il avait déjà fait son repos long de reprendre ses cartes. J'ai compris. Attends, du deux coup, cartes dans sa défausse. J'ai bugué de ouf là, je sais plus ce que ça m'a. Voilà. Ça m'a perdu de ouf. Gros. Au pire. Tant pis. Hein. Laisse tes cartes que t'avais enlevées, on avance. J'aime pas qu'on perde du temps sur de la merde. Go. Les gens s'emmerdent là, on y va. On y va. Ouais, je sais, on y va, mais je sais même plus ce que. C'est à qui de jouer ? Bah, c'est à lui. C'est à lui, bah, il se repose, il prend 2 PV. Non, il se soigne son. Tu enlèves l'empoisonnement. Allez hop. Et on est parti, prenez vos cartes, on y retourne. Bien. Je fais un repos court. Mes cartes, elles sont là. Hop. Désolé, les amis, on est reparti. Bou. Donc, ça, c'est la carte qui est dans ma main, je ne peux pas la. Bon, je crois qu'il arrive le moment. Je fais jouer des cartes qui cassent la moitié de la main. Oui, là, il faut, là. Par exemple, Rofelos. Oui. Fait quoi, lui, ce tour-ci ?
Attends, je perds cette carte-là. Tu s'approcherais pas de la dernière pierre, là. Attends, je réfléchis juste. Est-ce que c'est bien cette carte-là que je perds? Je perds un point de vie. Elle est bien, cette carte. Attaque 2, portée 4, plus 1, 6 favorites. Bouge pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma défense? Je ne vais pas bouger. Parfait. Ne bouge pas, gros. Mais vraiment, ne bouge pas. Tu vas te régaler. Je vais... Vraiment, ne bouge pas, quoi. Je vais prendre un point de vie, je passe à 4. C'est quoi tes PV max? Et je vais prendre 8. Autre chose. Ne bouge pas. Et donc, je vire cette carte-là. Tant pis. Je récupère ça, je récupère ça, et ça fait ma main. Ma main est à 6 cartes actuellement. 5 cartes. Pas trop faire le malin non plus. Bien. Réfléchir à ce que j'avais dans ma défaut, c'est... Wow, c'est fort. Non, hein. Il est à combien là, mon man? Il est bientôt mort, on est d'accord, le 4 là, ouais. Oh là là! C'est le 5 qui a pris autant de points de vie? Galade. J'ai un problème là. Normalement, oui. Là, c'est peut-être pas été retiré. Ouais, parce que dans quel monde il lui a pris des. Lui, je crois je veux bien avoir attaqué l'autre. Non, lui, il est full life, je pense. Oui, non, ça, c'est les. Oui, c'est bon. Il y a 5, c'est les 3 points de vie qui manquaient au précédent élite. Ouais, ça marche. On est parti. J'ai. Là. Ouais. Off, le timer arrive au bout. Oh putain, je baille. Quelle merde. 5. Je fais 24. 22. 67. Vas-y. Et on ajoute 46. Hop. Ouais, bon, on va voir. Allons-y. C'est au tour de l'artificier de jouer. On retente. Attaque 3. Allez, 2. 3. Allez. Pétez-lui la gueule contre le mur. Vas-y, casse-lui. Donne tout. Donc... C'est notre numéro 2. Mets bien ici, là, hein, quand tu vas révéler. Bon. Donc, il prend 3 plus 2, 5. Et tu gagnes 1 point d'XP. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai gagné 1 point. Et donc, je mets 5 au numéro quoi? 1 ou 2, là, c'était? Tout à l'heure, je l'ai pas mis. Je crois, hein. Attaque plus 2, ajouter machin. Si la cible est à jour dans un mur, oui. 1 ou 2. De quoi? Comment ça, 1 ou 2? Le 2, le 2. Le 2, pardon. L'autre est pas adjacent à un mur. Ensuite, ça, c'est fait. Attaque 1, pillage 1. Voilà. C'est bien. Alors, donc ce qui est pas mal, c'est si tu arrives à le tuer. Ouais, on va taper sur le même. Tu pilles direct. Bon, c'est un peu overkill, mais. Tu mets 2. Ça du meurt. Coup, il meurt. Et du coup, tu prends la pièce tout de suite. Ce beau gosse. Pas mal. C'est au tour du lanceur de hache. Aka Rofelos. Est-ce que j'active mon armure de maille? Pardon. Est-ce que t'actives ton artienne de maille? Parce coup, que il va faire ça. Non. Tout seul, c'est bon. Vas-y, ok. C'est full live, bon. Ouais. Il est pas full live? Quasi. Ah, il y a des gens qui disent que le zélote à côté de l'élite n'a pas joué son tour tout à l'heure. Il va avancer de 1, c'est ça? Impossible. C'est pas impossible. Bon, à 2-2. Ah, 2-2, putain, il devait m'attaquer. Oh non, ouais. Ça change tout, niquez vos mères. Du coup, il se met là et il te met. Pardon, il te met 2 dégâts, plus 0, 2, plus 1. Plus 1, il te met 3. Il met 3, je passe à 1.
Arrêtez de vous éloigner de moi. Ok. Casser les couilles aussi. Tu as un. Bon, moi, c'est à moi, d'accord. Ouais. Du coup, je vais d'abord me déplacer et après attaquer. Donc, parce qu'il fait quoi là? Ils font quoi? Ils font attaque moins 1 à portée 2. Attaque à distance. Cible 2. Ils attaquent à distance, mais à portée 2. Ils ne se déplacent pas. Donc, il faut que je me mette à portée 3, ça tombe bien. Puisque j'ai fait un truc comme ceci. Déplacement 3. Non, parce que du coup, je vais faire ça. Il restait du vent ou pas? On en était où au niveau des. Ça, rien. Là, il y a bon. On en est là. Ouais, bah écoute, on va se barrer. Hein. Taillot. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me rapprocher de mon copain. Mm-hmm. On est d'accord que là, du coup, il est pas à portée, moi non plus. Et moi, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 de distance. Mais donc, du coup, ça me va de faire comme ça. Et donc, du coup, je fais une attaque de portée 4. Donc, je vais essayer de finir cet homme. Voilà, parce qu'il lui reste peu de points de vie. Ou alors, je suis un mec très sympa. 1, 2, 3, 4. Et j'essaie de finir cet homme-là. Pour éviter qu'il se prenne en plus des dégâts de. Bah, il est full life, hein. Il est full life ? Ouais. Ouais, je vais pas le tuer. Bon, autant tuer celui-là, je me dis. Oh, ouais, je pense que c'est mieux. Autant tuer celui-là. Alors, c'est con, du coup, je suis allé loin de ce truc-là. Mais attends, j'étais ici, moi ? J'étais sur ça ? Ouais, je j'étais crois ici. Bien, ouais. En fait, déjà, j'ai récupéré. Ça, je l'ai récupéré. Attends, du coup, si je l'ai récupéré, il y a un monde où en fait, je le fume lui. En fait, le problème, c'est qu'il va falloir de toute façon rester ici pour pouvoir les fumer. Donc, vas-y, je reste là. Je vais le mettre. Je vais. Alors, est-ce que je mets ma favorite ou pas? Non, je vais pas mettre ma favorite. Je vais juste cibler lui et essayer de lui mettre des points. Enfin, de le tuer tout simplement. Attention. 2 plus. Oh ouais, c'est sympa, mais enfin bon. 2 x 2, c'est un peu overkill. Je tue celui-ci. Il y a une pièce qui pop ici. Voilà, et il est mort, ça du coup on le retire, ça dégage, je suis très content, et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il y avait un truc que j'avais l'impression d'oublier, oui il faut juste que je remélange ça à la fin de la... Je vais le mettre comme ça j'y penserai. C'est au tour des zélotes justement. Je vous mets une petite question dans le chat, je veux bien que vous y répondiez, vous avez 2 minutes. En gros je vous pose la question par rapport à l'horaire de cette émission, ça m'intéresse de savoir, parce que je sais qu'il y a des programmes qui sont intéressants à partir de 20h. Et il se trouve que nous on travaille pas le vendredi. Mmh. Donc en fait il y a un monde où l'horaire de cette émission peut se déplacer. Ça m'intéresse de savoir pour ceux qui sont là, est-ce que c'est plus facile à regarder plus tôt, plus tard, est-ce qu'il faut rien toucher, etc. Voilà, ça veut pas dire que je vais vous écouter, mais je vous consulte. Et notamment vous pouvez aussi y répondre sur YouTube si jamais vous êtes, arrivé là au niveau du replay, ça peut être même intéressant de savoir ça. J'ai proposé 16, 18, 20, 22. Ok. Parfait. Eh bien, moi, je te propose de jouer donc les zélotes. Les zélotes qui, en fait, vont pas faire. Enfin, si, elles vont essayer de t'attaquer. Donc, d'abord, il y a lui qui ne fait rien puisqu'il n'est pas à portée. Puis, par contre, il y a lui qui va donc, que je sache, ne pas bouger. Donc, il va en plus avoir un malus. Donc, par contre, il a 2 cibles. Ouais. Donc, Il va préférer attaquer quelqu'un avec. Les deux. Il a un malus. Il fait pas de jaloux. Okay. Il fait pas de jaloux. Donc c'est parti. On peut peut-être commencer par toi, mon bon Axel. Il arrive avec moins 1 et il a donc un malus. Donc ça veut dire qu'il va en piocher 2. Le premier et le deuxième. Donc il prend le moins 1 et de base il faisait 2, moins 1, 1, moins 1, 0. Allez. Par contre, tu prends une confusion. Tu prends une confusion, ouais. Qui permet de. C'est quoi le principe de la confusion? C'est que confusion, c'est un désavantage. C'est un désavantage que tu prends pour le prochain tour. Mmh. Ok, et ensuite il va t'attaquer toi mon cher Max, donc il va aussi prendre une confusion, mais je crois que t'en fous un peu. Donc 1, non parce que lui il est à bonne distance. Oui. Non. Donc, en fait, donc il met 1, par contre s'il tire qu'une carte. Exactement. 1. Plus 0, il te met 1. Ça va, tu vas tanker. Ok, et je suis confus et empoisonné. Quel plaisir. Ah bah du coup si t'es empoisonné, il te met plus 1 aussi. C'est vrai, ça, c'est tout à fait vrai. J'ai donc 4. Voilà. C'est à moi ? Les gongs. C'est à moi. Est-ce que je te soigne, Axel, ou est-ce que je suis d'aller te faire foutre ? Ah, ça serait pas mal, ça. Attends, comme il te plaît. Viens, on le tue. Ça te dit, on le tue ? Ah bah... Let's go, hein. Bon, je crois qu'on va le tuer. Je vais vous proposer un empoisonnement à portée 3 qui génère de la darkness.
de positionnement à portée 3. Enfin, la dark. Attends, en fait, je génère pas maintenant. Il est en faible. Empoisonnement à portée 3, pardon, je veux du poison. Vous pouvez mettre du poison sur ce zilote de merde. Donc le 1. Ensuite, un allié adjacent. C'est pas un allié adjacent au mec que j'ai empoisonné en fait. Un allié adjacent à toi. C'est ça ? Ouais. Vous êtes jamais adjacent à moi. Casse les couilles aussi. Hein. Mais on le saura pour la prochaine fois. C'est de rester paquet. Faut qu'on reste paquet. Là, on a commencé à faire vasion. Et en même temps, rester paquet, le problème, c'est que bah, du coup, tu perds t'avances du pas. Temps. Et en fait, on a bien vu que le temps dans ce. Ouais, mais on met 1000 ans à tuer les mecs, du coup. Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'on gagne du temps. C'est vrai que le fait que tu sois soigné, le fait que machin, normalement, tu dois. Ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Après, il y a pas un monde où tu tapes juste la pierre qui est à côté de toi. Ouais. Je n'ai aucune carte qui me permet d'attaquer moi-même. Oui, sauf des trucs de base, quoi. Ouais, c'est de la merde. Okay. Ouais, bah, il suffit d'un plus 2 ou d'un fois 2 et t'as gagné. J'ai une carte qui me permet d'attaquer moi-même et même pas à la distance. Il a qu'un point de vie. Oui, je sais, mais juste. Je veux tuer les mecs en fait, parce que les pierres, on s'en fout, c'est facile à péter, je peux le faire après, tu vois. Je veux d'abord tuer les mecs. En plus, j'ai des cartes de bâtard pour le faire, tu vois. C'est ça qui m'emmerde. C'est quoi le prochain jeu Legacy où vous continuez l'aventure? Non, ça sera fini après ce soir, Gloomhaven. Tant pis, il est empoisonné, je continue. Harry Potter Hogwarts Battle. Ouais. Un allié à portée 3, Axel. Oui. Peut effectuer une attaque au CAC de puissance 5. Ah, bon, ah bah voilà. Non, mais j'en ai des cartes, mais il faut. Vous êtes toujours 5. À péter au choc. Plus 1. Donc ça il prend 6. Plus 1, ça fait 7. Il a que 6 PV, il est mort. Voilà. Et ben voilà, parfait. Ça décède. On a oublié de foutre la pièce d'ailleurs sur l'autre. Ouais. Non. Non, je l'ai pillé. Il l'a pillé direct. Petit malin, va. Et ensuite, parce que c'était pas tout, je peux consommer la darkness pour avoir plus 2 de puissance d'attaque. On s'en fout, il est mort. Par contre, du coup, moi je gagne 1 d'XP, donc je prends. Et s'il le fait, gagner 1 d'XP et cet allié subit 2 dégâts. Donc, je prends juste mon 1 d'XP, je prends pas le 1 en plus. Attends. En fait, si je consomme la darkness... Si tu le fais, je... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est séparé. Pourquoi il y a écrit consommer l'ombre plus 2 attaque gagner 1. Ah, c'est moi choisis de consommer l'ombre pour mettre plus de non. Je choisis rien, tu es ma pupette. Alors, attaque machin, et il peut consommer l'ombre pour choisir faire de consommer plus 2 pour faire. Mais tu, ça. C'est et si je le fais, gagner 1 et cet allié subit 2 dégâts. Voilà. Toi, tu récupères 1 point d'expérience, mais je, en contre-coup, je subis 2 points de dégâts. Ah, c'est pour ça que c'est séparé. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Ça, c'est lui, c'est ça que tu, ça que tu ah, c'est moi qui choisis de l'activer ou pas. Et si je l'active, à ce moment-là, tu prends, Max, tu prends un point d'XP, mais moi, du coup, je prends aussi un d'XP. Ok, ça se tient. Ça se tient. Est-ce que tu le fais? Non. Non. Du coup, je gagne pas d'XP, toi non plus. Super. Go. Je suis très content, du coup, d'avoir perdu cette carte. Et donc, à la fin de ton tour, tu peux repasser le Darkness à fond. On est pas mal, on est pas mal. Bah, je crois que c'est un nouveau tour. Je m'occupe de ce caillou, barrez-vous. Okay, cassez parfait. Tout le reste. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Et bah, moi, je vais essayer de m'occuper du zélote. Donc, si tu veux, toi, rejoindre le caillou. Ouais, tu lootes ta petite pièce et bam, tu mets des coups. Ça nous va très bien. Ouais. Oui, très bien. Allez. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Quand on a triché ? Non, je me demande si en fait ton... Ah, mon truc, je... Ouais. Je vais voir la carte que t'as fait là tout à l'heure. Ouais. Là, on se posait la question, ouais. Il y a un petit truc, c'est que un allié à portée machin peut effectuer attaque 5. On est d'accord que c'est très fort, attaque 5. Oui. Ensuite, il a comme bonus le fait de dire si je pète un machin, j'ai plus 2 et 1. S'il le fait, gagner 1 et cet allié subit 2. Est-ce qu'on est sûr que c'est que le petit bonus ou est-ce que c'est pas plutôt le
peut effectuer l'attaque 5. Moi, j'ai quand même plus l'impression que quoi qu'il, Axel prend 2. Je répète, en gros, c'est toute l'action qui fait que si jamais tu le fais, avec ou sans le bonus de dégâts, à mon avis, t'as pris 2. Mettre 5 comme ça à porter dans un truc de déplacement. S'il faut, malheureusement, comme c'est écrit. Pas très clair, ça pourrait être s'il le fait, s'il consomme l'ombre. Ouais, ah ouais. Je trouvais ça logique que s'il consomme l'ombre, il subit 2. Moi aussi, je trouvais ça logique. Pour moi, c'est Max qui décide s'il utilise le jeton. Non, mais ça, c'est. Ça, peu importe. Ça, c'est, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir. Rof a raison, d'accord. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça concerne toute la capacité. Genre, s'il fait la capacité, alors. Si c'est juste le fait de consommer. C'est le fait de consommer. C'est... Le problème, c'est comme c'est dit à la suite. C'est difficile de dire, est-ce que c'est pour tout ou est-ce que c'est juste pour le truc du dessous ? C'est vrai. Du dessus, c'est vrai, c'est pas... Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de petits points. Rien. On me dit, avec ou sans consommer, il prend les dégâts. Si je veux attaquer, il perd les points de vie. Ok, okay, d'accord. Bon, bah, allez hop, le chat a parlé, je prends. Allons-y. Et du coup, je le consomme, le truc. Ah bah oui, du coup, quitte à perdre les points de vie, voilà. on prend un XP chacun. Un XP chacun. C'est vrai, logique. Tout à fait. Allons-y. Donc... Il était consommé et après tu l'as mis ici pour le. C'est ça. Pas de problème. Moi du coup je vais faire ceci, ça c'est sûr. Et je vais faire un petit ça, je pense. J'attaque en. Je vais essayer de me mettre en arrière. Je vais attaquer en 35 moi. 23. 19. Et le zilote. 77. Donc ça fait bien artificier, gardienne, lanceur de hache. Bon, il n'y a plus qu'un man et il faut juste casser les cailloux. Je vous laisse le gérer, moi je casse le caillou. Alors. Très simple, déplacement 4, 1, 2, 3, 4, du coup, suivi de une attaque basique, parce que là je suis en attaque à portée 4. Attaque lui. Et je fais, non, j'attaque la pierre avec une attaque. C'est à distance. Avec une attaque basique. Okay. Bien ce que vas-y fort. Et donc du coup, plus 2 là. Moins 1, super. Ça fait 1. Ting. Le caillou. Efficace Axel sur cette session de jeu. Mm-hmm. Chaud, c'est bien. Pour ma part, c'est à mon tour, il me semble. Oui. Je fais une attaque basique. Je fais donc 2. Pardon, et mon paquet 2. Ah oui, j'ai pas mélangé. Évidemment, du con. C'est plus que 3 cartes. Ils ont des placements combien à la base 2 hein. Donc, si jamais. Donc, je lui mets à la pierre 2, plus 1, 3, hop, la pierre est morte. Pardon. Next. Le morte, caillou est décédé, tout à fait. Merde. Et ensuite, je fais un déplacement 3, et je peux consommer le Darkness pour mettre une malédiction à portée 3. Et donc, je peux faire 1, 2, 2. Et voilà, on est bien. Je vais me mettre là. Voilà. Et donc, voilà sauce quoi. J'avais une confusion. Ouais. Du coup, il fallait que je tire une deuxième carte. Des avantages. Ouais. T'aurais tiré quoi ? J'aurais tiré un moins un. Je remets une malédiction dans le deck du monstre. Ok, en ce qui me concerne, ça va aller vite. Je vais faire un déplacement 3 qui va me faire arriver 1, 2, juste ici, juste là. On n'est pas con. Et ça me permet d'être à. Ah putain, je suis à portée 2. Attends, il fait déplacement. Non, c'est bon. Si je fais ça. Non, ça marche pas. Putain. J'ai encore oublié, mais j'avais mon avantage pour le caillou et tout. T'avais aussi une confusion. Attends, j'étais ici moi. Ouais, c'est vrai. Donc au final, ça marche. Du coup, ma confusion, elle dégage d'ailleurs. J'avais un avantage, j'avais une confusion, du coup ça compte plus. Donc c'était calculé en fait. C'est tout prévu. J'étais là moi ? Oui. Hein ? En fait c'est chiant parce qu'il va attaquer et me buter. Bon, en même temps c'est pas grave parce que de toute façon il est bientôt mort. Mais est-ce que je peux être à 2 de portée sans qu'il me fume derrière ? Je crois pas. Hein. Je ne pense pas. Reste loin. Bon. Je suis baisé. Non parce qu'il faut que je sois à 2 de portée pour attaquer. Ah, sauf si je crame un vent, y'a pas de vent. Bien joué à moi. Donc ça c'est bon. Bah écoute, c'est pas grave, vous savez quoi, je vais aller tanker, je m'en tape. Attends, c'est quoi ? Gagner plus de déplacements, gagner 1 si vous avez éliminé un adversaire sur round, ce qui n'est pas le cas. Ok. Vous savez quoi, mes petits amis ? Je vais tanker. Je vais faire 1, 2.
petits amis. Je vais me mettre là, comme ça je suis à côté de la pierre, si jamais. Voilà. Il me fallait un de plus pour rentrer dans ce truc, mais ça m'allait. J'ai fait 3. Et ensuite, je vais faire ce truc-là. En attaque 3, portée 2. Donc, je suis bien à 2. Je vais faire un attaque 3, mais avec la favorite. Et donc, celui-ci, là, il va se prendre 2. Plus, ah oui, donc j'ai bien fait de mettre ça comme ça, je n'avais pas remélangé, je remélange. Puisque j'avais eu un foie de tout à l'heure. Donc de base, je suis à 5 de dégâts. Il est à 8 points de vie, c'est ça ? Mm-hmm. Donc à moins d'un foie 2, normalement je le nique pas, mais on sait jamais. Le foie 2 est déjà tombé, il peut retomber, j'ai bien mélangé, je vous assure. Hop là, et je vous révèle. Et tu nous révèles. Un moins 1. Ça lui met quand même 4 dans la gueule. Et du coup, j'ai pas vu le résultat de votre vote. Tu peux revenir sur les votes, quoi. Donc le si 5, pull, il récupère. Donc moi j'ai la marque sur lui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc il fait ça et il prend. Quel est le résultat, les gars? Si vous avez, ça m'intéresse. Donc il lui reste plus que 4 points de vie. C'est à lui de jouer et de se venger. Je pense qu'il va venir me casser la gueule. Déplacement moins 1, attaque moins 1. Donc il fait ça. Je donne mon corps à la science, puisque je rappelle que j'ai plus qu'un point de vie. 20h pour tout le monde. C'est 20h ? Ouais, bah en même temps, c'est ceux qui nous regardent. Faudrait que tu fasses un vote sur Twitter. Ça qu'il fait ? Il fait ça, lui ? Il peut pas. Non, il peut pas du coup se mettre au calme. Au début, j'ai cru que c'était. Il peut pas se mettre là. Non plus. Non, il peut pas. Donc il a pas le choix. Donc il se met, c'est que moi. Attaque moins 1, empoisonnement. Et il peut pas consommer devant. Ok, parfait. Donc du coup, il m'attaque à moins 1. Et il me fait. Moins 1. Moins 1. De base, il avait 3. Il avait 3. 3 moins 1, 2. Moins 1, 1. Il te met donc 1. Je suis donc obligé de défausser. T'as un PV ? Ouais, j'ai un PV. Je vais retirer les deux cartes qui sont dans ma D. Non, sinon je meurs. Donc en fait, je vais retirer la seule. Non, oui, parce qu'il y a ça qui a été joué. Parce que c'est un élite, donc en plus, tu vas avoir une blessure. Ouais, tu vas avoir une brûlure cramer, plus un empoisonnement. Bah, j'ai pas le choix de toute façon. Donc, j'ai voulu faire ça pour lui mettre des dégâts. Tant pis si je meurs, on peut repartir sans moi. Bon, je vais retirer les deux cartes Max. Pas fier sans lui, hein. Non, j'ai pas forcément de retirer les deux cartes qui sont là. Je vais retirer la carte qui est dans ma main. Je retire la carte qui est dans ma main, donc je la perds. Je récupère. Ça, c'était en ma défausse, du coup. Ça a été joué ce tour-ci. Et. Tu prends du coup une brûlure et un empoisonnement. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin de ce scénar. C'est bien si on perd pas trop de temps. Je prends une brûlure d'empoisonnement. Surtout pas avec des conneries. Pourquoi je prends un empoisonnement ? Parce que c'est bien marqué et une brûlure parce que là. Enfin, une blessure parce que là. Ok, cool. Je suis prêt. Oh, attends, bouge pas. Donc moi, du coup, je fais un repos court. Je retire ça. Et ah, c'est con, c'était le soin. Je ne peux pas du coup prendre de dégâts, bref. Donc ce sera ça et puis rien. Il faut juste que je me déplace. Et je pense qu'on va faire ça et ce sera bon. J'ai 24. 68. 20. Enfin 19, pardon. 19. 82. Je crois que j'attaque juste après le lanceur de hache, c'est ça ? C'est ça. Joli, c'est mon dernier tour. Ok. Bah, allez-y. Artificier ! Casse-moi ce caillou, putain. Oui, attaque 3. Oh, tu casses lui ? Ah non, tu peux pas ? Non, je peux pas, ouais. Tu pètes le caillou. Bon, attaque bah, vas-y. 3. Ok. Plus 0. Le caillou est mort. Le caillou est mort. C'est pété. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Générer un golem de putain, pierre normale. Ah bah oui. Bah oui. Allez, je crois que c'était fini moi. Ah bah non. J'ai un golem de pierre normal et des ilotes normaux. Oh, je suis mort. En A. Ah, c'est moi qui suis mort, ouais. De plus. On est fous. Allez. Il me faut quoi ? Par contre, des ilotes normaux. Tiens. Combien les gars ? C'est A. Non, mais dis pas c'est A. Non, mais on s'en fout. Ouais, non, ce que j'aimerais comprendre, c'est j'ai un golem normal A et des ilotes normaux. C'est quoi D ? Je sais pas. Ah, c'est bizarre ça. Gaspo fou. Mais est-ce que les générations c'est pas à chaque fois A ? C'est pas A le point d'arrivée mais le nombre de joueurs. Il y a pas fini la phrase. Qu'est-ce qu'il c'est dans le bouquin que j'avais que j'ai plus.
J'ai deux bouquins là. Non, c'est celui d'en dessous. Je... Alors la génération, on va se le vérifier vite fait pour comprendre, parce que j'avoue que là je suis un petit peu. Au lieu d'introduire de nouveaux monstres, les règles spéciales scénario dictent. Super. Lorsqu'un monstre est généré, il est placé sur la carte à son emplacement d'apparition ou sur l'hexagone vide le plus proche. Les monstres générés sont traités exactement comme. Attends, rien, j'apprends rien. Générer un golem de pierre mort ouais. Et des îlots normaux. En A. De plus, générer un golem de pierre normal en B pour 3 aventuriers. Donc, est-ce qu'on a un autre golem ? Là. Pierre normale, ouais, en B. Et c'est tout. Il y a juste le des îlots normaux. On sait pas combien. Bon, on en met 2. On met 2, hein. De toute façon, on est mort. Pour moi. Je pensais vraiment que c'était la fin. En fait, vous avez plus de cartes. Mais oui, je suis arrivé. Je passe ma vie à vous dire qu'il faut économiser les cartes. Vous me sous-estimez, vous avez tort. Donc je finis mon tour. Et du coup, je vous le dis, on n'aura pas le temps de faire le boss. Ah bah non, bah, tant pis, on est mort. Ou alors, on dit qu'on a réussi, on fait le boss. Quelle heure il est ? Je sais pas. 22h30. On va peut-être faire ça. On va pas refaire ce scénario, je vous le dis, il y a aucun monde. Mais de toute façon, le but c'est de présenter le jeu. Bah, ok, on dit qu'on a. Comme quoi, c'est pas si facile. Comme quoi, c'est pas si simple. Après, c'est vrai qu'on a cramé pas mal de cartes. Hein. Déplacement 3, du coup. C'est vrai. Moi, je pensais qu'on avait fini. J'ai de l'expérience dans le jeu. C'est pour ça que j'ai testé ce jeu. Juste... Et j'ai vu que ça se jouait parfois à un tour. Si. Mais non, ils veulent pas écouter. Déplacement 3, donc 2, 3. Ah, tu te barres en plus. Bah, je vais pas aller. Bah oui, mais y a, c'est ou... ça. Ou... Bah oui, mais de toute façon, c'est ça. Il suffit de tuer les 4 et on a gagné. Très bien. Moi, il me reste plein de cartes. Ce sera sans moi. On reste paquet à la fin, c'est tout. Moi, il me reste plein de cartes. On meurt dans. On meurt ensemble. Je peux contrôler les ennemis pour les faire s'attaquer en fait. Moi, je veux juste finir. Le monde. Moi, je veux juste. Regardez mon tour. C'est mon tour là. C'est bon, t'as joué. Ouais. Ok. Moi, mon tour, ça va être. Donc, j'en deux. J'ai plus qu'une carte en main. J'ai juste un point de vie. Parce qu'on a un healer exceptionnel. Du coup, je vais retirer cette carte là. Il me reste plus que 2 cartes. Je vais donc les jouer. Enfin, c'est les cartes que j'ai jouées. Okay. Ça va être un décalage de. Genre, je me décale. Je sais pas, ici. 1, 2. Je vais mourir où ? Je mourrai sur le trésor. Tiens, hop. Voilà. Et ensuite. Putain, l'équipe de bras cassés. Je fais attaque 2, portée 4. Mais ajouter plus 2 attaques et gagner 1 point de machin. Si t'as combien de points de vie ? 1. T'es mort. T'es une brûlure. Oui, je viens de défausser une carte pour la brûlure. Ok, pardon. Le chat qui était en mode, il est mort. Je viens de défausser la carte pour la brûlure, donc là, je peux jouer même mon tour. Demande, vas-y. Ok, donc je fais ça, etc. Je vais mettre 2 dégâts, plus 2 parce qu'il a ma marque. Donc 4. Je le tue pile. Donc, applaudissements. Merci. Et là, je m'effondre. Bah. je t'ai eu, connard. Par contre, faut peut-être... Pourquoi je m'effondre ? Parce que j'ai plus de cartes. Ah, t'as plus rien, ah, bah, j'ai tout. Plus rien. Faut peut-être tirer. Donc lui il est mort là. Ouais. Lui il est mort. Faut peut-être tirer une carte pour les golems, non ? Donc là il y a un monde. Il y a un monde. There is a world. 72. Je gagne seul. Tu peux les tanker là les 4 ? Toi t'es mort ? Ouais. Il est pas mort. Je sais pas ce qui se passe quand je suis épuisé. C'est la fatigance extrême là. Quand t'es épuisé, je crois qu'on couche sa figurine. À l'endroit où t'es mort. Bon, bah je vais jouer hein, du coup. Techniquement, je ne suis pas mort pendant ce tour-là. Je résiste. Puisque c'est. S'il est incapable de jouer deux cartes, pour l'instant, j'ai joué mon tour. Et donc, est incapable de déclarer un repos long pendant la phase de sélection des cartes au début d'un round. T'as des cartes dans ton. Dans ta défausse ? T'as combien de cartes dans ta défausse ? 2 ? Bah, les 2 que je viens de mettre. Je peux plus t'aider. Je pouvais te heal, je pouvais faire des trucs. Je peux pas te faire récupérer des cartes. Dans les deux cas, l'épuisement prend effet immédiatement et l'aventurier est donc je serai retiré du plateau max quand je serai épuisé. Il ne peut plus participer au scénario de quelque manière que ce soit, sauf pour prodiguer ses fameux conseils stratégiques. Ah oui, non, c'est moi. Les fameux. C'est moi qui. Les fameux. Ils sont fameux. Ils sont fameux. Je sais pas, vraiment, c'est con parce que là, pour moi, on avait gagné ce scénario. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on a gagné ce scénario parce qu'on est arrivé à la fin de ce que moi je pensais ? Non. Ah ouais, ouais. Ça. Bah et ouais. Comme ça, on passe au boss. Ouais, est-ce qu'on peut pas dire que finalement, comme je suis très méritant, la banque va verser 1 million sur mon compte là maintenant ? Venez, on fait ça. Bon. Ouais, j'avais des cartes pour les faire s'attaquer entre eux, mais j'arriverai jamais à les tuer quoi. Enfin, mais oui, je pense qu'il faut passer à la suite. Non, mais les gars. Non, mais je suis encore là. Mais t'as
T'as combien de cartes en main? T'as deux cartes. Il me reste une carte. Ouais, bon, voilà, allez. Je pense, ok, pour moi, on a gagné ce scénario. Mais en vrai, on perdra pas grand chose. Parce que là, moi, je pense qu'avec toutes mes cartes, je peux probablement en tuer allez, un ou deux. Imaginons que j'attaque les plus faibles. Lui, probablement qu'avec ses deux dernières cartes, il fait quand même des dégâts. Imaginons, il chatte et en tue un. Je veux dire, ça se joue pas tant que ça. Ça se joue juste à... allez, grillons. Ça s'est joué au fait qu'on... Comme on, et d'ailleurs, c'est intéressant. Comme on ne connaissait pas le scénario, pour moi, c'était juste en mode, bah, ok, c'est un scénario tuto, les gars. On va quand même pas perdre c'est un fini, scénario tuto. C'est fini. Et du coup, j'ai craqué mes cartes assez vite, effectivement, en disant, je sais qu'en fait, nous, on avait dans l'idée, avec Max, de finir vite. Finir vite pour aller au boss. J'étais en mode, vas-y, je crame tout. Bam, je m'éclate et ensuite nous avons pris ce qu'on appelle une leçon. Ouais. Et en même temps, on a fait ça pour vous, les gars, puisque c'est pour vous prouver que, eh bien, même le scénario, même dans les tutos, notamment à partir du scénario 4, eh bien, ça devient un peu compliqué. Moi, je m'en fous. Vous avez juste le replay qui prouve que j'ai passé ma game à leur dire arrêtez de cramer comme des cons. J'avais pas le choix, moi. J'avais pas le choix. Toi, t'as pas eu le choix, mais lui, par contre, c'est de sa faute. On aurait gagné. Hein. Moi, là, franchement, j'y suis allé en me disant que c'était sûr. Que c'était la fin du scénario. Ah bah, bah on a compris. Je savais que c'était pas la fin en fait. Et bah, dites-moi quelque chose, je vais là-dessus. En mode, j'en ai rien à foutre, je me prends des dégâts. Lisez le 1 quand on casse 2 cailloux. Mais c'est vachement loin de moi. Lisez le 2 quand on casse tout. Tu te doutes bien qu'il se passe un truc. C'est une question de place. Tu te doutes bien qu'il se passe un truc. Putain, évidemment qu'il y a des pièges. Je pensais que 2, voilà, vous avez gagné, bravo. Putain. Têtu, Rof. Et il se passait quoi alors en vrai? On peut peut-être quand même lire le conclusion. Pop des mecs. Bon, bah, vous asseyez sur le sol de pierre fissurée. Vous vous reposez à peine une seconde. Vous observez les couloirs sombres qui partent de cette salle en priant le chêne pour que d'autres adversaires n'apparaissent pas dans l'ombre. Heureusement, les passages restent silencieux, mais cela ne vous aide pas. Vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise. Il y a quelque chose au fond de cet endroit. Jusqu'à présent, vous avez aveuglément tourné autour de cette folie sans réussir à en atteindre le fond. Quelles que soient les réponses que vous pourriez espérer trouver, et ceux qui vous attendent dans le prochain tunnel... Il s'agit juste de faire le premier pas. Chopez une potion de mana. En plus, ensuite, nouveau lieu, une compréhension plus profonde en C2. Et nous passons donc au scénario suivant, qui est celui-ci. Punaise. Et je vous afficherai ce qui se passe à la page suivante que... Quand on y sera. On fait fumer nos grands morts, putain. Ouais, c'est grave. Hein. Tout ça à cause de Max qui heal pas. Salope. Non, mais en plus, moi je suis en mode. Je suis entouré par des vous rappelez le moment où j'ai quand même dit. Non, mais ça va, le golem, je peux quand même. Je m'en fous de prendre 3 dégâts. Bien joué, connard. Et je pensais vraiment qu'on s'arrêtait là. Je vous jure que mais dans ma tête. T'aurais dû me demander, je t'aurais dit il y a 15 tours que ça mais putain, je fais. Dans ma dernière action, je me dis, je me mets là, il va me mettre des dégâts, mais c'est pas grave, je suis à 1. Eh mec, bah vas-y, va dans la boue. C'est pas tes cartes, t'as peut-être du heal, t'as peut-être des trucs, frère, je sais pas ce que tu fais. J'ai rien, je suis une salope. J'en sais rien. C'est quoi. Je suis pas ta daronne. Donc on est d'accord qu'on a une potion max, on a gagné une potion mana en plus de la salope. Rien à foutre. Elle fait quoi? Elle fait, pendant votre tour, infuser un élément au choix. C'est je pas mal, mais le problème c'est que c'est à la place d'un. Tant qu'on est pas niveau 2, moi, non, on n'est pas niveau 4. Ce qu'il faut, c'est mort. 3, je sais plus. Bref, ok, vas-y, on s'en fout. À foutre. Hop là, elle va là. Bon, et... du coup, tout ce qui est pièces, Osef, non? Bon, est-ce qu'on fait, mon cher Maxilan, tout de même, est-ce qu'on fait le truc de la ville là? Bah, en termes de lore, j'ai l'impression pour que... moi, on n'est pas sorti de la grotte. Hein. Oh, on a juste continué au plus profond, donc allons-y. Hein. Ça me paraît pas du tout RP de dire on sort, on rentre. Normalement, entre chaque scénario, on doit faire un événement, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais comme tu veux, je m'en fous. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on est sorti, se reposer, qu'on va tenir tout? Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un petit peu notre punition pour ne pas avoir fini le scénario? On ne dépasse pas à se reposer, on enchaîne direct. Ouais. Allez, ça me convient. On fait ça. Je vais me poser, je vous le dis, toujours au plus loin. À vous. Où est-ce que vous mettez, messieurs? Vous posez les figues. C'est quoi? Y a rien qui est prêt. C'est quoi les petits trucs? Ah, ça doit être ça là, c'est du slim là. Off. Oui. Là-bas. Alors il me faut les démons du chaos. Putain, on va crever. Bien sûr qu'on va crever. C'est ça qui est bon. Bien sûr qu'on a des torches. Je suppose que les trucs verts là, c'est ça. Hein. C'est du caca là. La mauvaise foi de Rof. Vous perdez, mais vous passez au scénario d'après. Lol. Eh bah frère, c'est aussi je vais pas faire. Je suis en émission, je vais pas faire 16 fois le même scénario. Hein. Attendez, les gars. Parce que ça, pourquoi on peut le faire?
qu'est-ce que vous aviez comme, comme but là. Tu vas comprendre. Parce que oui, en fait, ça, il y a des fois où on a fait des choses un peu bizarres. Alors moi, j'avais le spécialiste qui consistait à ne faire aucune action par défaut. Donc normalement, j'ai une petite coche. Mais bon, comme on n'a pas trop fini le scénar, on va pas faire le malin. Voilà, mais ça. En tout cas, j'avais réussi. Moi, j'ai éliminé un monstre précédemment attaqué par un de vos alliés durant le même round. Je n'ai jamais attaqué qui que ce soit. Là. Non, c'est pas ça le truc. Éliminer je n'ai un jamais monstre. Attaqué qui que ce soit. Donc oui, mais j'ai via un allié personne. Ah non, non, ça c'est un truc, c'est pas que pour toi. Je suis en mode oui, mais du coup tu fais attaquer tes. Ah oui, en fait c'est pas terrible pour toi, mais du coup t'as peut-être jeté un truc. Non, mais l'autre était à chier aussi. En fait, j'aime jamais respecter ces trucs. Ah ouais. Parce que le bonus est pas ouf. Et qu'en général, enfin d'expérience, ça fait faire aux joueurs des plays catastrophiques. Et comme c'est un jeu où, franchement, vous l'avez vu, ça se joue au tour près. Ouais, je déteste. Tu peux perdre pour un truc comme ça. Ouais. Moi, je suis en mode, commencez déjà. Moi, à gagner. En vrai, ça allait. Franchement, le spécialiste, ça va. Moi aussi, ça allait. J'avais compétiteur. Ne jamais quitter un hexagone adjacent à un monstre. Jamais quitter un hexagone. Mais c'est pour ça que t'as passé ton temps à fighter avec des mecs et à crever. Il se peut. Et voilà. C'est de la merde. C'est à chier. C'est vrai que le coup du je fais le tour, je prends les deux mecs. Le jeu est pas assez dur, tu sais. Putain. Bon, et c'est pour ça qu'à la fin, j'étais en mode. Et que tu m'as dit, tu retournes au corps à corps, tu te pars. Bah ouais, j'y vais, ouais. Bon, je pense que c'est un truc. Si c'est ok, tu le fais, mais sinon, tu fais ok, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a coche. Il faut générer plein de démons de base. Le bleu, là, il va où? Le bleu, il est. Je répète, le bleu. Le bleu. Le bleu. Le bleu, il va où? Il va le plus loin possible. D'accord. Des boss. Je veux encore des blancs, là. Alors, la ville, c'est chaque fois que vous avez accompli un scénario, vous l'avez pas proprement accompli, donc pas la ville, la fin. Ouais, ça me semble faire. C'est vrai. Ça me semble faire, t'as raison. Ça me va. Il m'en faut encore. Ah, mais j'en ai même pas assez. Et en fait, on va pas générer ceux qui sont derrière la porte. Allez hop. Let's go. Il y a full démon, ils veulent nous arracher la gueule, c'est incroyable. Faut mettre les pièges aussi. Ouais, et il y a lui qui nous attend devant la porte. Il n'y a pas trop de mecs, mais je pense qu'ils sont forts, en fait. C'est miné, ici, là, en fait. Et il me faut les fiches des démons, là. Et je pense qu'on n'est pas prêts. Je pense que les démons, à la place des golems de pierre, on n'est pas prêts. C'est vraiment miné. Tiens, démon du chaos, à la place du golem de pierre. Ne vous mettez pas de punition, le jeu est difficile, vous n'irez même pas au boss, vous allez mourir avant. Oui, c'est bien vrai, je pense que... Alors... Il se peut. Ok. Ok, on défi accepté. Tu vas voir, maintenant qu'on a compris. Maintenant qu'on a compris qu'il peut y avoir une suite. Tant que Rob va jouer correctement. Tu vas voir. Par contre, attendez-vous aussi à ce que les tours de Rob durent 3 heures de plus. 3 minutes de plus, quoi. Je vais essayer de mêler le fait d'être exceptionnellement intelligent et le fait d'être exceptionnellement rapide. Vous y croyez? Et le fait d'avoir. T'as été moins lent. Énorme aussi. T'as été moins lent, mais t'as quand même été plus long que nous. Oh, j'ai trouvé plus lent que moi. Oh non, pas du tout. Sur pas mal de trucs, t'étais en mode. J'étais prêt à tous les tours, frère. Ah ouais. T'es malade ou pas? Ah oui, même moi. Ok, hein. Je pense que t'as dis été. Dis le jeune âge, okay, mon ami. Ok, je recommence. T'as été plus rapide que moi, je veux dire les cartes. C'est vrai, j'étais plus lent. Par contre, t'as eu des fois des tours où t'étais en mode. Alors attends, oui, du coup. Parce qu'à chaque fois, je joue après vous. Donc je suis en mode. Vous m'avez baisé et comme vous passez votre temps à fuir. Non. Je suis un peu obligé de m'adapter. C'est mon temps. Puisque ça donnait qu'en off, je jouais rapide, vous voyez. Alors, comme par hasard, j'essaie de jouer rapidement, on perd. Alors que jusqu'à maintenant. Bon, on y va. Let's go. Ah, ouais. Bah, prenez vos cartes, on est parti. Il reste des démons là à mettre là, non? Non, on n'a pas. On les met après. Bon, alors, je veux savoir un truc, mon cher Max. Ouais. Étudions peut-être ces démons. Ils sont pas trop cons. Les démons, là, pour l'instant, il n'y a que des non-élites. De toute façon, il n'y aura que des non-élites. Très bien. Ils ont donc 8 points de vie. Ils ont 3 déplacements et 3 d'attaque. Donc, vraiment, ils viennent au corps à corps et ils tapent, ils cassent des bouches. Ils tabassent. Et ils font en plus des confusions quand ils attaquent. Ce qui est un vrai plaisir, puisqu'on rappelle que la confusion permet d'avoir des avantages, ça, au prochain tour. Ouais, des avantages. Ouais. Exceptionnel. Donc de toute façon ils vont venir de notre gueule. Et donc ça c'est quoi? C'est des pièges? Je sais pas ce que c'est. Mais c'est quoi ce truc? J'ai écrit c'est ça. Piège à confusion et empoisonnement. Je crois que ça paraît simple. Il n'y a pas besoin de vérifier grand chose. On va juste pas aller marcher dedans, quoi. Voilà. Ouais. Après on peut confuser et empoisonner un man. Ouais. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Allons-y. Alors, parlons-nous, les gars. J'ai rien à te dire. Bah, c'est pas assez cool, alors. Et bah, écoutez, chacun joue ses cartes, on se fait pas chier. J'ai rien à te dire, t'es un connard. Bon. Bon. Ouais.
trop fort, j'ai envie de le faire rapidement, quoi, tu vois. Bon, vous y allez là ou pas? Moi je vais rien faire. Tu vas au cac ou tu fais quoi toi? Ah bah à ton avis. Bien sûr que je vais aller au cac. Ça me va alors, tiens, tu feras ça. Ils ont des points de vie ou pas? Ah oui, ils ont 12 000 PV les mecs. Ils ont 8 points de vie, ça. Ils font confusion et tout, oh, quel enfer. Bon bah allons-y, je suis prêt. Vous avez remélangé vos trucs et tout là? D'ailleurs, on n'a pas sorti putain, les cartes. Ah putain, nouveau scénario, il faut enlever les malédictions et tout. Ouais, il y a peut-être des bénés aussi. Après, on peut très bien les retirer quand on tombe dessus. Hop. Bon, normalement, on avait une phase de d'achat, de machin, de trucs, de bidule. Hein. Ouais. Il faut peut-être retirer les golems de pierre aussi, là, du coup. Les démons. Le paquet de... concernant les démons. Peut-être le mettre on à la place des golems. Enlever les golems, ouais. Doivent récupérer leur carte X. Oui, oui, en fait, on vraiment, c'est comme si on était sur un full. Leur carte X. Ah oui. Ah merde. Ah ouais. Il est où le. Bah, il doit être là-dedans, non? Ah non, non, c'est le ça. Je le bouquin. Ça soit ça, non? Non, pas ça. Mais il est où? Il est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait quand même. Il y a un monde où à la fin du 4, il se passe quelque chose. Ah, oui, effectivement, merde. Effectivement. On va regarder. Ah oui, ça peut regarder. Changer en plus. On va regarder. C'est un quête accompli, nanana. Félicitations, hein, lisez le texte, ok. Félicitations. Les aventuriers doivent maintenant aussi prendre leurs 3 cartes de niveau ah, X. Ah, merci BG. Dans leur grande boîte, les ajouter à leur réserve de capacités disponibles. Ces cartes X seront disponibles pour le reste de la campagne. Sont destinées à vous donner plus d'options de flexibilité dans un scénario. Les aventuriers sont toujours autorisés à utiliser dans un scénario un nombre égal de... En gros, on a 3 cartes de plus, mais on ne peut pas avoir plus de cartes. Donc juste, on choisit lesquelles on prend. Voilà, fin, c'est tout. C'est tout ce qui change et après c'est mécanique. Pourquoi du boss. Pourquoi elle s'appelle X spécial. C'est tout. Donc on garde le même nombre de cartes mais on peut on peut remplacer oui, avec des cartes. Elle remplace des cartes de numéro en fait. Ok, attends. C'est 2, portée 3, soit... Oh, c'est pas mal ça. Bon, j'en ai 3. Super fort. Ouais. J'en ai avec 3. Il y a effectivement des trucs pas mal. Oh, c'est chaud ça. Ouh, c'est dur ça. Oh, 12. Ouais, je sais pas si... Bon, allez, vas-y, je... Je vais en mettre une, tiens, histoire de... Pour montrer. Je vais en mettre une aussi. Je vais en mettre une, j'ai enlevé un truc que je trouve éclaté parce que j'utilise plus, et puis voilà. D'accord que... Il n'y a aucune qui a le même nom, hein. Ouais, c'est bon. Et donc, je vais probablement enlever... Allez hop, je dégage celle-là. Celle-là à la place. Let's go. Hop là, allez, c'est parti. Je vais enlever ça, je vais mettre ça. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Ça ne change pas mon play. Moi non plus. Et que je joue vite. X car elles sont très spécifiques et plus complexes, pas forcément pour tous les scénarios. Ouais, c'est vrai. Moi je vais mettre les 3. Bien. Alors, excuse-moi. On est là. On en est ici. Choisis deux cartes. Choisis deux cartes, bah de toute façon ça va être pas très compliqué. On va enlève tes effets. Ouais. T'es
KT. Je peux faire plus tard. Donc. Je vais remélanger le deck des. Je vais forcément jouer ça. Je vais enlever aussi leur malédiction. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu le 5 4 mais ça c'est quand même le 5. Oui, et donc l'autre derrière qui lui dit bien vu. Je comprends le but de faire découvrir les mécaniques du boss, mais c'est pas très roleplay. Non mais. En fait, vous serez roleplay quand vous allez jouer le scénario. Vous chez vous. Nous, on montre le jeu aux gens. Le jeu, à part faire le truc. Nous, enfin, j'allais dire, vous croyez qu'on joue pour le plaisir? Oui, on joue pour le plaisir, mais je veux dire, entre guillemets, on joue pour montrer le jeu au truc. On va faire deux fois le scénario, les gars, j'ai pas votre temps. Enfin, vous êtes fous. Jamais. Il est évident que si on avait joué solo, je pense. Oui, si on jouait entre nous, on l'aurait refait. Et encore, en vrai, c'est un jeu. Si jamais vous avez un scénario, vous venez de le faire, vous êtes à un prêt, vous avez fini, vous n'avez pas réussi ou quoi que ce soit, si vous avez envie de passer au scénario suivant, faites bien ce que vous voulez. Ouais, vous avez payé le jeu. Hein. Et même si on vous l'a prêté, je veux dire, c'est pas une question d'avoir acheté le jeu, vous faites ce que vous voulez dans votre jeu. On essaye évidemment de plus coller au maximum aux règles, parce que c'est quand même, on veut un maximum de défis. Mais là, en l'occurrence, évident qu'en émission, on va pas refaire le même. C'est évident. Et c'est parti, je commence. Ouais, si vous voulez. Est-ce que j'ai 17? J'ai 22. 67. Ok. Alors, ils ont quoi? Tac, tac. Donc, d'accord, pour l'instant, on fait que les démons. Hein. Enfin, que les. C'est quoi, c'est des démons? Il y a une porte là, quelque part. On mélange les zilotes et les démons là. Du chaos, ils ont ça. Et tu sais, il y a la porte avec après, on sait pas où c'est. J'avais pas vu. Donc, déplacement plus 0, attaque plus 0, attaque quoi? Non, c'est illégal. On peut donc on va revenir. Ah merde. Bon bah, on recommence alors. Il y a la police qui va toquer à la porte. Police du jeu, s'il vous plaît. Vous êtes des nice trolls, putain. Non, c'est illégal. C'est faux. Putain de merde. Bon, du coup, ils ont 41, c'est ça? Bon. Vas-y. On est où? Je sais plus. Allez. Ils ont 8 points de vie. 3 points de déplacement, 3 points de dégâts. Oui, ils ont 41. Ok. C'est donc au lanceur de hache. C'est moi. Je vais faire un déplacement 3 et du vent. Ce déplacement 3, je pense qu'il va m'amener... Il va m'amener... Oh, toi, tu vas bien avancer pour les attaquer de toute façon. Ouais. Le youtubeur, tu sais, il fait sa vidéo... chapitre 4 du truc de découverte Gloomhaven. Il perd. Semaine d'après... Chapitre 4 il repère. Chapitre 4 Je me mets là, je crée du vent. C'est... Hop là. Et ensuite, je vais faire... J'ai toujours un tour un peu fatigué, puisque je vais faire la favorite qui va me permettre plus tard de booster. Je propose qu'on joue à minuit, pour être bien fatigué et bien dire de la merde. C'est ça. Être vraiment éclaté de fatigue. À vous de jouer les BG. La 49-3 n'est pas autorisée. Oh, bon. C'est à toi, l'artificieux. C'est à moi. Donc on va faire un petit... Je mets là, oula. Déplacement 3 du coup. Je vais juste me mettre... C'est beau off. Ce que tu fais, c'est beau ça. Et je fais la fameuse attaque. Attaque 3. Ouais, casse-lui la gueule, mets-lui la tête sur le mur. Et vous savez pourquoi ça a bien se passé ce scénario? Parce que c'était un putain de couloir. Oui, du coup, on va rester murs. Ensemble. Moi je vais être derrière, je vais vous heal. Non, ça, c'est pas compliqué, on va jouer comme ça, en mode FF8. On va avancer dans le truc, on va en buter un et basta. Donc plus 1. Donc il prend 3, 3 plus 2, 2 plus 5, 1, plus 1, 6. Voilà, et ben ils ont 8 PV. Donc il s'en fout. Mais c'est pas mal quand même, t'as fait des beaux efforts. C'était le numéro 2. J'enchaîne? Non, c'est les démons du chaos qui s'activent. Il va te casser la gueule. Oui, ils vont me casser la gueule. Ils vont casser la gueule même. Alors, direct, instantané. Déplacement 0. Ah, donc il se déplace de 3. Oh là là. Lui, il bouge pas. Lui, il fait 1, 2. Lui, il fait 1, 2, 3. Je crois que je suis mort dès le début. Max, t'es sûr qu'il faut pas d'abord les sphères. Enfin, pour chaque personne, tu fais j'avance, j'attaque, plutôt que. Si, mais ça va changer quoi là? Peut-être que plus tard, ça peut changer. Ouais, mais tu as raison. D'ailleurs, en vrai, j'ai triché. 1, 2, 3. Et donc 1, 2, ok. En fait, lui se déplace, mais se déplace pas parce qu'il est proche. Du coup, on va faire son attaque, effectivement. Donc, il fait attaque 3 avantage. Plus 0, mais avantage. Donc, on va tirer 2 cartes. Plus 1. Donc, il te met 4. Ensuite, il va griller de la lumière pour faire soin sur lui-même. Il n'y a pas de lumière. Hein. Et il te met confusion. Exactement. Oh, quel enfer. Puis, le deuxième,
qui est ici. Parce que c'est un 3 alors que lui, c'est un 4. Donc il va faire 1, 2, 3. D'accord. Ouais. J'aurais dû mettre ma côte de maille, je crois. Et donc, il n'est pas à distance pour attaquer. Lui fait 1, 2, est à distance pour attaquer. Et il te met une attaque de 3 plus 0. Voilà. Et il te reconfus. T'es à combien ? J'ai un point de vie, les gars. Si vous voulez savoir, hein. Il y a un mec dans le jeu qui est en mode jamais de la vie, vous allez jusqu'au boss. Comment vous savez qu'on est faible ? Voilà. Après, on a pas, on est pas revenu en arrière et tout machin. Non, mais ça, tranquille. Oh, c'est pas une bénédiction qui va te sauver la vie. On n'a pas pris nos objectifs. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Ça, va, non, ça nous fait pas, mal jouer. On n'a pas pris quoi ? Les objectifs, tu sais, pour les. Tu sais, les fameux trucs où je devais rester. En fait, j'y ai pensé, je me suis fait, c'est quoi le mieux, c'est qu'on le prenne pas. Ouais, mais justement, jouez correctement, par pitié. Allez, c'est bon. Bon, allez, on y va. Voilà, on y va. On va commencer par ça. Donc, la première attaque effectuée dans chacune de vos actions, blablabla, bla 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 bla, vous pouvez consommer des trucs. C'est toi oui, qui c'est moi, c'est moi. Ouais. Wow, c'est bon ça. Je vais le consommer. Ça t'emmerde ? Non. Super. Eh bien, derrière ça, je vais déjà je vais gagner chiant, hein. Le point d'XP. Et donc, je vais faire un allié à portée 3. 1, 2, 3. Donc, Axel. Va faire une attaque de puissance 5. Bon, il n'y a pas de ténèbres, donc ça s'arrête là. Et perdre moins 2. Et perdre moins 2 du coup. Donc du coup, je meurs. Je suis entouré par des cons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Eh bah, tu grilleras une carte. Ta gueule. Voilà. Allez, attaque. Ça sert à quelque chose. Allez. Maxilda, c'est un avant. Maxilda, voulait pas que je crame des cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mon seul pouvoir, c'est de vous faire jouer mais à ma place. Mais il est Axel, là. Bon, en vrai, c'est pas comment compliqué. Je pouvais deviner qu'il allait prendre 112 avant bien de jouer ? C'est de votre faute, vous ne communiquez pas. Mais comment je peux deviner ? D'abord, tu devines pas, c'est Axel dit, moi je vais faire ça, moi je dis je vais faire ça, toi tu fais ok, du coup je peux soigner. Il m'a demandé, je dis que j'allais encore à corps. Attends, je répète, je sais qu'il va là. Oui. Comment je peux deviner qu'il va se faire bouillave sa mère parce par que, les parce qu'en plus, on le sait. Bah, attends. Je crois qu'on le sait. 3 plus 0, je savais pas qu'il allait prendre des plus 1 tous les matins, tu vois. En fait, le problème, c'est que notre tank, il est en carton. Mais il pue la merde. C'est un problème. Putain de suicidaire. Il y a pas de tank, là. Qui a le plus de vie, ici ? Moi, j'ai 8. 8 ? Moi, j'ai 8. Bah, moi, j'ai 6. Bah, voilà. Bon, le garde rouge, il avait combien, là ? Bah, je sais pas combien il avait, ce gars. Il est dans la boîte. C'est lui le tank c'est lui, là attends, c'est garde rouge, il a combien c'est sûr. Eh, jure, s'il a 10 points de vie, ça va chier. Hein. C'est qu'on aura vraiment construit le groupe. 10 points de vie. Putain, merde. Groupe de merde, là. J'en tourne par des bouffes. C'est insupportable. Bah, on y va, on a pas de temps, quand je suis en les mecs sont en slibar, là. Ils attaquent avec des bâtons. Ils essaient de faire peur aux monstres avec des bougies. Ils ont même pas emmené leur torche. Non, putain, en fait, c'est un enfer. 100%. Mais par contre, il s'appelle Garde Rouge. T'aurais pu jouer Garde Rouge, toi. J'en ai rien à foutre. Il a une gueule de merde. On dirait un démon et tout. Attends. Moi, je joue des je suis désolé, mais pour ce que tu nous soignes, t'aurais pu faire Garde Rouge. Alors, les gars. Bah, pardon, je passe ma vie à oui. Oui, j'ai que deux cartes. Excusez-moi. Ouais. Je prends le Garde Rouge. On recommence tous les scénarios. Non. Plutôt crevé. Bon. Après, faut que tu connaisses tout son jeu et tout. Bon, le but de cette partie, les amis. Ouais. C'est. On va faire une prédiction. Oui. Et c'est comme ça que ce live va s'arrêter. Regardez bien. Je vais faire une prédiction. Donc, prédiction. Voilà. La prédiction, c'est. Attends, il doit avoir de bonnes cartes, lui. Putain. La prédiction, c'est. Combien de monstres on arrive à tuer ouais. avant de mourir ? Ah oui. Après, il y a aussi un truc qu'on peut faire. Si le but est de présenter le jeu, Maxildan, on peut peut-être. Regarde, je sais pas si t'as vu Max. 1, 2. Vas-y, je vais. Oh, je vais pas plus de 3 parce que. Max. Hein ? Et si on disait. Allez-y, vous avez une minute. Ici, il y a un raccourci. Non. Qui te mène directement au boss. Comme okay. ça, on monte les capacités du boss. Et on a fait notre boulot. Parce que je vous rappelle qu'on est là pour ça. Tu sais ce que je propose, Max ? Ok, Max. Je propose que cette porte-là. Elle mène au boss. Elle mène au boss en vrai. Si tu veux. Franchement, c'est mieux. Sans c'est, mieux. C'est mieux. Ok, la porte mieux. Qui est là nous warp directement au boss. Il y a deux baves là. Putain. Allez. Bon. Ok, go. Par contre, ce que j'aurais pu faire là où j'ai mal joué, c'était activer ma côte de maille. Par exemple, j'aurais pu. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. C'est bon. On aurait pu avoir du talent, on a décidé que non. Allez. Ah, on a décidé d'aller vite. Ah, putain. On communique pas assez, putain. Ce jeu. Mais on n'a pas le droit de communiquer. Que t'as oublié zéro. Je l'ai... Dans le vote. De quoi okay. j'ai pas, du coup, je sais pas quel truc. Ah oui, d'accord. Genre, on va rien tuer.
Non, on va quand même en tuer un, les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars, on va quand même en tuer un. Non. Non mais si, il y en a un qui a plus de 2 PV. Parce qu'en fait, on est d'accord, là, il y a une porte. Oui. Donc ouais, selon le warp est génial. Ouais. On arrive au boss, on monte le boss, et bah, vous achetez la jeu si vous voulez faire la campagne normalement. Voilà, avec des gens qui ont un cerveau, des mecs qui jouent un tank et tout ça, quoi. En vrai, il fallait évidemment jouer le tank. Qu'est-ce qu'on est con, bah putain. Oui, mais en fait, j'avoue que je pensais que lui... En plus, t'as regardé, toi, les decks en disant, oh non, il tank pas du tout. En fait, parce que t'as regardé les decks base. A, bah oui, B. Fallait regarder les cartes 1, en fait. J'ai pas regardé la fin. Non, mais je t'aime quand même, mais vas-y, go. Eh putain, sable de guérison, soin 4 sur vous-même, merde. Est-ce qu'au moins on a rigolé? Ah bah oui. Mais oui, mais bon. C'est pas le plus important. Est-ce qu'au moins on s'est fait fister? C'est pas le plus important. Ce jeu, il faut y jouer à 4 avec vos potes. Non mais le mec il soigne et tout, il est trop bien. Bah ouais, mais malheureusement on a décidé qu'on allait puer la merde. Ouais, qu'est-ce que en vrai, j'ai hésité en plus. Hein. Est-ce que vous voulez? Non, par pitié. Au début, j'ai hésité de choisir entre les deux. Allez. Pourquoi t'as pris ce truc-là? En plus, il est dégueulasse, il est tout petit. Ouais. Il en dirait un Gremlins. Parce qu'il y avait un lore de je sais plus quoi. Est-ce qu'on peut jouer? Bah oui, mais j'attends en fait. Moi j'ai joué. Ok. Mais on attend quoi? Moi j'ai pas joué. On est où là? Bah c'est à toi de jouer. Si, en fait. C'est à toi d'attaquer là. Tu meurs, allez, fais ton attaque à 5. Non, c'est à toi de jouer. Non, si. Non. On est dans son tour et c'est à toi d'attaquer parce c'est que c'est à toi d'attaquer. Je te fais attaquer, gros. Allez, ah perds oui, ta carte. Coup, là, mais lui il attaque à 5. Putain, quel enculé celui-là. Mais d'abord il attaque à 5. On en est là, eh oui. Mais une attaque à 5 à qui? Celui qui est déjà mal. Bah... Non, combien? Il est à... Non, il a mais 6. À celui qui est full life, parce que sinon c'est con. Ouais, ouais, on est d'accord. On va se faire tuer. Plus 0. Ah ouais, mais attends, faut que j'en tire 2 du coup. Bah, 2 plus 0. C'est bien, 5, attends. En vrai, bon. C'est fait, mais comme il y avait un désavantage, bon, ça avait quand même le coup de... Je jette une carte maintenant, merci Max, ouais, mais non, quel plaisir. Je veux optimiser un peu les dégâts quand même, merde. Alors ceci dit, tu peux peut-être retirer les 2 cartes. Non, c'est nul, jette une carte notamment. Allez, next. Ce sera ça. Attends, t'avais un dégât de plus avec mon pouvoir. Parce que je consomme le vent. Bah consomme le vent. Donc en fait, il prend 6. Ok, pas mal. 2 plus. Lorsque vous octroyez d'attaque au monstre... Non, c'est bon. Bon, en tout cas, il prend des 6. Alors... Hein? Bien. Eh, alors. Par contre, cette carte est perdue, du coup. C'est plus un mineur qu'un tueur de monstres. Mais oui, putain! On a pris celui qui. J'avoue, il casse des cailloux. Le truc qui casse le plus, c'est. Cailloux! Bravo, hein. Tout à l'heure, il a quand même la tête d'un mec dans sa main. Il y a un mur à côté, il arrive à louper le mur. Et il tape la main, t'es. Ah, merde! Putain. Bon, allez. Donc là, on est. C'est bon, on peut passer au tour suivant. Ouais. Bon. Alors, parlons-nous. Par exemple, moi, je vais cibler 2 personnes à distance. Je vais taper les 3. Tu vas taper les 3? On voit ou pas? Bien, ça. Ah oui, avec ton truc de zone, là. Oh, je peux faire une dinguerie. Alors, attends. Avant de faire une dinguerie, tu peux aussi soigner tes potes. J'en ai rien à foutre. Tu veux vraiment que je wheel? Bah, il est à 1, lui, là. Ouais, mais gros, j'ai envie de te lire mon sort. Que tu comprennes la dinguerie que c'est là. C'est l'attaque la plus puissante que vous puissiez tous faire. En fait, j'ai l'impression. Tous. Casse-toi juste. Je te irai après. Moi, je voulais pas faire l'alpha dans ce jeu-là, mais vraiment, il y a ce côté où chacun est en mode c'est cool, je peux faire le meilleur truc. Et après, on arrive, on fait ah bah, y'a plus personne. La première attaque. C'est bien, mais dis-le. Tu dis. Et bah, hop. Oh, le chat, je casse la gueule ou qu'est-ce que je fais? C'est bien, mais dis-le, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, c'est l'attaque la plus puissante que vous pourrez faire. En vrai, le problème, c'est qu'en fait, il y a qu'un healer. Et toi, en fait, quand t'as un mec qui a un point de vie. Bah, il se casse, il va pleurer dans un coin et je healerai après. Je te dis. Je suis pas vraiment healer, moi, pardon. Mais... T'es un bon? Bah, j'ai une carte de heal ennemi. D'accord, en fait, le healer tank, il est dans la boîte, quoi. Ouais. Bien joué les cons. Ouais. Bien joué les Et ouais, les gars. Alors, c'est peut-être le petit avantage de la boîte de Gloomhaven de base. Il y a beaucoup plus de persos. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah non, j'ai envie de faire ça. Parce que moi, je peux faire. C'est tellement le bon moment, vas-y, gros. Bah, moi, je peux faire un soin à portée maintenant que j'ai pris ma carte X. Je peux faire un soin de 1. Je vais reculer. Ouais. Faut que tu recules. Et faut que vous me laissiez une petite place. Au pire, je me prendrai la confusion. Je vais reculer, Ah ouais, moi, je peux faire un carnage, les gars. Il faut me laisser. Excusez-moi, attendez. Attendez. Attends, dis-nous. Dis-nous ton carnage, là. Faut que tu me laisses ta place. Carnage, c'est. Donc ça veut dire qu'il faut que je joue avant
et que je me casse. Moi aussi, il me fallait la place. De... Ah bah, tout le monde veut ma place, quoi. Non, mais en gros, tous mes déplacements, je vous le dis, moi, tous mes déplacements, c'est 3. Je pourrais pas m'approcher plus près que ta place. À un moment, il faut que je m'approche, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je peux aussi me barrer dans l'autre sens. Hein. On peut traverser les ennemis, de toute façon. 1, 2... Non. Tu peux pas traverser les ennemis, tu peux traverser tes alliés. Pas tes ennemis. Par contre, tu peux te confuser et t'empoisonner, si tu veux. Tu peux, quoi. Genre, si tu veux... Ok, en fait, je crois que je vais faire ça. Ou alors, t'as un saut. T'as pas tes bottes qui volent. Justement, justement. Voilà. Je vais prendre mes bottes qui volent et je vais aller à la porte. Tes bottes qui volent. Mes vols qui volent, j'ai dit. Je sais pas ce que j'ai dit. Il va aller à la porte. Nous, on est en train de se battre. Il va. Hé, j'ai trouvé le boss. Fin du game. Terminé. Et on va faire mentir le chat parce que je suis sûr. Vous avez voté combien? C'était quoi la prédit, les gars? Les bâtards. Ils ont tous mis un ou deux. Allez, bâtards. Je sais pas si ce sont des bâtards ou s'ils sont tout simplement réalistes face aux choses là. Non, je pense des bâtards. Ils ont tous mis un ou deux, les bâtards. Ah putain. Eh ben, on va les faire mentir, on va tuer les trois mecs. Bon, je veux. Allez, moi j'ai joué. Démerdez-vous. J'ai dit ce que je voulais faire, je peux pas communiquer plus. Bah non, tu m'as pas dit ce que tu voulais faire. Hein. Excuse-moi, mais tu m'as juste dit que c'était une attaque forte, mais je sais pas ce que c'est. Moi, bon, alors c'est totalement illégal puisque du coup, les mecs vont se bolosser entre eux. Et je vais être à la place du. Ce qu'il voulait faire. Vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Je vais faire juste ça. Voilà, tac, tac, tac. Ah, parfait. Et je suis prêt. Parfait ça. Ok. Je suis en 23. 18. 20. Super. On est très proche. Il y a peu de chances que ça nous baise. Ok. Ils attaquent en 52. Voilà, on les baise. On les baise. On les surbaise. On les débaise. Ok. Gigabaise. Dans un premier temps. Je vais faire une attaque 3, portée 2. Vas-y. Je peux consommer du vent, mais il me l'a pris. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'était pour le pousser. Mais là, on est d'accord qu'on ne veut pas forcément le pousser. Il va les tuer avant que tu fasses ton truc. J'ai envie de tout péter. En fait, on est d'accord qu'il y en a un. Lui, il est full life. Lui, il est full life. Donc, en fait, du coup, déplace-toi avant. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, il fallait que je me déplace avant pour avoir plus de déplacement, moi. T'as pas besoin de barrer loin. Bah, si, parce qu'ils vont crever, frère. La confiance aussi, ça. C'est pas de la discussion, c'est juste. Bon, j'utilise mes bottes ailées. Mes bottines ailées. J'ajoute le saut. Et je fais... Saut. Et je fais... Saut. 1. Oui. 2. Oui. 3. Non. Tu vas là. Mais il va être au corps à corps. C'est une attaque à distance que tu fais. Oui. Ok. Oui. J'accepte. Merci. Merci, mon bon maître. Ok, très bien. Et ensuite, je cible celui-ci. D'accord. Et je fais... L'alpha ultime. Non. Tu vas là. Et je fais donc une attaque 3 un peu classique sur lui, sauf que du coup je fais ma favorite. Et du coup de base j'ai une attaque de 6 et je rajoute 3. Où est mon truc? Fait 9. Oh, putain, il meurt. Hein. Non, je parle de 3. T'as 6, pardon. Ouais, j'ai 6. Il y a quand même peu de chances que je le one shot. Vas-y, régale-nous, frère. Moins 2. Bon, j'ai bien fait de tout mettre. Donc du coup ça fait 4 sur le 3. Voilà. Et là, je t'ai laissé ma place et je t'ai un peu grillé celui-là. Ça, c'est de la communication. Voilà. Il a le regard du con. Il a le regard du j'ai fait de la merde. Non, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait une attaque de zone, il les tue tous. Ah oui, mais bon. Non, attends, je vous ai dit de communiquer. Donc je vous le dis. Donc la carte que je joue, elle est perdue. Hein. Non, j'ai juste perdu un tour. Attends. Non, après tu peux. Non, tu peux. Parce qu'en fait, à la base. Je voulais faire ça, ensuite je me suis dit je pourrais pas le faire, donc je vais faire autre chose. Mais j'ai quand même gardé ces deux mêmes cartes. Et du coup là je me rends compte que comme Rof a laissé sa place, bah du coup je peux le faire. Fais. Moi je pense. Il vaut mieux qu'il le fasse. Et qu'en fonction de ce qui se passe. Si rate, tu peux finir les derniers. Ah, voilà. Vas-y, fais. Attends, juste que... m'empêcher de prendre du plaisir. Non, regarde. Si, allez-y, pas de problème. Acheter le Monopoly. Je peux faire portée 2 là sans bouger. Ici. Ouais. Tu peux faire ce que. Ouais, tu. Et du coup, je tape. Stop. Tu peux pas traverser les ennemis. Portée 2. C'est une portée 2. C'est fou, ça. Oui, tu peux. Je peux taper là, et du coup, je tape les 3. Oui, et tu peux. Ensuite, après, je peux me barrer. Et comme ça, s'ils sont pas morts, et bah. Quand même, mais ok. Ouais. Peu de chance que tu les tues pas, mais vas-y. Bah non, j'ai des avantages. Vas-y. Pour le premier, non? Les avantages, c'est. Tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à la fin de mon tour. Jusqu'à la fin de mon tour. Donc, du coup. Je fais cette petite carte. Vas-y. Donc, attaque 3, portée 2, et ça tape en... Vas-y. Tu génères du feu de la plante. Ok, voilà. Vas-y. Et donc, du coup, je tape 3 fois, tu vas sortir 2 cartes.
Donc, trois fois, je sors deux cartes. Et tu fais. On y va. Le premier. Trois. Ça fait annulé. Aucun dégât. Quelqu'un l'a dit en plus. Mais on croise les doigts pour l'échec critique. Est-ce que je dois ensuite, remélanger trois, maintenant non. Non, non, à la fin du tour. Ok. Trois. Plus zéro. Plus zéro. Donc, ça fait trois. Par contre, il fallait dire sur qui. Bah, du coup, c'était lui le premier. Oui, ton ordre, c'était quoi okay, c'était lui, c'est lui, il prend rien. Okay. Puis après, bah, peu importe. Qu'est-ce que t'aurais visé pif. Lui. Lui, le 4. Le 4, c'est celui qui avait 3-6. Il est mort. Lui, il est mort. Et ensuite, moins 2. Moins 2. 3-2. 3-2. 1 sur lui, qui est le 2. Le 2, il lui reste 1 PV. Bon. Voilà. Bah, ça ne marche pas. Alors ça, parce que celui qui a le plus de PV du coup va subir moins de dégâts parce qu'ils allaient tous s'attaquer entre eux. Et donc, moi je t'ai suivi hein. Déplacement 2. Ok. Bah non. Et pourquoi non? Ils vont mourir. Avance. Ah bon? Cule pas. Ah, non, t'es sûr que les deux ils meurent hein, parce que j'ai un point de vie hein. Il a bien. Bon, on est crevé au scénario d'après. On va se téléporter au boss. Eh, hey, tu sais quoi, vas-y, monte le scénario 25 là. Au point où on en est. Bon. Piécette. Oh, on fait pas les pièces. On s'en fout. Gros. Au point où on en est. Cette partie n'a aucun sens. Elle est là. Le pour vous apporter du fun. Et vous voilà, le fun est de vous montrer le jeu. Bon. Là, on vous montre. On y va. Donc, mon plan de merde. C'est de faire déplacement 3. 1, 2. Allez, si je peux. 3. J'avais failli tout casser. Faire déplacement 3. C'est tout, enfin, on s'en fout. Et ensuite de faire. Alors vas-y. Tout ça pour ça. Et ce qui serait très drôle, oui, le plus drôle. Plus, ça peut arriver. Là, le plus drôle. C'est qu'en fait, on se rend compte au moment où je lis la carte que le play est éclaté au sol. Et là, c'est merveilleux. On est prêt? Forcer tous les adversaires à portée 3 à effectuer attaque 2, ciblant des adversaires de votre choix qui leur sont adjacents. En gros, je prends un paquet de mobs, ils s'attaquent tous entre eux comme des cons. C'est bien, c'est fort. Alors, sachant qu'ils font tous 3-3-3-3-3-3. J'ai l'impression. Faut juste le faire dans le bon ordre. Tu prends le plus faible, qu'attaque quoi le plus qu'il fort, arrive. Le plus fort, qu'attaque le plus faible. Il va en rester un. Il en restera qu'un. Allez, under quoi. Ça me va. Ça me va, c'est cher pour mon cul quoi, mais bon. Allons-y. Peut-être en fait, vise d'abord. Je sais pas. J'en fous. Je t'ai montré la carte, hein. T'avais qu'à me le dire. Non, mais en fait, quand ils étaient 3. Oui, bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais ah, en fait, tu savais qui était le problème. C'est que si on avait communiqué, toi, t'aurais fait mon truc après. C'est vrai, ça? Ouais. J'avoue que dans ce jeu, on fait tout pour tous mais attaquer oui, le oui, plus vite oui, possible. Oui. Et en fait, c'est con. Mais aussi ouais, parce ouais, que tu veux aussi attaquer avant les ennemis. Ce qui est vrai, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en général, ils attaquent à 50 ou après. On est tous d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Bon, celui qui a le plus de vie, donc le 3 attaque celui qui est à côté. Il lui met donc 3. Je consomme l'élément de plante plus 1. Et quand vous octroyez des attaques aux monstres, ils utilisent votre paquet modificateur à la place. T'as donc, fait attaquer lui sur lui ? Le 3 sur le 2. Bah non, du coup, fais le 2 sur le 3. Oui, le 2 sur le 3, excuse-moi, tu as raison, je suis un con. Le 2 sur le 3. Je n'ai pas de bonus ni de malus particulier, donc je tire qu'une carte. Ok. Je crois. Hein. Oui. Et donc, ils prennent. Il prend 3 plus. Donc lui, il prend 5. Du coup, il meurt. Là. Bon. Quoi mais non, ouais. Il était full life. Bah non, non. Non, parce que je lui ai mis des 4 PV. Donc il est mort. Il est mort. Je récupère ma petite hache. Ta petite hache va être ici. Et du coup, lui, il a 1 PV. Et je peux rien bah, faire. Il vient de bolos. Et donc, je... tout ça pour tuer un mec. Avec une attaque. C'est nul. J'aime bien, moi. C'est nul. J'ai envie de m'arracher les couilles avec le Pinel. Bon, c'est allez, qui, hein il vient me voir, le man. Ah, il vient de voir. Il fait déplacement moins 1, il boite. Puis il te met attaque 3 plus 1, 4. Il consomme des ténèbres, il n'y en a pas. Et donc, il te met 4 plus 1. Il n'a pas avantage il a avantage. Pourquoi il a avantage? Parce qu'il a avantage. Ah, non. Il a... confusion, il me confuse. Te confuse, mais. Mais t'es confusé, toi, tout à l'heure. Ouais, et donc, il te met 5 dans tes grands morts. Pff, je tank, je m'en fous. Non, je tank pas. Je suis à 8, c'est ça? Bah, j'ai pas pris de dégâts. En vrai, tanker 5, ça me va. Ouais, il tank 5. On est bon. C'est à nous de jouer. Jeter une carte. Et on en a tué 2, hein. Donc, pour le moment, déjà, tous ceux qui ont voté 1, vous êtes morts. Hein.
déjà. Il y en a qui disent qu'on peut pas traverser un allié. Oui, mais j'ai volé. Si, allié. J'ai mal dit. Hey bad, autant pour moi. C'est un adversaire. Bon, après, il n'y a plus personne là. Donc, après, on va au boss quoi. De toute façon, c'est trop facile, non, c'est pas compliqué. Qui a un point de vie là? Toi? Moi? Vas-y, je te heal. Ah, le boss. Ah, t'as de la chance. Maintenant que j'ai fait mon play inutile, sur lequel j'ai insisté 16 heures. Bravo, Max. On a du fire là. Bon, bah go. Hein. Je vais faire ça, tant pis. En vrai, c'est overkill là ce que je suis en train de faire. Après, de toute façon, on a dit que quand on passait la porte, on allait au boss. En fait, c'est pas compliqué. Quand on le tue, on va au boss. C'est pour montrer le boss. Les gars, encore allez, une fois, go. On est parti. J'ai sorti deux cartes. Et bah oui, bah du coup, on s'en fout. Je sais pas. 36. Ça et, et ça. Voilà. J'ai 21. 21. Donc c'est 19 qui attaque en premier. Tu fais tire à leur 4 quand même, on sait jamais. Peut-être qu'ils. Ouais, tu vas pas rater, vas-y. Non, mais tire à leur 4. Ouais, si tu veux. Vas-y. Ok. Oh putain. Il génère tous les éléments. Pas mal. Explosion de mana. Pas mal. Déplacement 3. Du coup, ça, on est d'accord, ça va là. 1, 2. Joseph. Et tu lui mets. Je consomme le feu. Ouais. Et je lui mets du coup attaque 3 plus poussée 3. Ok. Vas-y, attaque 3. Attaque 3. Moins 2, il est mort. Ça fait 1, il est mort. Et c'est ciao. On arrive donc au boss. Je récupère ma marque. J'aurais avancé. Bon, le truc est totalement biaisé puisqu'on va avoir encore pas mal de cartes quand on arrive au boss. Alors que normalement, on les a épuisées. C'est juste pour montrer la mécanique. Encore une fois, le but c'est de montrer la mécanique. Juste vous montrer merde, on récupère pas nos cartes. Ah bah non. Bah déjà va, que. Déjà qu'on a, aussi. On vient de sauter à moitié du niveau, ça va. Alors le boss, comment ça marche? Comment marche le boss, les amis, quand vous jouez à Gloomhaven? Bon, qui c'est qui télécharge, là? C'est quoi le bail? Pourquoi la musique, elle coupe? Elle va être tout pété. Supportable. On est où, là? 480p, la musique, elle coupe. Elle va être tout cassée. Hop. Axel, ouais. Il se perd complet. Max, on a plus rien à foutre de heal. Et Rof essaie de lead, mais c'est pas glorieux. C'est ce qui se passe à peu près. C'est à peu près ce qui se passe. Récupère tes merdes. Hop. Voilà. Règle spéciale. Alors, vous êtes très nul. Vous arrivez direct au boss. Parfait. GG. Le boss, il a A x 4 A dégâts. A x 4 oui. Dégâts. A x 4 dégâts. Ah oui, non, mais point de vie. Quoi? Commence le scénario avec A x 4 dégâts. Ah, il commence le scénario avec. Ok. Donc, il subit 12 dégâts. Chaque fois qu'un personnage autre que la tumeur subit des dégâts, cette dernière récupère ce montant. Elle se nourrit de notre souffrance. Si la tumeur atteint sa valeur maximale de points de vie, le scénario a échoué. En fait, elle démarre faible. D'accord. Et à chaque fois, il ne faut pas qu'on se prenne des dégâts, en fait. Parce que sinon, okay. elle leech life. Moi, je rush dans le tas. Et du coup, on perd. Mais toi, Max, non, je pense qu'il faut rajouter un truc. Je l'ai là. Du coup, je lisais juste le truc. Ce qui va lâcher en premier. Oui. Si veux faire. Mais d'accord, du coup, t'en as plus besoin de ça. Oui. Très bien, je t'en prie. Je sais pas. Bon, alors le boss, il est où? Là-bas. La tumeur. On a une petite tumeur. Une petite. Tumeur cancéreuse. Parce que c'est quoi l'histoire en fait? Il me faut des îlotes. Bon, je vous lis. Regarde, pendant que vous vous placez. Regardez bien cette tête de tumeur. Ah, c'est pas celle-là. Ah. Non, c'est celle-là. C'est vraiment la même image quoi. Ouais, bah c'est un peu plus naze du coup. Et elle est en train de se créer. Je vous fais un petit LDR. On arrivait normalement donc au fond de la cave. Il y a des raclements. Le rituel a été interrompu. Nous le terminerons au Nexus, mais. Ok, elle machin. Approche au plafond. Ils approchent, blablabla. Ouvrez une faille, crie la première voix. Maintenant, beaucoup plus éloigné, il faut les arrêter. Vous précipitez. Ok. Des créatures de pur chaos émergent des failles. Leurs mouvements sont un cauchemar de griffes, d'ailes et de vrilles. L'une d'elles saisit l'invocateur hurlant et l'enfourne de force dans une gueule béante au milieu de son poitrail démoniaque. Ah oui, c'est dégueulasse, hein. Il y a un craquement humide et la tête de l'homme disparaît. Ensuite, elle venait nous voir et donc on les fumait. On en était là.
Quand on arrivait au 1, c'est-à-dire donc quand on avait donc tout fumé tout le couloir, ces créatures étaient certes horribles, mais rien ne pouvait vous préparer à ce qui se trouve au-delà de cette dernière porte de pierre. Un énorme cocon de chair sanglante palpite follement devant vous, bulbeux et malsain. Un fluide suinte sur le sol alors qu'il s'agite avec malveillance. Le Nexus a besoin d'un peu plus d'énergie, crie un homme en robe, vous regardant avec panique. On n'a qu'à prendre la vôtre. D'accord. Et donc là, effectivement, tu as une tumeur de sang et deux mobs. Donc c'est là où je regardais, mon cher Max. Et voilà où on est. C'est que chaque fois qu'un personnage autre que la tumeur de sang subit des dégâts, ça veut dire que ça va aussi fonctionner. Ah ouais, sur les. Sur les ZAD, non? Personnage. Un personnage, autre, ouais, j'ai l'impression que oui. Si la tumeur de sang atteint sa valeur maximale de points de vie, c'est un lieu à jouer. Okay. Alors, passe-moi le glossaire. Bon, tu vas voir. Regarde personnage. Et tu vas voir si ça en contient les adversaires ou si c'est que les alliés. Je crois que c'est tout le monde. Tous les monstres et aventuriers. Bah voilà. Ok, ça veut dire qu'il faut d'abord tuer le boss. Faut cibler le boss et subir aucun dégât. Le boss, la carte. Bah justement. Elle est là. C'est ça qu'on veut découvrir. Vous êtes pas prêts, les gars. La tumeur de sang est là. Attends que je prenne le bon chiffre, ok. Alors, nous sommes trois joueurs. Elle a donc... Mmh. 28 x 3. Fois 3 ? Attends, non, je déconne, je l'ai mise au niveau 7. Elle a 10 x 3. 30 ? C'est one shot, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Fois 3, ça faisait ouais. 80. C'est pour te faire trembler, je suis content, ça marche. Ça marche. 84 points de vie, je vois pas comment on les mettait avec toutes nos cartes. Et j'avais mis de côté les trucs pour. C'est ça là ? Ouais, mais l'autre. Bah, et c'est quoi ? En fait, c'est le démon. Hein. Qu'est-ce que tu. Donc il y a 30 PV, j'ai toujours un point de vie moi au fait ? Oui. Ouais. Ça va, on va limiter, hein. On va limiter la triche. Ouais. Alors. Pas fait si on avait tour. Fini le tour d'avant, il aurait récupéré 5 points de vie. Ah, bah, si. Vas-y. On vous montre le boss. Donc, il a 30 points de vie, Max. Comment fonctionne le boss? J'explique. Et donc, il a donc 30 points de vie, moins 12. Moins 12. On s'en fout d'où c'est, puisqu'il n'y en a qu'un. Donc, il a 30 points de vie, moins 12. Donc, il démarre midlife. Ah ouais. Et donc, la particularité de ce boss, il n'est ni blanc ni élite. D'accord, il est les deux. Il y a plusieurs choses. Il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas. Ah non, il ne peut pas être désarmé, il ne peut pas être confus et il ne peut pas être stun. D'accord. Désarmé, confus, stun. Ok, donc, ouais, on est. Bah, c'est, tiens, tu vas bien servir ton personnage. Je suis content d'être là. Hop, voilà. Ensuite, attends, on va mettre tout ça ici. Voilà. Donc, il ne peut pas désarmer, confus, stun. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'a pas de déplacement. Ses dégâts, c'est le nombre de joueurs. 3. Ok. Et en fait, quand on va tirer des cartes, vous allez voir que il y a des numéros qui vont sortir. Genre là, par exemple, spécial 1. Spécial 1, c'est soin 3 sur elle-même. Spécial 2, c'est soin 2 sur tous les alliés. Ok, donc là pour moi, ce qui explique le fait que, évidemment, on va d'abord taper les ZAD. Et c'est que des spécial 1, spécial 2, spécial 1. Tu peux pas taper les ZAD. Il y a un truc spécial sur le boss où il fait autre chose. Sinon, c'est spécial 2, spécial 2. Ah, en gros, il y a deux attaques spéciales sur le boss. Tout le reste, c'est les capacités qui sont là. Donc on est d'accord qu'il il ne fait pas d'attaque. Il fait que ce heal. Il fait que ce heal. Donc pour moi, il faut tuer au moins. Il faut qu'il y en ait qui s'occupent des monstres pour éviter qu'on se prenne des dégâts. Sachant que le but du scénario, c'est uniquement de tuer cette tumeur. C'est-à-dire que si on tue pas les deux, on a gagné quand même. Ah, mais il faut se split. Parce qu'en fait, si elle revient full life, on a perdu. Oui, faut faire attention à sa vie. Mais ouais, je sais pas. Après, si on fonce, qu'on lui met tout de suite 12, enfin, qu'on lui met tout de suite 18, on a gagné. Ok. C'est quoi, je vous suis sur cette strat. Vous voulez faire. On va sur le mob et on s'en fout des ZAD. Et on lui met tout. Hein ? Oui. Bien. On lui met tout. On lui met tout ? On lui met tout. On lui met tout. Les cons. On lui met tout, les gars. Let's go. On lui met tout. C'est parti. Tellement la strat. La strat exceptionnelle. Bon. Il me reste 3 cartes dans ma main. C'est à peu près le cas de vous. Moi ou aussi, pas il me reste 3 cartes. Ouais. Il m'en reste 5. Toi, c'est normal, t'avais plus 2. Je sais pas pourquoi j'en ai autant que lui. Parce que j'ai défaussé une carte. Ok. Parfait, on est bon.
Donc on arrive là. J'ai combien de points de vie moi? Je suis à 8, oui, parce que du coup j'avais pris exprès les trucs. Vas-y, les XP on s'en fout. On est juste là pour... Donc évidemment chaque boss va avoir un truc un peu particulier. Lui, c'est un gros sac à PV. Et on va voir ce qu'on peut lui mettre dans la mouille. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Alors on est où là? Attends, je peux peut-être faire mieux. Bah, on est censé en plus même pas forcément être dans le truc. Peut-être voilà. Faire mieux. Sûrement un qui va aller au cac quand même. Oui. Ouais, bah... Je pense que t'as bien cerné. Pas évident ça. Pas évident. Ok, pas mal ça. T'as combien de points de vie? 6. Sur 8? Ouais. Ça m'intéresse. Ah putain, en fait, si on attaque les ZAD, il se heal le truc. Ouais, c'est ça. Moi, je tuerais bien lui, quoi. Non. On tue un petit ZAD. Si on en tue un, bah ouais, mais du coup tu le heal de 6. Tu en tues un, c'est l'élite qui faut tuer. Ok, d'accord. On a une strat. Suivons-la, même si je la trouve un petit peu bizarre. Je pense qu'il faut faire un peu des deux. Mais... Je pense que quand vous allez voir ma première carte, vous allez comprendre qu'on peut foncer. Eh bien, fonçons. Je réfléchis juste un peu pour être sûr. Okay. Oui. Ok. Là, pour le coup, le pouvoir de tout à l'heure d'attaquer. Il était forcé tous les mecs à 3 de distance. En fait, les deux attaquaient le mec au milieu et je me régalais, quoi. Mais ça me va, moi, si c'est un jeu où t'es censé. Apprendre. Vraiment, c'est chaud sur le premier truc et après tu dis, ok, il va se passer ça. Si c'est un die and retry, limite, ça double, entre guillemets, la jouabilité. Et ouais, ça me va d'avoir un jeu assez dur. Ok, je suis ready. C'est exactement les deux cartes que je voulais faire, mais je peux faire les deux sens. Eh bien, parfait. Moi, je vais 15. Faire 39. Je vais essayer de jouer un petit peu tard. Je joue en premier. On sera suivi par le boss en 54, qui, évidemment, va pas se heal. Puis, par le coup calculé. Donc, il ne se déplace pas. Par contre, il va faire une attaque à 2, portée 3 sur 2 personnes. Okay, attends, en fait, quand t'as fait le truc spécial, je crois qu'il y avait que spécial 1, spécial 2, je crois qu'il faisait que ce heal. Je l'ai dit pourtant, ouais, il y a deux cartes où il fait autre chose. Mais tout le reste, il attaque en fait le mob. C'est pas un. Non, c'est pas... non je répète, il y a que des spécial 1 ou 2. Oui. Il y a deux cartes où il fait autre chose. Ah, donc ça fait partie des cartes où il fait autre chose. C'est ça. Okay, pas de chat. Parce que là en plus, ouais, il va nous mettre. Ouais, pas de chat. Non, il va nous mettre éventuellement 2. Avec maximum 4. De base, il a 3, c'est ça? Ouais, il y a 3 moins 1. Okay. Allons-y. Donc, j'ai 39, moi. Donc, je me suis mis loin. Moi, j'ai 15. Okay, c'est mon tout dernier. Vas-y. On est parti. On l'a tiré, celui? C'était pas celui d'avant? Ouais. Non, c'est ça. Bah, t'es sauvé. Yes! On y va. Je vais. Alors, j'ai deux choix. Est-ce que je peux demander aux autres? Ah, donc, mes cartes sont triées, je pense qu'on peut. En fait, soit je vous mets un bouclier et je vous permets de vous déplacer. Et je vous donne renforcement. Soit, je mets des malédictions dans le deck adverse et je vous permets d'attaquer au corps à corps. Sauf que vous n'êtes pas encore au corps à corps, ouais, parce que j'ai attaqué en premier. Fais l'autre. Donc faire l'autre. La question est vite répondue, comme on dit. J'ai pas tilté. À qui je mets bouclier, hein? Qui va aller au cac? Moi. En fait, je crois, Max, que ton perso, il joue toujours dernier, quoi. Tu vas toujours mettre la dernière truc. Ouais, t'aurais dû prendre ce putain de garde rouge là. Du coup, je passe mon temps à jouer quand les mecs ont fini, quoi. C'est horrible. Quand les mecs sont morts et que j'ai prévu de les tuer. Le mec, fin du scénario 5. En fait, franchement, mon perso, je l'aime pas. Tu passes ton temps à préparer des trucs. Bah, c'est ce qu'ils disent dans le bouquin. Ouais. Ils disent voilà, vous avez fini l'initiation. Vous pouvez en gros démarrer le vrai jeu. Si vous voulez changer de perso, c'est maintenant, quoi. Alors là, franchement, après ces scénarios, t'aurais pris quoi? Garde rouge. Bah oui. J'en peux plus, putain. C'est pas possible. Plus moi, vraiment, je suis un mec, je suis vais, quoi. Bon, on y va.
Du coup, je mets bouclier à toi. Je te mets bouclier 1. Merci, c'est gentil. Tu peux te déplacer de 2. On était comme ça. Super. Ensuite, je te mets renforcement. À portée 3. Donc, tu es renforcé, mec. J'ai un gros biceps. Et je pille les poches de Rophelos. Je récupère donc cette petite pièce. C'est dans la carte, c'est écrit pillage. Si tu veux. Ce qui est à toi, toi. Ce qui est à moi, toi. Ouais, je préfère. oui. Bon, bah, du coup, j'avais prévu d'utiliser cette carte pour faire un déplacement 2. Ouais, c'est Joseph. Vrai. Par contre, ça, c'est intéressant. Attends, mais ta carte, du coup, elle pouvait étourdir, elle pouvait machin. Ah oui, non, tu veux la garder. Ok, vas-y, continue. Oui, oui. Là, tu fais attaque 3. Attaque 3. Et ajouter 3. Ajouter plus 3 d'attaque. Si la cible est un objectif. Oh. Si la cible est un objectif. Belle. Carte X. Belle. En fait, lui, il contrôle les niveaux. On est d'accord que quand. Toi, t'attaques à distance. Ouais. Moi, je contrôle les mecs. Ouais. Et le dernier, il tank. Et ouais. Il est. C'est vraiment ce qui nous a manqué. C'est vraiment ce qui. C'était... Et vraiment, quand tu sais pas jouer, jouer un perso qui sert à faire du contrôle, c'est vraiment débuter Magic en noir-bleu. Et c'est moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu l'as prise, on est d'accord, parce qu'elle était un peu plus stylée que l'autre. Je l'ai prise parce qu'elle était beaucoup plus belle. Ouais. Je choisis toujours mes persos comme ça. Hein. Je change okay. rien. Quand je joue à WoW, je prends juste des persos classe, hein. Rien à foutre de son capacité. Impeccable. Oh, t'es bien en garde bon. Rouge là. Bah, sur ce, du retard, coup, je vais résoudre les dégâts quand même. Ouais. Sachant que je bois ma petite potion. Ouais, pour faire plus mal. Pour faire plus bien, un. Bien, bien, vite, donne tout. Bien, ça, c'est bien. Exactive aussi, mais à côté de maille, parce que bah, je. Tu vas te faire prendre, tu vas prendre. Mets tout. Voilà. Donc, ça fait donc, 3 plus 3 plus 1. Plus le renforcement de Max. La musique est très à propos. Voilà, plus 1. Donc t'as mis quoi ? Je lui mets 8 dans sa bouche. Bien ça ! Bien ça ! Bien, 8 dans sa Putain, bouche. Ça c'est beau ça. Et bah du coup, super, il lui reste 10 PV. À moi. Alors, tu vois que la technique est bonne, Rof. Franchement, là, si t'arrives à lui mettre 10 à distance, on est fini. On a gagné. Bon. Est-ce que tu peux nous faire gagner en fait ? je On pourrait faire ça pour nous ? En vrai, c'est pas absolument impossible, mais il faut vraiment que je chatte tout, sur tout, tout, mec. Toutes les trucs. Ok. On va gagner les gars. Ah il est tard un peu. Légèrement ouais. Est-ce que vous passez un bon moment? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. J'avais 39, okay. J'avais joué 16 et j'avais 39. Ok. Donc mon but est de faire. Je me déplace de 3 et je peux soigner quelqu'un de 1. Oui. Donc le but c'était que j'arrivais dans la pièce quand même. Ouais. Je me mettre là. Ouais. Ça va si je me mets là ou ouais. Non, mais tout où tu veux, ça va, t'en fous, toi. J'en ai rien à foutre. Parfait. Ok. Et ensuite, je faisais ce truc-là. Attends, je faisais faire ça ou l'inverse? Bon, mon gameplay, il va être simple. Je vais me mettre dans la porte. Je suis à 2 de distance de tout. C'est bon. Et ils font quoi, les gars, là, tout de suite? Je sais pas. Ils font quoi? Ils se déplacent moins 1, ils attaquent. Ouais. Donc, ils vont se déplacer de 1. Et ils vont faire une attaque à plus 1. Donc en fait, ils vont faire une attaque à 3. Donc en fait, il y a un monde. Ils vont juste mettre une attaque à 3. Je vais faire l'inverse, je vais faire déplacement. Ah ben non, j'ai pas assez de déplacement. Attends. J'étais là. 1, 2. Non, ça marche pas. Bon, on s'en fout. De toute façon, quoi qu'il arrive, je fais une attaque à 2. Mais je vais mettre évidemment la favorite sur ce truc-là. Vas-y. Ce qui fait que j'ai une attaque de 5. Et donc, si jamais j'ai un x2, eh bien nous avons gagné la partie. Je vais mélanger. On est d'accord que de toute façon, il sait rien. J'avais dû mélanger. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, en plus, il n'y a aucune caméra sur tes mains là. Tu vois. Je mélange. Genre, tu pourrais tricher par exemple. 3, je n'ai pas envie. 3, 2, 1. Mais 0. Non. Je fais donc 5 points. Ok, il lui reste, 5 points de vie. La strat est bonne. Hein. Après, la strat est bonne. La strat est bonne. Là, y a les Allez, eux, ils vont nous péter la gueule. Alors, les zilotes, ils te mettent. Vas-y. À tout moment, je meurs. Hein. Ils t'attaquent, ils te mettent 3. Ouais. Ah, vas-y. Ah, pardon. Oui. 3. Ah, oui, j'avais déjà moins de l'élite en premier. Oui, l'élite en premier. L'élite en premier, il te met donc 4, pardon. 4. Voilà. Plus 0. Et l'autre, il te met 3. Plus 1, 4. Donc tu prends 8. Non. Parce que tu mets un bouclier. Un bouclier. Donc en fait, tu prends 6. Et moi, j'ai activé mon bouclier aussi. Donc en fait, tu prends 4.
Donc je prends 4. Bravo. Oui, chaque attaque, c'est ça. Un jeu, tu prends 4. Et j'ai une petite brûlure. Pas mal, hein. En vrai, pas mal. T'as une petite brûlure, mais on s'en sort vraiment très bien. Du coup, tu prends 4, ce qui veut dire que elle se heal que de 4. Ce qui veut dire qu'on est très bien. Elle a 6 PV. On lui met 6, c'est fini, les gars. Attends, elle joue aussi. Par contre, elle joue aussi. D'ailleurs, elle devait jouer avant les îlots. Les boucliers sont cumulatifs, y'a pas de soucis. Ouais. Par contre, elle devait jouer avant les îlots. Auquel cas, elle devait donc faire. Attaque. Excuse-moi, elle fait attaque 2 sur vous 2. Et bah. Donc elle fait 2 sur moi. Sur moi, sur lui. Sur moi, pardon, sur moi. Donc elle te met 1, donc les shieldés c'est 0. Et moi je me prends. Et toi tu prends 2. Putain! La petite claque. Vas-y, j'ai pris 4. Ça dégoûte. 4. Alors du coup elle se heal de 4. Et d'ailleurs elle avait pas un désavantage, c'est une attaque distance ou corps à corps? Ah, c'est elle avait un désavantage sur moi. Distance, elle avait un désavantage sur donc, toi. Donc, faut que tu retires une carte pour off. Oh, ça va, ça. Quoi? En fait, parce que du coup, on les aurait deux, vu, les on aurait vu ça sur toi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Si vous voulez, si vous voulez. C'est vrai. Du coup, 2. Voilà. Bon, ça fait 4. Ça fait 4. C'est pareil. Du coup, on doit mélanger. On mélange. À vouloir tricher, hein. Voilà, c'est pas de la triche. Non, c'est vrai, t'as raison. Par contre, lui, c'est heal de 4. Je rappelle que nous ne sommes pas du tout dans les conditions. Ah, pas du tout. Le jeu n'a aucun sens. Là. Normalement, t'arrives au boss, il te reste 4 cartes et t'es en mode. Bah, et tu fais un peu quoi. Non, on triche 100%. Là, on est en triche, mais totale quoi. Ouais. Mais en trichance. Mais, encore une fois, on fait ça pour vous les man. Je fais un repos court moi. Attends. Il y a Dralomien qui nous dit qu'il y a une règle. Oui. Qui dit quand t'attaques. Tu peux brûler une carte pour augmenter tes dégâts de 1. C'est-à-dire qu'il y a un monde où on brûle toutes nos cartes. Non, c'est pas ça. Non, je triche. Non, vous brûlez une carte pour chaque dégât et c'est win que ce que vous prenez. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Brûlez vos cartes. Oui, mais d'accord, mais enfin, on essayait de garder un semblant de « Oulala, au secours, on va mourir !» Moi, je finis le scénar. Je crois que du coup le but quand même de ce boss, c'est un peu ça, c'est d'arriver au bout avec le plus de cartes possible. Bien sûr. Pour lui bourrer le mou sans s'occuper des ZAD et brûler tes cartes dès que tu prends des dégâts en disant on va se faire deux tours mais on le tue en deux tours. On le défonce, ouais, clairement. Je pense que c'est ça le bail. T'as pas trop le temps de te soigner puisqu'il est en mode. Parce que normalement quand t'arrives là t'as plus de cartes, du coup t'as pas le temps de tuer les deux puis de tuer le boss et bon, tout, allez, c'est trop long. Repos court. C'est fait moi. Je vire ce truc là. Parfait, je ne vais pas la virer. Je vire ce truc-là, je perds un point de vie. Et je le défonce. C'est bon. Ah non, putain, 61 et 66. C'est quoi ça? Oui, c'est la carte de ma... c'est la carte que j'ai pas jouée. Donc, du coup, j'ai un... Putain, chier. Elle a combien de points de vie, là? 6? Non, pas du tout. Elle a... 6. Elle a 13 points de vie. Pourquoi? C'est heal, hein. C'est le combien? Ah, c'est heal de... Pourquoi c'est heal, d'ailleurs? Et parce que vous avez pris la sauce. Toi, quand tu prends 4, elle récupère 4. Prend des dégâts. Ben oui, mais du coup, j'aurais cramé une carte. J'avais zappé ça, excusez-moi. Et putain, c'est ce que vous dites. Et j'étais en mode, mais je m'en fous de cramer des... Oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Ouais, je comprends mieux. Mais bah je vois ce que vous voulez dire. D'où le, on crame des cartes et c'est gagné. Je comprends mieux, ouais. J'étais en mode, mais je m'en fous. Je suis pas aidé, hein. Je m'en fous, je prends des dégâts, je tente, tu vois. Ok, bah j'aurais cramé une carte, on s'en fout. Vas-y, j'ai cramé ça. Vas-y, c'est de la merde. J'ai cramé ça. Il n'y a plus rien à foutre. T'as cramé quoi? Un X en plus. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Ouais, je change toutes mes cartes. Pour moi, elle était à pas beaucoup. On l'a tué là, c'est bon. Bon, remets-lui 4 dégâts. Mission n'a aucun sens. Il lui reste 9 PV. Bon, 9 PV, on peut les faire. Allez. Je craque. Ok, c'est bon. Ok, j'ai. Ah merde, c'est beaucoup ça. Putain. Ah les salopes. Ils ont fait exprès que les grosses cartes en plus coûtent cher en initiative. Ah bah oui. Allez, bah, j'avais un truc, doubler la valeur et j'avais 6. J'étais en mode c'est bon, j'ai fini, j'attaque à 60. Bah faut que t'aies une autre carte très courte quoi. Eh non, j'avais une grosse attaque et un gros double. Ah bah. Compte dessus aussi. Je vais essayer d'attaquer vite. Voilà, parfait, ok. Il y a un moment où je la bute. Elle a combien là du coup? 9.
C'est ta faute, ça t'a pris des dégâts, t'aurais dû défausser des cartes. J'ai compris après. J'ai compris plus tard qu'effectivement il y a ce système de dès qu'on se prend des dégâts, elle suit. Putain, je crois que ça marche. Allez. 49. 12. 22. Bon. Alors, vais-je la tuer ? Attends, eux ils sont en 50. Et en. Mais non, si, c'est bon, si, c'est bon. Attends, fallait tourner. Non, c'est bon. Donc ils sont en 50 et en 85. Zilote 50. Ok. Boss 85. Le boss va se heal, attention. Bon, je vais faire attaque plus 1 à toutes vos attaques ce round. Et je fais mon lancer puissant qui consiste à faire attaque 6, portée 3, expérience 2. Quand même fort. Donc, j'ai deux bases, attaque 7. Ça veut dire que là, sur un plus 2 ou un x 2. T'as pas ta. Non, j'ai plus. La puce H. J'ai fait tout à l'heure. 3, 2, 1. 0. T'as mis combien du coup ? 7. Bon, il reste 2 PV. 2 PV. À toi de jouer. Ce sera donc toi le héros de... du jour. J'espère que tu alors, vas pas rater. À moi de jouer. Oui. Je prends ma brûlure du coup. Ouais. Je suis à 1 point de vie. Voilà. Je dis juste que. Je précise. Si par malheur. Ouais. N'arrive pas à la tuer là maintenant. C'est il. Elle se heal de 3 plus potentiellement minimum 5. Donc elle reprend quasiment 10 PV. Quoi. Oui, mais elle est morte. Vas-y. Je vais refaire l'attaque que j'ai fait juste avant. Ah parce oui. Que je viens de faire un repos court. Attaque 3 plus. Vas-y, sans rater 3. Que je rigole. En fait, le mieux, ça aurait été de faire une double attaque. Ouais. Ouh, putain, j'ai eu 0. On a triché. Putain, mais vraiment les boss, on est trop forts. Oh, la on a triché, on avait 12 cartes. Il est pas si dur ce jeu finalement. On a fini par le fuir. Bon, le but c'était de montrer un peu. En fait, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est de montrer le système de boss où en fait tu utilises des capacités spéciales et tu fais ce qui est écrit. Je finis à un point de vie. Hein. Je tiens à préciser. Le sac sanguinolent explose en une pluie de viscères et de matière gluante. Miam miam. Les zélotes qui ont dépensé tant d'énergie à essayer de le protéger s'effondrent au sol. C'est une horrible pagaille putride, mais au moins, c'est terminé. C'est, franchement, c'est la meilleure description de cette émission qu'on pouvait faire. C'est une horrible pagaille putride, mais au moins, c'est terminé. Un des hommes mourants rit. Vous pensez que cela va sauver votre ville? Plus nos expériences gagnent en puissance, plus le chaos vous menace. Havre-Nuit sera bientôt englouti par les flammes et les cris résonneront dans les rues. Le dieu du sang vous consumera tous. Le doublage. Le dieu du sang vous consumera tous. Vous pensez à la veuve Sandy. Tiens. Et tiens. Vous avez le baron. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous saisissez l'homme l'exhortant à révéler où se trouve Roland et les expériences et les autres expériences. Gloomhaven, le cul du lion. Mais il est déjà mort. Vous ramassez donc un morceau de tumeur, toi par exemple, afin de l'apporter à l'université. Peut-être que les chercheurs pourront l'étudier et apporter quelques lumières à la situation. Fatigué. Nous aurions gagné 25 XP chacun. Sachant que le niveau 2 est à 45 XP, il me semble. Avec les XP qu'on a glanés à droite à gauche. En gros, on passe niveau 2. Ouais, tu finis à peu près ça. Voilà, et on a le nouveau lieu Recherche Corrompue que vous découvrirez si jamais un jour vous faites ce jeu qui est exceptionnel, mais il faut avoir des bons alliés. Ouais, il faut jouer le garde rouge. Avec des gens qui ont un minimum d'intelligence. Quoi, parce que... Garde rouge est obligatoire. C'est impossible. Il est mandatory, je pense. Franchement. Dans tout jeu de rôle, quand t'as un pas truc tank, qui tank, franchement. Si tu te fais imploser. L'autre, s'il arrive. En plus, moi, vraiment, j'avais ce côté. Bah, moi, t'as pas distance, donc je suis derrière. Vas-y, toi. Il est petit, il a 8 points de vie. Bah, il se prend deux coups, il a 1, il se retourne. Le healer, il dit bah non, mais moi, je heal pas, les gars. Moi, je fais taper les gars ensemble. Sauf qu'il en reste plus que 2. Enfin, bref, c'était fameux. C'était fameux. La cohésion. Il y a rien qui allait, mais j'espère que vous avez passé un putain de bon moment avec nous, les amis. On se retrouve dimanche pour le débrief des As d'Or. On se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. Vous allez très bientôt voir. Quand je dis très bientôt, c'est courant de semaine prochaine. Il y a la vidéo qui va sortir sur cette table. Je vais vous expliquer tous les pour, tous les qui contre. Est lourde et solide. Voilà. Et. Et on se retrouve évidemment vendredi prochain pour un autre jeu. C'est encore Asmodé qui sponsorise cette émission. Oui. On les remercie. Puisque cette fois-ci, on va partir sur une de mes suggestions. Hein. En fait, à la base. Ça pas dans la À la base. Ah, t'es sûr que tu veux dire à la base ? J'ai peur que ça déçoive. Non. Non, parce qu'on le fera sûrement un autre jour, à un autre moment.
Non. À la base, on devait jouer. Peut-être mettre le plan large, non ? Oh, c'est bon. Voilà, à Tainted Grail. On devait jouer à Tainted Grail. Sauf que. Moi, je leur ai dit, eh les gars. Eh les gars. C'est quand même con. On va arriver. Le truc, il est prévu pour février. Venez, il y a un super jeu vidéo qui sort dans l'univers Harry Potter. Tout le monde va être hypé par Harry Potter. Venez, on joue à Harry Potter, quoi. Il m'a dit, t'as raison. C'est trop cool, let's go. Un jeu de deck building qui est très sympathique et qui notamment est bien pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop le deck building parce que ça permet une belle vague de progression. On avait joué il y a un petit moment avec, bah, notamment dans un plateau, puis aussi avec Tarsa. Et c'est sympathique à suivre. Voilà, on vous donne rendez-vous vendredi prochain. À 20h. De toute façon, s'il y a un changement d'horaire sur cette émission, ce sera plutôt en mars après Cannes. Pour le moment, jusqu'à Cannes, je change rien. Voilà, donc Harry Potter la semaine prochaine, puis peut-être Tainted Grail, mais une autre fois. Tout à fait. Pas de soucis. Restons dans le côté. Non, tu vois, les gens sont quand même contents. Oui. Battle, non, mais ça va être cool. Hein. Ouais, ça va être sympa. C'est pas un Legacy, mais ça a l'air terrible. Alors, en fait, dans l'émission Legacy, on prend tous les jeux qui ont une. C'est soit Legacy, soit à campagne. Et sauf qu'il y a une campagne dans le jeu. Donc, ça fonctionne. Narratif, campagne, JDR, tout ça. À partir du moment où il y a une continuité, une liaison entre les épisodes. Alors, ça rentre dans Legacy. Exactement. La définition est large. Je suis chaud. Ouais, c'est vrai. On vous fait des gros bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est disponible chez, non pas chez les marchands de journaux, mais chez toutes les bonnes boutiques et notamment chez Play-In, où vous avez 10% de réduction si vous avez le code. Si vous utilisez le code dimanche, à dimanche, 16h. Merci à toutes et à tous. Bonne nuit. Merci Axel. Rof, on se retrouve sur Snap. Ciao, sur Snap demain soir à 21h. Salut tout le monde. Ciao. Bisous. Ciao.